Allez on s'installe hein, tranquillement les gens. Ça va pas tarder, c'est très tôt hein, ce soir. Changement d'horaire. Pour notre invité de ce soir qui arrivera avec juste un tout petit peu de retard. Elle est en train de, de finir son repas. voilà hein. ouais, ce que c'est de faire des live à 20h. vois dans le chat. <laughs> tu t'es pas étouffé j'espère, tu n'as pas mangé trop vite. <laughs> C'est pas grave, j'en profite moi aussi pour manger un petit truc. Je me suis prévu une petite salade pour plus tard, au cas où, une salade d'algue, à l'ail, l'huile de sésame et en courgette crue. ça tu abandonnes les boulettes mais n'abandonne pas mange qu'est ce que c'est que cette histoire il n'y a pas de privé de manger juste pour satisfaire mes horaires draconiens enfin mon obsession d'être à l'heure ne <laughs> doit pas t'obliger à à avorter ton repas ne fais pas ça alors est-ce qu'on n'irait pas quand même un petit peu là mon propos de ce truc hop, hop, hop. des discours. pour oh, alors, on fait la on va commencer là-dessus direct par le machin de Qwens et de Michel Duchesne. Tu équipe à pas Petit goûter ou dîner Bah là, je pense que pour d'Alice, c'est son, c'est son dîner. Ton dîner, son donné Qu'est-ce que je raconte Ton donné' fais ça. Ton donné pour le dîner. Les donuts. Tu n'es toujours pas dans l'espace du control room. On pourrait quand même faire le point technique sans, sans pour autant euh, précipiter l'arrivée à l'intérieur de la chaîne. quand moins je vois si ça tourne bien. Écoutez le bon jeu de mots. Putain, le bon jeu de mots. Putain, ça va être compliqué ce soir. J'ai la tête en vrac, j'ai bossé toute la journée, je suis... Je dois avoir le QI d'une huître. Là. Je me sens complètement idiot. Eh ah ben bah, tant pis. Je ne dirai que des bêtises. Voilà. Ça changera. Si peu. C'est le bordel cet atelier hein, Faut la vache. Ça ressemble à rien du tout. Allez. On coupe correctement le cigare. Sans brouillon cette chaîne. Ouais c'est un petit peu brouillon. Mais euh, C'est ce qui fait tout le charme de la chaîne, non Je dirais à dire ça le charme de la chaîne. installez-vous. Bon, c'est sûr que c'est pas ces raids qui font ce... Oh, ça va pour les raids. Hein. Un peu d'indulgence. Je fais vraiment ce que je peux pour cette histoire de raid, hein, tu sais. Ah, bon. Je vais peut-être laisser tomber la... Le... comment... l'attente. Hein. Hein on va papoter en attendant la liste tranquillement euh, sans se laisser abasourdir par euh, la musique d'accueil. Et on fera la présentation juste euh, tout à l'heure. J'espère que ça va bien marcher. Alors... Où es-tu, hein, Dalice Donc, oui, comme je le disais à l'instant, Dalice va avoir un tout petit peu de retard. Ça ne va être euh, normalement, si la technique veut bien suivre, hein, qu'une simple formalité pour faire apparaître son visage dans la petite cellule à gauche. Si je laisse tomber la tente, demain matin, je serai plein de rosée. Je serai plein de rosée. Premier calembour de la soirée, Suze. Suis... Hmm. Si j'ai arrêté le camping depuis bien longtemps... Ah ben bah non, ceci dit j'ai refait une expérience cet été, qui m'a rappelé pourquoi j'avais arrêté le camping depuis bien longtemps par ailleurs. Hein. quel saloperie. En plus, il avait plu pendant tout le temps du camping, c'était l'enfer. Évidemment, comme j'avais oublié les règles les plus élémentaires du camping, j'ai oublié de fermer euh, la fermeture éclair de la tente. Et euh, voilà. Et tous les vêtements qui étaient dans l'antichambre étaient trempés. Plus jamais ça, plus jamais de camping, cette merde. Alors, est-ce que le son est à peu près bon, les gens Ah, que vois-je Je vois apparaître Andalys, mais j'ai pas sa tête. Ça y est, là voilà. <laughs> Dis-moi quelques mots. Je t'entends très bien. Donc, je vais copier ton solo link. Hop, c'est copié et je vais pouvoir t'introduire dans l'interface. Te voici. En décalé. Quel enfer, déjà m'attendre une fois, c'est pénible. <laughs> Mais deux. C'était compliqué, j'ai pas, pas compris du coup. Bah te voilà, tu es dedans, tout va bien, c'est parfait. Ah. Bah oui, c'est super. J'ai l'impression que c'est flou un peu, non C'est un peu flou, c'est vrai. Attends. Ah, C'est en train de, de se préciser, c'est bon. Non, tu okay. oh ouais, T'inquiète pas. L'image est amoindrie à l'intérieur de vidéo Ninja, mais je pense Ouh. que c'est parce que euh, c'est pas tout à fait le, le même traitement de l'image, j'imagine, euh, dans l'espace de visio et, euh, et ici, dans l'espace du live. où c'est tout propre. T'inquiète pas. Tu, tu, tu oui, n'es okay, pas, flou. Super. Tu pas oui. flou. Ça va. Alors. Et j'espère que tu n'es pas flou dedans non plus, qu'on qu va arriver à être un peu net ce soir. Moi, je suis content de te ah, voir. Ouais. J'y croyais bah plus. Bah oui, ça faisait longtemps. Je <laughs> sais pas depuis combien de temps on essaie de ça se programmer. Ça fait très, euh... très longtemps. <laughs> ah, qui est donc Leibniz, un antique de BD allemand Demande tuberculosidée. Euh, on évoquera peut-être qui il est euh, plus tard, parce que je sais pas si on va avoir le temps d'atteindre Leibniz. Hein, parce que ce dont on va parler, c'est plutôt euh, les rapports à la philosophie du langage généraux. Gé... Non, pas généraux. Généraux. Putain. Laurent, s'il te plaît. Des rapports généraux à la question de euh, la philosophie du langage à cette période, à la période baroque, essayer de comprendre quels sont les socles théoriques qui s'installent à ce moment-là. Et euh, peut-être qu'on va parler de philosophie du langage d'une façon plus générale, on va aborder ça pas à pas. L'idée, c'est de vous lire euh, des extraits de ça, euh, qui est à l'envers pour vous, mais c'est pas grave. C'est Langue et Langage et la mise à l'encyclopédie. L'intérêt ce bouquin, qui est le résultat d'un séminaire qui s'est étalé sur plusieurs années sous la direction de Michel Duchet euh, à l'ENS, à l'École nationale supérieure de Fontenay. Et euh, ça réunissait des linguistes, des grammairiens, enfin, toutes sortes d'intellectuels. C'est plutôt intéressant parce que ça aborde des, euh, euh, comment, des, euh, des écoles de pensée qui finalement ont un peu disparu, enfin ne nous intéressent pas forcément des masses alors qu'elles sont passionnantes. Euh, notamment euh, parce qu'elles sont tombées en désuétude, hein, alors qu'elles ont une place extrêmement importante dans l'histoire intellectuelle des siècles qui ont suivi, notamment donc les écrits jésuitiques euh, du Père Bourg et euh, les, les écrits euh, jansénistes de euh, Arnaud et Nicole. Donc on va balader entre cette espèce de matière textuelle. Est-ce que tu as réussi à choper une copie du bouquin ou pas, Vandaliste oui, oui, génial oui. Tu l'as oui. lu un peu Ah, super Non, pas du tout <laughs> Pas du tout, ça va être une découverte totale. D'accord. Et bah, comme je te disais, euh, la, la thématique du langage et moi, c'est vraiment. Je crois que c'est un un, une des questions de philo que je maîtrise le moins. D'accord. Donc euh, ça va être une pure découverte. Et Leibniz, euh, bah, du coup, euh, je connais principalement la métaphysique. Ouais. Du coup, les débats avec Arnaud euh, dont tu parlais. Euh, de ce point de vue aussi, je les ai lus. Mais euh, la question du langage chez Leibniz, j'avoue que. pas, pas tant que ça. T'as entendu parler Donc, de sa euh... caractéristique ou pas Non. Bah, précisément, pas précisément. Tu sais sans doute que Leibniz avait été hanté par des rêves encyclopédistes. Enfin, C'est vraiment un truc qu'il travaille beaucoup, hein, comme la, ouais. la méthode scientifique d'une façon générale. Mais le, le rapport encyclopédique, c'est-à-dire ce mélange d'inventaire des choses du monde et. Euh, de le euh, euh, système collaboratif des savants. Mmh. Mais l'imaginaire, on regarde tout ça. Une autre création importante, c'est une espèce de. Ce pas le premier à rêver de ça, mais c'est un de ceux qui auraient été le plus loin dans la tentative de l'expérimenter, et donc dans le ratage, évidemment. <laughs> c'est celui de, de rabattre euh, toute la. Tout le langage humain sur un formalisme logique. Il a rêvé d'une langue universelle, quoi, si tu veux. Ok. Voilà. Et sa caractéristique, c'est ça. Langue mathématisable, c'est ça. C'est ça, intégralement formalisable. Ouais. Tu... Bon, c'est pas comme si euh, il était le seul à, à être hanté par ça. Je dirais même qu'après Leibniz, ça ne s'est jamais arrêté. Euh, oui. Pour des raisons. Et il qui... me semble que dans la musique aussi, ça a eu un impact, non Bah, je sais pas si la caractéristique de Leibniz a eu un impact. Là-dessus, les propositions logico-théoriques et formelles de, des philosophes n'ont euh, pas eu de vraie raison en fait, d'impacter euh, l'écriture euh, euh, musicale euh, parce qu'ils euh, travaillaient déjà, euh, si tu veux, dans son propre champ, des aspirations euh, rationnelles. Il y a toute une branche de la musique qui n'a pas fait appel à la philo, si tu veux, pour, pour mmh. développer son appétit de rationalisation. Et notamment en fait, parce qu'il va caractériser euh, comment ces euh, vieux rêves, c'est leur prétention à l'universel. Et euh, s'il y a bien un plan d'inscription euh, euh, du fantasme de l'universel univers, qui euh, est, est tenace, c'est celui de la place de la musique comme universel. C'est euh, évidemment pas plus vrai pour elle que pour la philosophie, mais c'est beaucoup plus souvent dit encore quoi, que la musique serait. Un, Langage universel. Bon, évidemment, elle n'est ni un langage ni universel, mais on le dit beaucoup. Alors, en tout cas, c'est vraiment un truc qui se dit. Donc, salut les gens. Bonsoir. Comment allez-vous Donc, n'est pas sûr hein, qu'on cause tout de suite de l'agneau, parce qu'il arrive un peu tard dans le comment dans le, le modèle. Euh, enfin, attends, dans le pardon, dans le dans le bouquin, on va commencer par un autre truc beaucoup plus chelou, et qui va nous obliger à, à penser des trucs sur la représentation euh, et de la langue et du langage d'une façon générale dans la société c'est euh, la question après de, de savoir quels sont les les liens de la, la philosophie au, au langage on pourrait dire que quels sont pratiquement euh, comment euh, d'origine quoi de la philosophie hein. euh, en fait j'ai l'impression que des, euh, des parménides c'est déjà la question, puisque le comment le Il me semble pas que le langage soit discernable des théories de la connaissance. Hein, donc, euh, et toujours questionné à travers le langage, les relations des êtres humains au monde des choses. Euh, au monde réel, euh, à la possibilité euh, je sais pas, de le qualifier, de le désigner, de lui trouver euh, oui. un mode de pénétration, un mode de description le plus juste et le plus vrai possible. Enfin, J'imagine que tu as lu, le... puisque je lisais quand même copieusement Platon, euh, tu as peut-être lu son cratile. Hein <laughs> je n'ai pas lu, mais je connais les thèses euh, principales du cratile. Du ouais. bah, C'est pour ceux et celles qui connaissent... Euh, pas euh, dans le cratile de platon s'opposent deux euh, personnages comme souvent chez platon, c'est des formes comme ça euh, qui construisent à travers euh, la simulation un peu théâtralisée euh, de discours d'intentionnalité et de personnages, de la position kratilienne, quand on peut dire qu'elle est euh, plus ou moins naturaliste, quoi? Mmh. elle suppose, c'est ça, elle s'impose, elle suppose une naturalité du langage, en tout cas une espèce de lien, de compénétration entre la forme du monde et la forme des énoncés verbaux ouais. et son opposé c'est euh, hermogène hein, qu'on pourrait appeler plutôt un, conventionnali un conventionnaliste pardon c'est-à-dire qui suppose que le langage est essentiellement enfin exclusivement un, une construction de convention sociale euh, de convention entre les humains pour pour parler mmh. après ça va durer enfin -dire le... ce rapport là il est pas très différent au philo de la longue, longue querelle des universaux. Au fond, on parle un peu de la même chose. Voilà, de ceux qui vont tenir fermement l'existence du concept comme présent dans le monde des choses et ceux qui vont s'y opposer, encore une position nominaliste. On peut dire ouais. que les conventionnalistes sont ni plus ni moins nominalistes. J'entends beaucoup chez Hermogène les prémices d'un de mes philosophes favoris, Guillaume camp je sens que c'est là quoi qui vraiment euh, même si aucun ne se disait pas vraiment nominaliste ils se, il se pensait plutôt comme un terministe Il voyait plutôt euh, des relations entre les enfin, il voyait plutôt ça comme non pas il voyait pas les mots comme euh, euh, de, de pur nom mais comme des relations entre les choses voilà. ça ça le rend très intéressant comme des termes les termes d'une relation. Le mot ne serait pas, pour lui, le, les vocables et les concepts ne seraient pas euh, euh, de simples mots, des, euh, comme on dit à l'époque, euh, flatus vocis, des, des vents, quoi, des, des bruits de bouche, mais pour lui, des termes d'une relation. Il est encore plus subtil que les, que les nominalistes. D'où euh, mon amour immodéré pour ce type voilà. <laughs> que je trouve très malin, Guillaume de Carn. Alors, en fait. Euh, Enfin, j'ai l'impression que c'est ce rapport-là, euh, cette espèce de partition. Euh, tu me contredis quand tu veux, c'est vraiment pas non plus. Hein. Enfin, mon rapport à la philosophie n'est pas du tout aussi euh, euh, opiniâtre, raisonné que le sien. Moi, je, ma, ma carrière de lecteur de philosophie, elle est bordélique. Elle est uniquement motivée par l'appétit, et euh, donc euh, forcément, elle est très trouée. Il y a, je vais là où mon intérêt me guide. Et dès que, dès que je pointe chez moi le, le, le début d'un ennui quelconque, je me barre en courant dans l'autre côté, ce que tu ne fais pas. Tu t'interdis de faire ça. <rire> Malheureusement. <rire> des fois, j'aimerais bien. Des fois, tu bien. Non, mais je pense que je suis assez d'accord. Et euh, tu disais que ça structurait vraiment euh, la philosophie. Je pense que la plupart des, des problèmes de la métaphysique, c'est en grande partie des problèmes de langage. Et euh, une des questions principales, c'est justement est-ce qu'on peut réussir à dire euh, le réel Est-ce que les mots peuvent atteindre les choses Donc, euh, ouais, ça détermine après euh, l'ensemble le, des positions qu'on peut avoir euh, en métaphysique, je pense. Mmh. Mmh. Oui, même le, 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 la simple idée finalement d'une d'une de, 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 correspondance euh, d'une certaine nature va avoir des effets sur les rapports qu'on va entretenir avec la, euh, comment, la permanence des choses. Quoi. Que mmh. Si on arrive à croire que les choses ont vraiment une place et une permanence, alors on peut croire qu'on trouvera un dispositif rationnel complet, tu vois, pour en rendre compte. Mmh. Mais toutes les philosophies, moi j'ai un peu tendance à partitionner ça entre philosophie du temps et philosophie du continu. Les philosophies de l'espace, donc philosophie du discontinu, parce qu'on on en est encore souvent là. Eh bien, évidemment, tous ceux qui ont une vision du monde plus immanente, plus euh, plus continue, plus fluide, se, se sentent pas très très bien dans dans les relations euh, euh, analytiques et, et réalistes du langage, mais ont plutôt des rapports euh, nominalistes ou terministes. Et, euh, c'est plutôt mon école, c'est plutôt von Humboldt pour la linguistique et émotionnelle, et, et ce sera plutôt euh, deleuze pour la compréhension du monde. Et aujourd'hui, il semble que, j'espère que c'est pas pour toujours, que la philosophie contemporaine du langage est un petit peu tombée de, entre les mains de la philosophie analytique. J'ai l'impression, hein, tu vois, ouais. la, la longue lignée que je, ben, je me suis juste tapé Goodman de temps en temps. J'ai des gens que j'aime pas, mais Fodor, <laughs> euh, Peirce, euh, Frege, enfin tu vois, tout, tous les descendants ah, contemporains. Le ça, pour le coup, tu vois, j'ai essayé, j'ai lâché. Ça m'est tombé des mains. Tu as essayé par qui Tu as commencé J'ai essayé de lire un peu Frégueux, des extraits. C'était trop dur pour moi. Et Pierce, je pense que j'ai dû lire quelques essais aussi, mais tu sais, dans des petits GF, je crois que j'avais dû travailler le GF sur le langage et il y avait des extraits de textes. J'ai un petit peu bossé Peurs avec euh, Jean-François Savang, un copain qui fait euh, de la poétique et de la linguistique, juste parce qu'il euh, est très présent tu vois, dans la philosophie de l'art. Hélas, mm. c'est bien triste, mais il est là. Et c'est vrai que tu soulignes qu'il est difficile. C'est des... enfin, un des traits saillants de la philosophie analytique, c'est qu'elle se donne euh, comme ça euh, pas tout de suite, parce qu'elle est, mm. est hantée par une espèce de formalisme complètement aguerrissant. Mm, oui. Mais qui ne rapporte pas grand-chose. C'est ça qui rend désespéré assez vite, c'est que quand tu, tu fais l'effort d'aller assez loin en leur compagnie, tu as un sentiment de frustration énorme parce que au bout du compte, si tu es vraiment une amatrice de philosophie, tu vas juste être désespéré du peu que tu auras que tu à gagner au bout du compte. Avoir autant okay. travaillé pour une si faible conquête, c'est un peu, un peu désespérant. Bon bah tu, tu me rassures vis-à-vis euh, -vis de mon ignorance alors. Mmh. Tu y es pour rien je crois que cette, cette, euh, ce rapport très déplaisant au langage et à la philosophie euh, pour moi apprécie au fond le, les limites qu'il installe et suppose que c'est là qu'on va trouver les garanties de son comment, de sa scientificité. quoi mais c'est finalement des mécanismes d'autorité euh. Qui, euh, sous lesquels. C'est marrant, c'est un reproche qui est souvent fait à la philo. Oui, on n'y comprend rien, euh, c'est pour nous enfumer, etc. Ce qui est majoritairement aberrant et faux. Enfin, un minimum d'efforts nous amène généralement à constater que bah, pas du tout. Au contraire, c'est plutôt généreux. C'est vrai que c'est. Oui, si on rencontre des os. Mais déjà ce pas si euh, c'est pas si général que ça enfin des philosophes vraiment impénétrables euh, dans l'histoire on n'a pas tant que ça en se bougeant un peu le cul ça va quoi mais euh, pour la philosophie analytique euh, je crains que ce poncif ne soit vrai en fait que euh, tout ce formalisme désespérant n'est pas que désespérant c'est que euh, il est creux pour la, la plupart des propositions théoriques en tout cas chez Goodman c'est une évidence il est même prêt à renoncer à son propre formalisme quand ça l'arrange, quand il se rend compte que celui-là le met en danger, ce qui est tragi-comique. <laughs> tu as des moments... De... Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce <laughs> qui t'arrive, Coco Tu sais, c'est comme dans ces films de SF, où tu, es bon, tu dis oui, moi je veux bien toute la science-fiction du monde, mais si tu installes un dispositif, tu t'y tiens, et puis à un moment, oui. dans ce dispositif-là, il y a un truc qui ne va pas du tout avec le cadre. Et là, tu dis, ah ben non c'est pas parce que je veux bien, je veux bien partir en couille avec toi que, que ton machin ne doit pas être un minimum cohérent, s'il te plaît, fais un effort. Un ben, Goodman, c'est ça quoi. Il n'y a pas d'effort de ce côté-là. Ça, c'est incroyable. Il présente. Un... Il se présente comme un nominaliste pur euh, et en fait, quand il est euh, en Contact avec des concepts qui ne peuvent qu'échapper euh, à son système, parce qu'il ne sait pas quoi en foutre, notamment dans le domaine des passions et des sentiments. Alors il dit que ce sont des universaux. Et là, tu as la calotte crânienne qui pêche. Ok, du coup, c'est quoi un universel euh, pour un, un nominaliste euh, Ça n'existe pas, hein. normalement, c'est juste une convention. Et pour Goodman, c'est vrai pour les qualia, Ce qu'il appelle les, euh, parce que les. Comment les. Les philosophes analytiques appellent les qualia, qui se rapportent euh, au rapport euh, de sentiments et de passions. Enfin bref, tout ça était un peu aberrant. Donc j'espère que la philosophie du langage ne va pas euh, finir entre les mains de ces gens un peu fatigants. Mais il semble qu'il y a des jeunes philosophes qui s'intéressent un peu à Von Humboldt hein, et euh, qui essaient de revitaliser ce type assez chouette. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas Van Humboldt, ce n'est pas Alexander, hein, c'est son frangin. C'est Willem. Alexander est un peu plus connu que Willem Van Humboldt. Willem Van Humboldt, je crois qu'il y, a... y a vraiment de la matière pour penser assez longtemps avec ce monsieur. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire rapidement euh, sur, euh, sur langue et langage qui ne pas encombrant pour tout le monde on ne va pas faire de la, enfin, ni de la linguistique ni de la philosophie du langage là. Enfin, L'idée, c'est de se balader euh, un petit peu à la période euh, qui nous intéresse, quand même. C'est-à-dire euh, euh, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, après la préparation euh, à, au siècle J euh, des Lumières. Puisque euh, là, je ne connais plus les dates euh, exactement, mais est-ce qu'il je faut pas noter ça quelque part J'ai fait une petite fiche avec les trucs que je ne sais jamais les, les dates des gens. J'ai dit, mis, il est né au milieu du XVIIe siècle. Voilà. <laughs> tu sais que je m'étais dit que j'allais réviser un peu mes débats entre jansénistes, <laughs> euh, jésuites, tout ça. Ouais. Au final, je n'ai pas eu le temps. Ah, d'accord. Je n'ai pas fait mes révisions. Non, ce n'est pas très, très grave. Et euh, le père Bour. c'est 1646-1716. Euh... Ok, donc comme j'ai eu... vraiment l'articulation XVIIe, XVIIIe. Ah, ouais. ouais. Alors c'est un moment un peu particulier de l'histoire, euh, il faut que vous mettiez en tête, en dehors du fait que l'histoire est toujours bordélique en Europe et très violente pendant des siècles avant, mais là il se passe un truc quand même qui est assez important à retenir, c'est que euh, on n'est pas loin de voir euh, se briser une espèce d'entente cordiale entre les chrétiens euh, qui régnaient depuis euh, Henri IV. Vous avez entendu parler, j'imagine, des conséquences du chaos qui a déchiqueté la France entre protestants et catholiques à la période d'Henri IV, qui a dû donner naissance à un édit, l'édit de Nantes, pour calmer le jeu un peu et faire vivre, si possible, tout ce petit monde de façon un peu pacifiée. Donc, euh, la réforme, c'est... 1580 ou 1550, je ne sais plus. Ah, je ne sais plus, la réforme luthérienne. Bon, c'est quand même passé entre le milieu et le, le deuxième tiers du, comment, du 16e siècle. Et ça s'aboutit, après euh, d'immenses violences, comme vous le savez, à un dédi, édit l'édit de Nantes, qui est censé un peu pacifier la relation entre les chrétiens. Et Louis XIV ce trou du cul brutal et, <laughs> et tyrannique, persécute pas mal les protestants. Et il veut que la France redevienne hein, ce territoire catholique. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va persécuter continuellement les protestants, de façon administrative, mais pas que. De telle manière que lentement, hein, les, euh, le culte protestant va disparaître de la sphère publique, puisque un nombre considérable de mesures seront prises pour lui interdire une certaine visibilité. Et c'est assez tordu, puisque Louis XIV va euh, proclamer, je crois que c'est l'édit de Fontainebleau, mais on a l'habitude d'appeler ça plutôt révocation de l'édit de Nantes, on va proclamer la, la fin de tout ça parce que. Le protestantisme n'apparaît plus en France, donc il se serait naturellement dissous dans le temps. Donc il provoque d'abord, tu vois, cette dissolution artificielle dans le tissu social. Après quoi, constatant qu'il n'y a plus de protestants, on les voit plus, il dit Bon, ben, c'est plus la peine de garder les dits de Nantes, il ne sert à rien, il n'y a plus de protestantisme. Donc révoquons les dits de Nantes. Voilà comment ça a été fait. Magique. Donc on en est là. Et euh, ça a des effets évidemment assez euh, importants sur la vie intellectuelle de ce moment-là et sur les tensions entre les différents milieux intellectuels. Notamment, comme on va le voir dans ce, ces différents textes qu'on va lire avec Candalis, entre deux écoles de pensée euh, très opposées, et je dirais même euh, de façon polémique, et assez combative hein, les jansénistes et euh, les jésuites. Voilà, voilà. On reviendra peut-être sur qui sont ces gens après avoir commencé un peu la lecture. Est-ce que tu as déjà des trucs à nous dire, en Alice Ben non, j'avais mes notes, mais je n'ai pas révisé. <laughs> tu as des notes que tu n'as pas remises. C'est vrai, on a, on, après tout, on n'a jamais mis qu'un an à mettre au point ce rendez-vous. Ah, <laughs> euh, certes, mais euh, du coup, moi je pensais euh, qu'on que, qu n'allait plus le faire c'est vrai c'est vrai tu pensais que j'avais abandonné ça, ça faisait tellement longtemps ouais, moi je suis un vieux chien je n'abandonne jamais une fois que je, je mords un sujet qui me paraît intéressant et l'occasion de papoter philosophie je, je ne lâche pas <laughs> j'espère que ça va t'amuser un peu quand même cette lecture et que ça nous fera réfléchir à des trucs euh... bon, j'ai l'impression que là pour l'instant c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin dans les, les préparations on reviendra sur les jansénistes et les jésuites après. Je vous dis juste que le premier texte d'introduction qu'on va lire, hein, qui va présenter euh, euh, la découverte de tout ça, euh, la découverte qu'on va essayer de lire aujourd'hui, c'est les entretiens d'Arist et de Gênes, hein, du père Bourg. Donc là, euh, le père Bourg, c'est la sphère plutôt jésuitique. Hein. Euh, et le père Bourg, soit la littérature et l'idéologie. Et avant d'aller là... Il y a une petite ouverture au bouquin, donc euh, c'est cette ouverture qu'on va lire. Je vais peut-être vous parler très très brièvement parce que j'en sais pas grand chose. Euh, comment c'est des auteurs et autrices, c'est un duo. C'est Michel Duchet, donc Michel prénom féminin, qui est une euh, professeure et historienne euh, qui est morte euh, il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, il y a une vingtaine d'années, en 2001. Euh, elle était euh, comme prof d'anthropologie euh, aussi. Elle a un, son matériau de prédilection, c'était le 18e siècle, le siècle des Lumières. C'était sa spécialité, la littérature et l'anthropologie du 18e. Elle a bossé à la Sorbonne. Hein. Elle a enseigné comme maître de conférence. Voilà, là, j'avais prévu ma petite fiche parce que c'est des gens que je ne connais pas en fait. Et il y a Pierre Quens que moi je connaissais, mais ce n'était pas le bon. <laughs> le ah Pierre bah, qu ce que je connais premier était premier. un musicien. Bah écoute, je ne sais pas grand-chose de lui, sauf qu'il a beaucoup participé à, la, à des revues de comment, linguistique et de littérature. Il a participé à Langue française, à euh, Littérature, Analyse du discours et Sociocritique, à la revue Communication en pluriel et à la revue Langage. Donc c'est un linguiste. Okay. Hein. Voilà, c'est un critique littéraire. Je ne connais pas son obédience linguistique parce que j'ai pas eu le temps de le lire. Il y a pas mal de ses textes chez Percé. Donc, je peux vous montrer la fiche. Il y a un moyen de le lire. J'ai rien trouvé de Michel Dichet en ligne. Je mais... vous donne ça tout de suite. Voilà, là, on doit pouvoir lire un petit peu ce Pierre Kren. Donc, Je ne connais pas son obédience. Mais ça peut changer des trucs très... confonds en linguistique, c'est fou, hein clairement. Ça, là, euh, les euh, comment les fractures que, que j'évoquais tu vois à l'ouverture euh, du live hein, entre les, les territoires euh, du continu et du discontinu entre les réalistes et les nominalistes euh, entre les visions un peu cybernétiques du langage et au contraire les visions euh, posées euh, du côté euh, plutôt de la subjectivité euh, c'est complètement différent quoi. parce qu'en fait les euh, comment euh, comment dire ça les, les marottes théorique et ça va favoriser parfois euh, complètement le rapport expressif au langage, et parfois le rapport descriptif, c'est pas du tout pareil. Donc ils vont appuyer parfois le, le caractère dysfonctionnel et conventionnel du langage. Donc fonctionnel, ça reste encore à... même à l'intérieur de la fonctionnalité, il y a plusieurs façons d'envisager la question. Tu vois, comme le, la langue c'est un système de signes quand même à forte conventionnalité historique et sociale euh, on, se repose, on peut reposer des théories linguistiques sur cette situation en oubliant en escamotant euh, ce qui y travaille au fond bien plus que la communication c'est la subjectivation et euh, donc on, on essaie de garder en tête au moins ça si, et à, à moins que tu n'acceptes pas cette proposition dans ce cas là pourquoi pas euh, C'est-à-dire une proposition qui, pour moi, défonctionnalise les rapports de langue, hein, c'est que je ne pense pas qu'on utilise la langue. Je pense qu'on l'effectue, et qu'en l'effectuant, on effectue. Donc, euh, je partage avec Benis la certitude que bien plus que de communiquer, le langage qui euh, comment qui effectue la langue ou qui s'effectue dans la langue euh, fait vivre. Et je pense que aussi l'autre caractère n'a rend pas euh, collection d'outils, c'est qu'on connaît sa collection d'outils, or on ne connaît pas la langue. La langue est, je dirais, historiquement inconnaissable. On ne connaît la langue que trop tard, en quelque sorte. Voilà. Est-ce que ces propositions te vont Ou est-ce qu'elles te paraissent obscures non, non, j'ai compris, okay. j'ai l'impression que tu as, as une position un peu, peut-être que <laughs> tu ne vas pas aimer ce que, ce que je dis, mais ça me, ce que tu disais, ça me faisait penser à la position de, de Lacan un petit peu, vis-à-vis euh... -vis du langage, quand tu parlais de, de subjectivation et de constitution de soi, enfin euh, qu'on est effectué par le langage, dans ce sens-là, ça me, ça me faisait penser mmh, à... Euh, C'est pas, ouais, le... comme... pas là que j'aurais été chercher... Euh, mes oui, ressources. je pense pas que c'était... Euh... Non, mais tu ça pensais, va. Mais... J Alors, sache-le, j'ai zéro inhibition par rapport à la psychanalyse euh, du point de vue théorique. Voilà. Okay. J'ai même de la sympathie pour les propositions théoriques euh, des psychanalystes historiques, euh, même quand elles déconnent, parce que évidemment, une... enfin, Freud déconne parce que Freud a tout à inventer. Donc, voilà. Donc forcément, oui, ça déconne. Ça correspond à un moment de l'histoire des idées. Donc, forcément. Mais c'est vrai de nos philosophes aussi. Des fois, ils partent en couille. Bon, bah oui, mais c'est normal, ils ont une histoire. Donc, euh, voilà, on travaille avec eux, on va pas les congédier parce que sur certains sujets, ils sont un peu nuls. Bon, bah voilà. Freud, sur certains sujets, est un peu nul, mais sur la psyché, il, a, il nous a libéré de pas mal de superstitions, déjà. Et pour longtemps, il nous a ouvert à, bah, au sujet. C'est déjà beau. Je trouve trop. Il... il rend vraiment très très présent la subjectivité, c'est vrai. Et Lacan plus encore. Donc, moi, je voyais ça d'un point de vue plus social, c'est-à-dire que c'est important parce que ça va nous obliger à considérer la langue dans son dans le domaine d'expertise qui nous concerne tous, quoi. C'est son c'est le domaine politique. Mmh. Ouais. Bah, en ouais. même temps, Lacan il dit ça aussi justement que Le, le, le langage c'est politique et que la constitution du sujet du coup se fait de, de manière politique. Je crois qu'il dit ça dans le dans ces dans séminaires là, quelque part. Euh. Ah, J'ai pas <laughs> de souvenir de ça parce que Lacan il se défiait énormément, peut-être pas du politique, mais au moins de la politique. C'est un des enfin, un des trucs qui est important pour lui, c'est que enfin, y a un côté que. Ce n'est pas quelque chose de séculier pour lui, la, la psychanalyse. Et c'est probablement parce que le, on pourrait dire que le, le système de l'inconscient, il, euh, il tente au maximum de les déshistoriciser. Quand il l'historicise c'est dans euh, les fonctions intersubjectives immédiates, la famille, ou des choses de ce genre-là. Il y a un mmh. peu, tu vois, une tentative d'escamoter les constructions sociales. C'est un des petits défauts de la cuirasse psychanalytique de cette période. Bon, ça va changer, aujourd'hui on n'en est plus là, mais bon. Donc lui il prend, invite plutôt ses, euh, ses auditeurs à se méfier de la politique. Mais il a une conscience de la politique qui lui aussi donnée par Freud. Hein. Enfin, quand Freud écrit malaise dans la civilisation, il a aussi cette conscience qu'il y a une coprésence des problèmes individuels et enfin, que la société est composée de sujets. Quoi. Et qu'il qu y a une porosité, en tout cas, aux problèmes de l'un et de l'autre. Et euh, quand je dis que c'est politique, je veux dire faire là que les propositions politiques emportent toujours avec elles des théories du langage et des théories de la langue. On voit très très bien dans l'extrême droite la, la sanctification d'un idéal national de la langue passe aussi par une théorie des énoncés et des discours très très assurée, très sûre d'elle, qui a des effets non négligeables pour partitionner la société par exemple. C'est pour ça que quand je dis que la langue est inconnaissable, je veux dire que la langue, c'est ce qui s'effectue par tous les sujets qui ont en partage, à un moment M, son euh, socle euh, historico-social. En gros, nous, la langue n'est pas connaissable parce qu'elle est inlassablement produite par ceux qui parlent ce tissu euh, national et historique. À partir de là. Il est complètement vain d'imaginer qu'un tel ou une telle ne parlerait pas le français, parce que juste le français, ça <laughs> n'existe pas. <laughs> C'est voilà. ce qui rend l'Académie française un peu ridicule d'ailleurs. Rend... <laughs> bah, on est en plein dedans avec notre période. Là. On est au moment, ouais. pas de sa naissance, elle est née un peu avant, elle est née avec, euh, avec Vaugelas, etc., pour la vision de la langue française. Mm. Mais euh, le Père Bourg, qu'on va lire, euh, il se réclame de Vaugelas. Il a une vision complètement euh, essentialisante. Oui, oui, ah oui, c'est sa référence principale. Alors, Glitch dit, les grammiriens arrivent toujours post festum. Oui, ils arrivent toujours après la fin. Salut euh, Clint. Alors, par exemple, Spinoza, il lit des trucs <laughs> qui donnent envie de jeter le bouquin par la tête. Si tant est qu'on dispose d'une fenêtre par laquelle le jeter. Voilà, quand on parle de misère sociale, Glitch n'a même pas une fenêtre dans son traité théologico-politique. Oui. Bah. Euh... L'ignis lui, nous a gratifié d'une théodicée. C'est pas rien, quand même. Oui. <laughs> il juge Dieu. Ouais. C'est bizarre. Hein L'Agnès, inc... de, de ce point de vue, il est assez incroyable. Je trouve que il a peur de rien. Non. Et vraiment, son ambition de, de tout rationaliser elle, 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 va jusqu'au bout. Oui. Et je trouve que c'est beau. Oui, <laughs> oui. Ouais, c'est vrai. On, on... Mais c'est un optimiste aussi. C'est que. Ouais. Une de ses conséquences de sa métaphysique, c'est quand même que, que Dieu est absolument bon et bienveillant. Mmh. Ouais. Et, je ne crois pas, en fait, moi. <laughs> moi, je ne crois pas non plus. Je préfère l'hypothèse de Philippe Ross. <laughs> Philippe Ross postule que, oui, Dieu nous a bien créés, mais il est complètement fou. Et que nous sommes les créatures jetées en pâture à un cosmos absurde d'un Dieu fou. Il ne dit même pas qu'il est mauvais, il dit qu'il est fou. Et que c'est ça, notre grand malheur. Voilà. Il n'y a rien de, de rationnel dans notre présence ici, selon lui, selon Philippe Ross. L'opposé de Leibniz. <laughs> il n'est pas Leibnizien. T'en déduis que Arto est Leibnizien, dit Glitch. Oui, Arto est Leibnizien, je ne suis pas sûr de ça. Alors, mais mes yeux, quand même, il est doué puisqu'il décide le meilleur des mondes possibles. C'est ça. C'est l'idée générale ouais, qui va se, se dégager dans ce type de proposition. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'allais dire euh, avant de dire toutes ces conneries euh, Je disais quoi des rapports euh, généraux au langage, donc qui vont appuyer plutôt le rapport euh, mm -hmm. comment à la réalité empirique plutôt que le rapport social. Euh, et voilà, on en était là. Mm -mm -mm. Enfin, avec une partition bizarre, parce que là, quand je dis que, que l'un va Enfin, que l'une des marottes théoriques va favoriser le, le, le rapport à la réalité empirique plutôt que le rapport social et intersubjectif, ça postule qu'il y aurait une séparation entre les deux. Cette séparation elle-même elle est idéologique, enfin, évidemment. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que l'empiricité n'est pas sociale ou que les rapports sociaux euh, ne sont pas empiriques. Je, je pense tout à fait le contraire. Mais euh, ces deux propositions théoriques euh, euh, de la langue hein, qui s'opposent commencent toujours par cette étrange partition. Allez. Lisons des trucs. Tu m'arrêtes <laughs> quand tu veux. Tu veux qu'on commence donc à l'intro, c'est ça? Ouais, je pense que c'est pas con de faire ça. OK. Parce que ça nous met dans le bain et comme ça, on pourra poursuivre un peu finement euh, par la suite. Allez, on y va. C'est Michel Duchet qui cause en premier. Je voudrais en guise d'introduction à ce séminaire soulever deux questions. La première est celle de l'interdisciplinarité. Pour les étudiants qui ont souhaité tenter cette expérience et pour la plupart des enseignants qui ont accepté de répondre à cet appel, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, euh, je crois que c'est dans les années 70. Hein. Euh, oui, bah, ça mentionne 68 euh, juste après. D'accord, très bien. Euh, le bouquin est publié par 10-18 en 77, mais on sait, hein, je crois que le séminaire a duré vachement longtemps il s'est étiré sur. Euh, sur plusieurs années. Donc, cette question de disciplinarité, alors, je ne dis pas que le problème est réglé, mais ça s'est un peu amélioré. En fait, que des, euh, que des chercheurs de disciplines différentes travaillent ensemble, c'est devenu un, un peu plus courant. À l'époque, c'était très rare. Quoique en philo, euh, pas tellement, euh, j'ai l'impression. Pas tellement Ouais. Selon moi, en tout cas. Dans. Par rapport à ce que je fais, les concours, etc., ça reste quand même assez clos euh, sur soi. Ça veut on dire... utilise d'autres disciplines, mais on n'essaye pas vraiment de d'échanger tant que ça euh, avec les autres disciplines, quoi. Tu veux dire que vous, par exemple, vous pouvez recevoir des cours de philosophie des sciences sans avoir d'intervention de scientifique, par exemple, pour venir Oui, oui, oui. C'est vrai C'est exactement ce que je veux dire. Oui, <laughs> oui, oui. Ah bon, très intéressant. Ouais. Euh... Ceci dit, ça fait pas mal, ça fait pas mal d'années que, que j'évoque, enfin depuis mon adolescence en fait, la nécessité pour de faire de l'histoire de l'art correctement, que les historiens de l'art euh, travaillent avec des artistes déjà, parce qu'il y a mmh. comment des observations sur la peinture ou sur les objets produits qui ne peuvent être faites que depuis euh, l'expérience de la durée. Propre à la réalisation des œuvres. Et que ça, les artistes sont très au courant de ces propriétés, euh, du caractère qu'on pourrait dire transformant et imaginant de la pratique. Parce que les artistes ne sont pas confrontés à des objets finis, mais à des objets en train de se faire. Donc euh, quand ils voient des objets finis, ils ont une conscience de ce que ça veut dire. C'est en train très lentement de se mettre en place seulement maintenant, le travail des mmh. historiens d'art avec des artistes. Donc oui, c'est peut-être. Euh, bon. <laughs> j'ai peut-être pas encore gagné <laughs> l'interdisciplinarité bah l'éducation en France ça avance lentement quand même faut pas trop ouais. trop en demander non plus ah, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner à construire l'enseignement bah, oui, au moins dans aussi, le non. supérieur mais par exemple pas avec un prof tu vois mais sur des sujets qui touchent on pourrait dire assez fondamentalement euh des questionnements euh, divers, enfin en tout cas qui s'effectuent dans différentes disciplines, à faire des quoi avec deux, trois intervenants, tu vois, ouais. en même temps, quoi, euh, qui pourraient prendre une notion qui leur est commune et commencer à l'interroger depuis leur discipline, hein, des notions simples, quoi, enfin, moi, l'idée je ne sais pas, la notion d'arrière-plan, par exemple, elle me semble passionnante à travailler en art, en philo, en écologie. Ça devient tout à fait une question passionnante. Pour l'un, ce, euh, ce sera le rapport à son objet euh, de travail euh, dans la représentation. Pour l'autre, ce sera la nature comme arrière-plan. Enfin, C'est une question complexe, la question de l'arrière-plan. Et euh, elle gagnerait à être interdisciplinée, je pense, par exemple, etc. etc. Et puis, en plus, Enfin, on sait bien les effets qu'ont les, les entrechocs de la connaissance, tu vois, qui nous amènent dans des endroits mmh. vraiment très inattendus de la pensée. Et d'un seul coup, fait, Ah tiens, je, je, c'est der le dernier endroit au monde où j'aurais été cherché. » et, ouais. et voilà que ça m'éclaire sous un jour nouveau mon, ma, mon propre objet. Quoi. Bon, on y arrivera bien. Ce monde étant déjà quasiment au pire, il ne peut pas s'envenimer. Hein. Je ne crois pas un mot de ce que je dis. Donc, euh, c'est quelque chose de tout à fait nouveau dont la nécessité est apparue, ou plutôt venue à la surface, dans les séances de travail qui ont rassemblé les uns et les autres en 1968. Séance où le cloisonnement des disciplines telles qu'il existait dans l'université a été justement dénoncé comme un obstacle au progrès de chacune d'entre elles et plus généralement au progrès de la recherche. Mais il est plus difficile de concevoir ce que peut ou ce que doit être une recherche interdisciplinaire. C'est ça, oui. Comment Comment on a produit cette construction ça, Comment lui donner un cas, là On court le risque de confondre deux choses, à mon sens, très, différemment, très différentes pardon. la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité. C'est surtout la première que la structure actuelle de l'université favorise. Le jeu des unités de valeur, des dominantes, des sous-dominantes, permet aux étudiants d'acquérir une formation beaucoup plus complète que naguère, de s'initier aux méthodes de recherche en histoire, en philosophie, en linguistique, en littérature, et de prendre conscience de l'unité des sciences humaines. Un peu ce dont on parle et le fait qu'on puisse recevoir effectivement une petite formation. Mais on la reçoit une formation sur des sujets uniquement depuis notre sujet. C'est là que la limite est quand ouais. même euh, vite. Je te dis, ma compagne qui a suivi elle, une formation euh, psy à l'université déplorait de recevoir des cours de psychologie sociale euh, sans jamais avoir vu un sociologue. Voilà. Euh, donc, euh, c'était des questions. Euh, problématique aussi quoi c'est que du coup la vision même de la société comme problème ou comme concept était dès le départ largement psychologisée donc il manquait même des questions de méthode tu vois tout simplement les outils sont pas du tout les mêmes pour construire une idée du collectif mais l'interdisciplinarité c'est beaucoup plus que ça il ne suffit pas de réunir des spécialistes de différentes disciplines considérées comme complémentaires pour mener à bien une recherche interdisciplinaire. Il ne s'agit pas d'échanger des informations, ni de faire circuler un savoir, ni de confronter des méthodes. Il n'est sans doute pas inutile d'avoir acquis quelques connaissances dans chacune des disciplines auxquelles on entend faire référence. C'est pourquoi l'interdisciplinarité ne peut se développer que sur la, sur la base d'une expérience pluridisciplinaire. Mais rien ne serait plus dangereux que de croire qu'on peut progresser dans sa propre discipline en empruntant à d'autres des méthodes ou des résultats. Est-ce que c'est si certain que ce soit dangereux <laughs> Je me méfie de l'apparence... Que... Mais non, mais c'est vrai, ça a l'air fait rationnel. Ça sans cesse en fait. <laughs> oui, exactement. Et puis on voit bien qui s'y oppose. Tu vois, j'ai vraiment un souvenir, euh, une affaire qui a secoué la pensée. Euh scientifique des années 90, qui est douteuse, c'est la supercherie de Socal et Briquemont, qui pour s'en prendre à tout un corpus de textes et de disciplines sociales, surtout euh, philo, euh, psychanalyse, etc., alors avait brossé un portrait euh, radicalement agressif et ridiculisant de toute la, en gros, toute la pensée française des années 70, euh, sous le prétexte que celle-ci allait piocher. Dans, euh, les images, euh, dans les images scientifiques ou dans les notions euh, de, de quoi construire son propre champ de métaphore. Et là, euh, c'était scandale. Évidemment, cette critique est, est très largement euh, elle-même critiquable. Mmh. De telles greffes n'ont aucune chance de réussir parce que ni ces méthodes ni ces résultats ne sont du savoir tout fait. Ils sont indissociables d'une démarche d'ensemble qui les a articulés dans un certain champ qui constitue leur fondement théorique. Oui, enfin bon. Qui euh, travaille avec l'historicité de tous ces objets T'imagines, pour devenir un pilote automobile, un bon pilote, tu devrais connaître l'histoire de la machine à vapeur, de la première automobile. C'est <laughs> débile en fait. Non mais c'est vrai, c'est un peu aberrant comme proposition. On ouais. est tous à peu près conscients qu'il y a une histoire de nos objets. Bon, je n'entends pas beaucoup cet argument pour ma part. Ce qui est par contre possible, c'est de voir comment des disciplines distinctes mais voisines appréhendent un même objet. Quel type de questions et quel type de réponses celui-ci appelle à l'intérieur de chacune d'entre elles Quelle place il occupe dans l'espace où elles déploient leur logique et leur problématique Le succès de l'entreprise dépend pour beaucoup de l'objet choisi. Essayons donc maintenant de considérer le nôtre. Disons tout de suite qu'on ne peut le désigner manière, que d'une manière provisoire. Le but de ce séminaire est précisément de le constituer en objet de recherche. Nous partons de l'idée que l'étude des problèmes du langage au XVIIIe siècle mérite de revenir l'attention des linguistes, des philosophes et des littéraires. Donc là, trois catégories de la recherche qui semblent avoir en commun effectivement d'une manière ou d'une autre comme objet le langage. On va dire ça comme ça. Hein. C'est peut-être une illusion, hein. Je suis pas certain que je suis pas certain que le langage soit vraiment l'objet de la littérature par exemple. c'est une question, je conçois qu'elle soit celui de la poésie mais euh, de l'intégralité du champ littéraire, je suis pas sûr. Voilà. c'est une question ouverte en tout cas. Tu penses que c'est quoi l'objet de la littérature Pourquoi, du coup, le, ce serait, ce serait l'objet de la poésie et pas du reste de la littérature Je crois que l'objet de la poésie est fondamentalement critique des usages, et notamment des usages de la langue. Et peut-être critique aussi du langage comme activité, au moins sur le socle des évidences sous lesquelles on se le représente. Par exemple, évidence de la communication. La poésie, en tout cas c'est vrai en France, il hein. faut comprendre aussi qu'il y a un tropisme français très spécial de l'histoire de la poésie, qu'elle a perdu son caractère vernaculaire depuis très longtemps, que c'est une activité d'intellectuel, dans un cercle d'intellectuels, que la place sociale de la poésie en France est vraiment à part. Donc je parle de mon point de vue historique très très situé, celui d'un lecteur de poésie essentiellement occidentale, française et américaine, et de la... ce qui est conscient, par exemple, qu'entre la France et les États-Unis, la place du poète n'est pas du tout la même déjà. Même si on a une histoire commune de l'écriture, partagée, elle est plus partagée que commune en fait. En France, la poésie s'offre presque, je dirais, de façon évidente à la proposition malarméenne. L'idée que langue et langage sont processus et matériaux. Et qu'il travaille sans cesse une critique, assez politique d'ailleurs, hein. euh, c'est souvent une critique de la langue bourgeoise, hein, qui travaille, qui vise essentiellement à dévisser les évidences sur lesquelles les rapports euh, d'échange se font, tu vois, à les mettre en péril, à les fissurer, à produire des textes qui rendent immédiatement sensible le caractère arbitraire des conventionnalités. L'univers voilà. romanesque, mais je sais que cette partition, elle est douteuse parce que. Il y a des romanciers qui s'emparent se, aussi de ces questions. Hein. Donc, oui. Je suis d'accord sur le fait que c'est sans doute un peu critiquable. Mais il me semble que l'objet du romanesque, par exemple, dans le champ littéraire, c'est l'aptitude politique et sociale à produire un contre-monde. C'est-à-dire à tirer de l'organisation du monde la possibilité de produire un espace de réflexion qui, d'une manière ou d'une autre, imite, selon un certain nombre de conventions, la façon dont se comportent des sujets sociaux, et produit un autre appareil critique qui ne se fait pas directement dans le corps de la langue euh, comme objet, mais simplement en la traversant, comme trajet, tu vois, euh, et dont euh, peut-être la nature discursive l'emporte très largement sur euh, le côté matériel du travail sur la langue euh, simplement parce qu'il me semble que l'un exclut pratiquement l'autre en gros que un travail radical sur le, la langue comme matériau ou comme euh, imposition euh, comment euh, imposition sociale etc fait obstacle à la production de ces mondes artificiels il y a une limite qui est vite atteinte c'est que dans des romans expérimentaux comme ceux de Manzi ou de Guyotard, la ou Maurice Roche enfin tous ces grands écrivains des années euh, qui sont un peu les héritiers des rapports de Joyce au fond hein, dans en rêve là une hein, espèce de rêve de totalité euh, qui voudrait effectivement sans doute je pense à hein, couper cette, euh, enfin, déchirer la membrane entre roman et poème et bien à chaque fois le, la lecture vient buter en partie contre cet obstacle qui euh, brise le contrat vaguement immersif qui est un renoncement attendu de la part du lecteur au cadre de sa réalité ordinaire, qui permet de toucher aux, euh, aux propositions politiques, oniriques, enfin, tout ce que tu veux, tout ce que le roman peut, peut produire. J'ai l'impression que si quelque chose euh, les sépare, c'est à cet endroit-là, c'est que là où le poème fait de cet enjeu son enjeu majeur et ne, ne s'autodétruit pas de cet enjeu, il peut même aller le plus loin possible hein, dans cet enjeu. Le romanesque doit toujours garder sur le fil tendu la représentation. Voilà, je veux dire les choses connement, la possibilité de représenter. C'est plus simple de le dire comme ça. C'est toute la nuance tu vois, qui peut exister entre, par exemple, le cinéma narratif et le cinéma expérimental, où d'un seul coup, le travail sur le matériau filmique et visuel euh, viendra tôt ou tard faire obstacle à la narrativité. C'est-à-dire à, à la possibilité pour le spectateur d'oublier qu'il est en train de regarder un film. Ça te, okay. paraît, ça te paraît audible comme je, partition je, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Mais je pense que je suis pas vraiment d'accord, mais je comprends ce que tu veux dire. Non, non, mais dis-moi, qu'est-ce qui te paraît. Euh... Euh, bah, que, pour moi, le, la, les séparations entre la poésie et les romans, elles sont principalement en général arbitraires et de type formel. Et euh, bah, comme tu disais, du coup, il y a beaucoup d'exceptions dans le champ des romans, autant que dans le champ poétique. Et je pense que les ressources, euh, les modes d'expression utilisés... Et la manière justement d'utiliser le langage sont vraiment variables. Mais après, je comprends ce que tu veux dire, parce que si on prend de manière générale ce qu'est la poésie, c'est vrai que la poésie a plus tendance à faire de son objet le langage que, que les romans dans l'ensemble. Donc euh, je pense que je, je suis quand même un peu d'accord. <laughs> mais. <rire> à gros gras, on va Ça <laughs> reste une généralisation, oui, c'est ça. C'est ça, d'accord. Oui, sans doute. Sans doute, mais bon, il m'arrive souvent de réfléchir en parlant et d'entendre de, les limites de ma proposition au moment où je les énonce. Donc, en, en temps parlant, j'entends raisonner dans ma petite tête toutes sortes de poèmes épiques qui visent à une langue de la transparence, mmh. par exemple, totale, oui, euh, pour disparaître comme, je comme euh, texture et faire apparaître le récit euh, épique. Je pense mmh. à la poésie, euh, je ne sais pas, de Jack Spicer ou des choses comme ça. Salut Louisa. Salut, Anticapacitiste. Euh, effectivement, oui, c'est limite. On va dire que ce sont des membranes très poreuses. Voilà. Oui. <laughs> bon. Euh, donc, qu'est-ce qu'elle plaçait ta, 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 On en était sur la cohabitation euh... de linguistique, littérature et philosophie, c'est ça. Oui. Ce qui est par contre possible. On avait lu, c'est de voir ah, voilà. comment ces disciplines distinctes, etc. Ça. Hum. Il suffit de considérer l'ensemble. Alors, nous partons de l'idée que l'étude de problèmes du langage du XVIIIe siècle mérite de retenir l'attention des linguistes, des philosophes et des littéraires, c'est ça. Il suffit de considérer l'ensemble des publications qui se sont multipliées ces dernières années pour en être convaincus. De nombreux textes, longtemps négligés, de l'essai sur l'origine des langues de Rousseau à la grammaire de Port-Royal. Des figures du discours de Fontanier aux écrits de Maupertuis ou de Turgot ont été réédités. Des philosophes, des linguistes, des littéraires ont eu leur part dans cette production dont nous nous proposons de tirer parti. Il n'y a pas de hasard dans la recherche. Cette convergence déjà a un sens qui n'importe de faire apparaître. En ce qui concerne la linguistique, dont l'objet propre est d'étudier la nature et le fonctionnement du langage et d'une manière générale de tous les systèmes signifiants. Le problème est sans doute moins dans une perspective interdisciplinaire d'examiner les théories du langage au XVIIIe siècle en elles-mêmes, que de réfléchir sur la place qu'elles occupent dans la pensée des Lumières. Je crois que c'est aussi ce qui va nous intéresser beaucoup, quoi. parce on a des théories à ce moment-là, donc celle des pont ou euh, celle du Perbourg c'est voir comment elles prennent place dans ce dans le siècle et dans les idées de ce siècle et dans les compositions sociales dans, dans le, le territoire théologique assez agonistique assez violent assez partagé c'est plus intéressant encore que le cœur de ces théories elles-mêmes qui va peut-être pas nous parler beaucoup je crois qu'il y a un... effectivement on va voir hein, parce que moi, j'entends beaucoup la voix de Zemmour, hein, dans celle du Perbourg. Il <laughs> y a des moments... Ah. ah oui, dans sa glorification de, de l'évidente clarté et l'immense supériorité de la langue française sur toutes les autres, le Perbourg, il y va, mais à fond, les balouches. Ah, hein. intéressant. Ah, 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 ah oui, bah, <laughs> ah, oui c'est un truc fou. Hein, le... Oui, on va s'amuser. Ah bah oui, lire le Perbourg aujourd'hui, c'est bizarre. C'est hein. <laughs> quelque chose. Mm. Il quelque chose. Euh... Des philosophes, des linguistes, des littéraires ont eu leur part dans cette production dont nous nous proposons de tirer parti. Non, pardon, je suis con, j'ai déjà lu ça. Il faudrait peut-être mettre mon petit doigt sur la page, hein, comme ça je ne me perdrai pas toutes les <laughs> cinq secondes dans mes propres propositions. Oui, la théorie de langage elle-même. Et c'est sur cette pratique pédagogique qui lui correspond. Et sur une pratique pédagogique qui lui correspond. C'est du moins ainsi que Jean-Claude Chevalier et Pierre Quentz, si j'ai bien compris, ont travaillé l'an dernier déjà à Vincennes. En ce qui concerne la philosophie, rappelons simplement, nous aurions mille occasions d'y revenir, qu'au XVIIIe siècle, examiner en philosophe les problèmes du langage, c'est d'abord s'interroger sur le fonctionnement de l'esprit c'est faire une théorie de l'entendement. Turgot voit par exemple dans l'étude des langues une métaphysique expérimentale. Susceptible d'éclairer le travail de l'esprit humain et le mécanisme de l'association des idées. Ça veut dire que, bon, même si personne n'a proposé en plein XVIIIe siècle euh, l'idée selon laquelle l'inconscient euh, est structuré comme un langage, euh, malgré tout, on entend bien qu'il y a euh, une volonté de trouver une coïncidence. Et on verra que c'est très vrai hein, dans les. Euh, dans les deux théories, mais surtout, euh, si je m'en souviens bien, chez les jansénistes, euh, une coïncidence entre le fonctionnement des idées, le fait de penser surtout, mais également les productions du fait de penser, qu'on appellera là euh, par convention des idées, et euh, le fait de parler, et donc les discours qui en sont euh, donc les, les espèces de conséquences formelles. C'est-à-dire que la théorie des signes qui va se développer, elle est très très éloignée de celle qu'on va développer évidemment à, après ce C'est plutôt une théorie des énoncés quoi. On va considérer comme signes les paroles ou les mots écrits, mais comme des unités euh, qui ont leur euh, qui ont leur cause dans la pensée elle-même. Ça va être très présent dans ce qu'on va lire. Il y a L. Bousque qui dit qu'il y a Von Humboldt qui dit que la pensée est formée par le langage. Ben chez Von Humboldt, il y a une volonté très très large de ramener la subjectivité dans le discours et de supposer que la coïncidence elle est existentielle quasiment. Et pourtant, c'est un type qui va pratiquer la grammaire comparée, enfin qui aura aussi une vision, je dirais, méthodique, assez fine de, de l'étude de des grammaires comparées. Et donc, on va dire, un rapport à la méthode qui fait plus penser à un côté ordonnateur et régulateur, mais c'est quelqu'un qui, effectivement, va proposer. Euh, la présence subjective au corps de l'activité euh, du langage, donc qui suppose qu'il y a une parfaite superposition du sujet à, au, au fait énonciatif, au fait de parler, et euh, que le, cette organisation, elle est antérieure à la formulation. C'est-à-dire, elle est dans un déjà-là intellectuel, hein, si vous voulez, hein, spéculatif, euh, cognitif, euh, comme vous voulez. Ce qui intéressera un bol, comme beaucoup d'intellectuels, évidemment, euh, à partir de là, c'est de voir quels effets ça a sur cette construction historique et sociale qu'est la langue, sur la construction collective des conventions euh, qui vont en découler. Et euh, ce qui reste de cette expérience, à l'intérieur de ce tissu de convention, de cette expérience subjective. Euh, ce qu'il en reste dans les deux sens, à savoir est-ce qu'il y a une manifestation de celle-ci à l'intérieur de ces conventions et est-ce qu'elles peuvent encore respirer et exister dans les conventions déjà établies C'est des questions centrales finalement euh, pour qui s'intéresse à, à l'individuation. L'agnès, par exemple, est aussi euh, hanté par cette question-là. La question centrale de l'agnès, si je me trompe pas, c'est qu quoi une singularité C'est quoi un individu C'est son obsession. c'est moins, à mon sens, un philosophe de l'individuation qu'un philosophe de l'individualité, mais euh, son système philosophique est en quête de ça. C'est quoi l'unité corporelle Quoi Ce qu'il va appeler une monade euh, au bout d'un certain temps. Ouais. Salut Lucie, salut Louisa. Mais on ne s'est pas déjà salué Vous vous êtes pas en train de vous resaluer là c'est ça <laughs> vous, vous performez grave. Euh, Condillac ou Diderot ne pensent pas autrement. C'est ensuite s'interroger sur l'origine du langage. Alors Ça, c'est une grosse question euh, bizarrement euh, proposée d'ailleurs par Lamy. Je crois qu'il y a un passage sur l'origine hein, qui est assez bizarre chez lui, mais ça va les obséder, hein, l'origine du langage. Euh, ça continue, ça m'arrive encore de me confronter à cette question d'une de... espèce d'ontogénèse du langage. Et à chaque fois, les propositions sont quand même assez bizarres. Hein. Enfin, j'ai jamais entendu de proposition haute que chelou. Euh, sur... <rire> <rire> selon... À chaque fois, il bon, faudra mieux s'en passer, je pense. Peut-être que cette question n'est pas posable, en fait. Je pense qu'il serait plus sage de ne pas la poser, à mon avis. Les questionnements sur les origines, en général, euh... <laughs> c'est compliqué. C'est ça, c'est compliqué. C'est penser, le... penser la cause depuis les faits et l'origine oui. depuis le maintenant, c'est rarement, euh, rarement simple. Hein. C'est-à-dire que les modalités pour le penser sont tout entières du côté du présent. Donc on voit mal euh, qu'est-ce qu'on pourrait produire d'autre que du présent, euh, du fantasme, du présent. Il me semble que là il y a un obstacle assez considérable au pensable. Mmh. J'ai l'impression. Suppose-t-il donc cette origine euh, une, une société déjà commencée comme dit Rousseau, c'est pas si con. Est-il naturel à l'espèce ou y a-t-il eu invention du langage à un moment donné de l'histoire des sociétés humaines Là, on va dans le grave. Euh, L'une et l'autre <laughs> question sont toujours d'actualité. Euh, La j'ai entendu Agamben dire des choses remarquablement stupides sur le sujet euh, ah ouais en pleine conférence. Ah ouais, c'était dingue. J'ai assisté à un moment presque surréaliste de philosophie, donc j'étais en train d'écouter euh, Giorgio, qui était encore dans un numéro, euh, comme d'hab, de, de gourou euh, chez mes camarades Toto. <laughs> Et voilà, voilà le pépère qui nous fait une proposition. Alors, je ne voudrais pas trop trahir l'énoncé, mais en gros, ce qu'il nous décrive, c'est la décision, le coup de force anthropologique. Qui a convaincu l'humain de détourner euh, l'appareil de mendication euh, vers un appareil de phonation. C'est-à-dire de détourner la, la fonction alimentaire vers la fonction verbale. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, je ne sais pas. Euh... Intéressant. Je, je, le vin n'était pas très bonne qualité cette année, mais quand même, il y a des limites. Salut, cela. Mais je crois <laughs> que ce, ce truc de détournement des fonctions du corps, ça devait l'obséder, parce que je me souviens que dans. Il y a un petit ouvrage là qui s'appelle Nudité. Et dedans, euh, il écrit euh, un texte où il parle justement du détournement des fonctions du corps, et du coup, il analyse, euh, il analyse la manière qu'ont les théologiens de, de décrire euh, euh, le corps, euh, le corps glorieux. Mmh. Euh, et ouais, c'est sa thématique principale en fait. Le, le détournement. Bah, c'est une thématique, euh, enfin, en tout cas dans. Chez lui, un truc qui revient assez obsessionnellement, euh, c'est l'usage qu'il peut faire de justement la langue des théologiens à des modèles théologiques, euh, comme comment, euh, comme dialogue impossible entre pouvoir et puissance, quoi, et qui implique aussi des rapports euh, souvent étranges à euh, comment, à l'intentionnalité. Et à la possibilité de l'actualiser, cette intentionnalité. Le dé désir, la volonté, etc., etc. Il y a un bouquin qui s'appelle Le langage et la mort. Chez Agamben, bun qui est assez pénible. Euh, je pensais en faire une lecture à un de ces quatre. Mais c'est vraiment compliqué pour moi. Parce que Heidegger, il est omniprésent. Et j'ai pour Heidegger un dégoût ouais. profond. Donc c'est compliqué. Mais je pense que je le ferai, parce que je crois qu'il y a quelques-unes des obsessions agambiennes dedans qui méritent d'être creusées. Mais je repousse sans cesse, ce moment. J'ai pas envie. Je sais que ce serait pas con, parce que Gambien est très très apprécié de ma famille politique. Et je crois que... Il y a une portion gentiment délirante dans les propositions à Gamben, mais j'ai de la sympathie pour le délire. C'est une machine à produire, je dirais, des plans de coupe avec la rationalité qui sont très intéressants. Enfin, une manière de conduire jusqu'à leur terme des propositions euh, dire dans des cadres de rationalité euh, très, très, très fortement subjectivés. Là, je pense que là, ça nous donne... Ça nous donne des possibilités de fissurer nos propres rapports à la rationalité. Ça nous fait pas de mal. C'est en ça la parole psychotique est précieuse. Mais je, je crois que le, le délire philosophique touche à un autre problème, <laughs> c'est-à-dire une, une espèce de comment on ne parlera pas de logoré parce que c'est pas, pas un problème de discours quoi. C'est euh, une noégoré, enfin une noé une espèce d'idée qui ne sait, qui ne sait pas s'arrêter, tu vois qui est partie en elle-même, dans une espèce d'appétit pour elle-même, quitte à aller dans des endroits où, où ça n'a plus le moindre sens de continuer, tu as envie de dire, mais Giorgio, arrête ça, ça, ça ne va pas, reprends reprend un verre d'eau et il faut, il faut que tu calmes. Des fois, c'est vraiment très très limite. Hein. Bon... Euh... L'une et l'autre question sont toujours d'actualité, bien que la société linguistique ait pendant longtemps exclu d'autorité la seconde du champ de la linguistique, l'origine. Et je pense qu'ils ont bien fait. On peut, on peut pour en mesurer l'importance théorique, lire l'ouvrage de Leroy, Leroy Gourand intitulé « Le geste et la parole ». Moi, je n'ai pas lu ça. Tu as lu ça, Leroy Gourand Non, j'en ai entendu parler, je crois, en, en cours de littération, mais il y a trop longtemps pour me souvenir euh, de quoi il était question. Ouais, je j'ai pas beaucoup lu Le ragouron, enfin, C'est vraiment pas mon socle en entrepôt du tout. Euh, Peut-être donc... que la note nous donne des infos, mais je sais pas où sont les notes dans cette édition. Alors, euh, ouais, c'est putain d'appareil de notes qui sont toujours. <laughs> Alors, ah, on, on sait jamais si c'est la fin du livre, la fin du chapitre. Là, enfin, c'est chiant. Ouais. Là, ça a d'être envoyé tout à la fin, non Même pas. Je bah, le trouve pas. Tout à je la fin, pas. y a rien. Ça a l'air un peu mal foutu. Ah oui, bah nous beau encore. Ah, ah c'est que... à la fin du chapitre. À la fin du chapitre Ouais. Enfin, euh, y a, le roi Gourand me semble poser en toute clarté le problème de l'origine du langage, dans la mesure où il n'en fait pas un problème singulier. L'outil et le langage sont pour lui les deux pôles, entre guillemets, d'un même dispositif, fermez les guillemets, neuropsychique, qui accompagne la station debout la face courte et la main libre critères fondamentaux de l'humain comme l'outil le langage est alors une véritable euh, entre guillemets sécrétion du corps et du cerveau des anthropiens. fin de fermer les guillemets c'est tout alors moi je veux bien qu'il y ait euh, une on va appeler ça une ustentialité fondamentale l'ustentialité ne fait pas l'outil hein. l'ustentialité ce serait euh, pourquoi pas Une composante anthropologique fondamentale visant à s'outiller. Mais l'outil lui-même, comparé au langage, là, on est parti. Le langage, c'est en soi une activité. Donc, il y a un problème. On ne peut pas mettre sur un plan de comparaison une activité et une série d'objets. Enfin, C'est con, un peu, non Il enfin, y a un problème pour moi de. C'est pas bien rangé, cette pensée, il me semble. Il y a deux plans qui ne se coupent pas. Donc, pourquoi pas, ustentialité et, euh... et euh... on va dire, euh... langage au sens très très large, quoi, où le langage ne concerne pas que la langue, hein, c'est vraiment une activité euh, consistant à produire du sens. Bon, on peut imaginer quand même un plan vachement plus large que la simple question de la langue euh, et, ou du discours ou de l'énoncé. Dans ce cas-là, pourquoi pas, essentialité, langage, euh, comme euh, une articulation in inextricable. Pourquoi pas. Mais c'est juste maladroit, je pense, dans la façon de poser la chose, quoi, là, avec les termes qu'il propose. Je trouve pas ça très rigoureux, mais bon. Peut-être moi qui suis maniaque obsessionnellement euh, des termes des relations justement à cause de Diovan. Il me reste à dire un mot sur le rôle des littéraires dans ce séminaire, où il est déjà évident que linguistes et philosophes tiendront une grande place. Et je pourrais me contenter de dire que la littérature étant elle-même langage, discours, message au sens linguistique du terme, analyser des œuvres littéraires, c'est étudier le fonctionnement d'un système signifiant. C'est se poser le problème du langage. Mais ce serait jouer sur les mots. Ce qui importe ici, c'est que pour les auteurs dont nous allons nous occuper, il n'y a pas entre les différentes activités que la science moderne a coutume de distinguer de frontières bien établies. Sauf celle que je proposais quand même une frontière d'objet qui me semblait un tout petit peu marquée. Euh, mais bon, ça reste à, à éclaircir. Dumarset ou Bozé sont des grammairiens philosophes. La grammaire et la logique de Port-Royal forment un tout. Science de l'homme, science du langage, étude des langues, jeunesse de l'entendement, histoire des sociétés, production littéraire, tout ça constitue pour les hommes des Lumières une seule et même activité et participe d'un même discours. Je dirais donc volontiers que la réflexion sur le langage fait ici un système avec une philosophie, une anthropologie, voire une politique, et ceci d'une manière beaucoup plus visible qu'à d'autres époques. Le premier traité qui, à ma connaissance, porte le titre d'anthropologie, œuvre d'un certain Chavannes, professeur de théologie à Lausanne, ne se présente-t-il pas comme une, entre, en italique Donc je pensais que c'est le titre de l'œuvre. À l'époque, les titres étaient interminables. Très très longs. Ils sont toujours très 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 longs. C'est une constante hein, des, des publications scientifiques de cette période. Oui. Anthropologie ou science générale de l'homme pour servir d'introduction à l'étude de la philosophie et des langues et de guide dans le plan d'éducation intellectuelle ci-devant si proposé. Voilà, donc c'est moins un titre qu'un programme en fait. <rire> <rire> ça, comme ça. Alors, pour ceux qui se plaignent qu'on voit les intentions de l'auteur arriver de trop loin à l'ouverture d'un livre là, on les a dans le titre. Il contient une noologie ou science de l'homme considérée comme un être intelligent, une glossologie ou science de l'homme parlant, et même une grammatologie. Ce sont les parties, pour lui, d'un même savoir. Hmm. Ce qui doit nous détourner d'introduire des clivages là où il n'existe pas pour la pensée des Lumières. Ça, on, je crois qu'on le verra bien. Il y, a, il, y a des, euh, enfin, il y a des usages, des notions qu'on aurait vraiment tendance à distinguer dans des plans complètement différents de l'approche aujourd'hui, qui sont considérés comme complètement consubstantiels à ce moment-là. C'est assez troublant quand on lit euh, les intellectuels de cette période. Certes, nous serons amenés à lire plutôt des œuvres dites philosophiques, celles de Leibniz ou de Condillac notamment, mais nous, nous garderons bien d'isoler leur analyse du langage humain, de cette science générale de l'homme qui est pour eux la philosophie. Nous ne saurions oublier non plus que pour Rousseau ou Diderot, écrire le neveu drameau ou la nouvelle Héloïse, c'est encore et toujours philosopher. Mmh. Donc ça, c'est un trait très... hyper marquant de la littérature du XVIIIe siècle, très notamment des, des Français à ce moment-là. C'est très remarquable chez Voltaire ou effectivement Rousseau ou Diderot. Le roman est un prétexte à philosopher. Mmh. Et la plupart du temps, la philosophie se trouve là, dans du romanesque, quoi. Il n'y a pas à proprement parler, enfin je ne connais pas à proprement parler d'écrit philosophique d'Hydro, mais je vois une manifestation en quelque sorte de sa philosophie dans des œuvres, enfin, notamment dans l'encyclopédie ouais. hein, et ses articles. C'est bien calme ce soir, dit Solarius, sachant... Non, mais si Andalie, elle impressionne beaucoup. Moi, avec moi, vous faites les cons tout le temps, vous faites des calembours pourris et vaseux, <laughs> et là, vous n'osez pas, et c'est très bien. Je ne vous y encourage pas. Ouais, les que... dernières fois, il y avait beaucoup de beaucoup de blagues quand même. Ouais, ils sont assez intenables en général. Oui, c'est vrai. Assez... C'est vrai. Peut-être parce que c'est trop tôt. C'est ça. On a commencé, ils n'ont pas encore tôt. bouffé. <laughs> c'est ça. C'est après le deuxième dix jours, il se <rire> <rire> Je crois que c'est ça. j'ai essentiellement un chat d'alcool. Et on est dans l'intro aussi, donc pour l'instant. Euh... Oui, c'est vrai. Le XVIIIe siècle offre donc à cette recherche interdisciplinaire un terrain privilégié, sous-entendu parce que les modalités de la pensée sont déjà interdisciplinaires à ce moment-là de l'histoire. Il a pleinement reconnu l'importance du langage dans les activités humaines comme un des actes qui caractérisent l'homme. J'emprunte exprès ce terme à Buffon, qui distingue toutes les actions que le singe peut faire à l'imitation de l'homme, des actes qui n'appartiennent que à ce dernier. Le langage est relation à autrui, relation au monde, il a valeur de communication et d'échange dans l'univers social. Il signifie autre chose que lui-même, et cette dimension sociale fait de lui la meilleure ou la pire des choses. Pour Rousseau, il y a ainsi une parole dégradée dans l'état de société. Mais la société du contrat sera celle où la parole circule, où la pratique du langage, la transparence et l'émotion du verbe rappellent à chaque instant aux hommes qui ne sont pas seulement rassemblés, mais unis. Rêve à peine moins utopique que celui de Gabriel Foigny, qui imaginait dans La Terre australe, donc c'est un écrit du XVIIe que je ne connais pas. Hein. Moi non plus. Une société d'hommes usant d'un langage qui serait toute vérité et pure désignation. Donc ça doit être une proposition utopique, j'imagine, à la mort, à la Thomas More. En ce lieu de nulle part, hein. que se passe-t-il Citation. On devient philosophe en apprenant les premiers éléments. Et on ne peut nommer aucune chose en ce pays qu'on explique sa nature en même temps. Voilà. C'est-à-dire, il y a une telle transparence de la qualité hein, des énoncés que euh, le discours est lui-même objet de connaissance instantanée. On est arrivé à la, co la, la cohérence parfaite euh, du monde des choses euh, au monde des énoncés. J'ai vu passer le fait que le taulier lui-même était intenable. Je suppose que c'est ce petit salopio de Glitch qui dit ça. <laughs> oui, effectivement. Évidemment, c'est glitch. C'est très mal, glitch. Sans doute, Et on en fait, nous... euh, oui. apparemment, leur connerie, c'est de, de, de répéter bonsoir dans le chat. Ah oui, je vois ça. Oui. Du coup, je pas remarqué, en fait, mais tout le monde se dit bonsoir depuis tout à l'heure. Je crois, dans un, un petit moment de The Meaning of Life des Monty Python. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Ou as non. Des... Tu as. <laughs> Un immense aquarium avec des dizaines de petits poissons rouges. Et pendant un plan fixe assez pénible et assez long, ces poissons rouges s'échangent des. Morning, 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 morning. C'est un peu ça, oui, du coup. Ça ressemble à ça, oui, l'aquarium des Monty Python. Sans doute n'aurons-nous pas l'occasion de faire de longues incursions en terre utopienne. J'aimerais pourtant que ce mythe d'un langage autre, cette rêverie sur le langage qui reste l'horizon de tout discours sur l'origine et la fonction des langues, ne soit pas totalement absente de nos entretiens. Ouais, quand même. Alors, que nous dit Pierre Cunz, qui répond à Michel Duchet, qui complète. Je voudrais tenter tout d'abord de préciser ce que nous croyons pouvoir apporter à ce séminaire à partir de notre travail de l'an passé à Vincennes. Nous avons travaillé, Jean-Claude Chevalier et moi, sur les grammairiens du XVIIe. Donc, je suppose Vogelage, j'imagine, Supposer que les acquis de ce travail sur le 17e, alors, Vosla, c'est un des mecs qui a fondé, enfin, qui a concouru à, à, à fonder euh, l'Académie française. Et c'est un des participants importants à la réalisation du dictionnaire. Sachez-le. Supposer que les acquis de ce travail sur le 17e peuvent servir de base de départ à un travail sur le 18e, n'aurait de sens que dans l'hypothèse d'une autonomie de l'histoire de la linguistique. Notre expérience de l'an dernier nous a montré qu'une telle autonomisation serait ruineuse pour la recherche. Ce que je voudrais proposer, ce sont donc plutôt quelques considérations sur ce qu'a été notre pratique. On peut déduire en effet de cette année de fonctionnement un certain nombre de règles concernant la conduite de ce type de séminaire. J'essaie de les formuler rapidement en avançant cinq remarques. Petit 1. D'abord, il me semble qu'une certaine disponibilité doit être inscrite dans l'institution. Je veux dire qu'une organisation assez lâche est une condition de fonctionnement pour un séminaire interdisciplinaire. Comme il me semble de toute façon assez compliqué d'enforcer euh, le dispositif. Il n'y a pas d'autre choix que d'avoir, euh, gérer, une certaine ouverture à ce qui vient, à ce qui va arriver. quoi il faut avoir le courage de sacrifier une certaine cohérence dans la conduite des séances et dans leur enchaînement pour laisser jouer les relations interdisciplinaires et pour éviter la simple juxtaposition d'exposés autonomes. C'est une condition de la participation de tous, non seulement à la discussion mais aussi à l'orientation du travail. Il s'est produit au cours de l'année un certain nombre de déplacements. Ils n'ont été possibles que dans la mesure où notre organisation leur a laissé la place de jouer. L'absence de programme rigoureux et le flou du calendrier ont rendu possible une certaine dérive qui, je pense, a été féconde. » Il nous raconte sa petite histoire. Oui, c'est ça. Il justifie son manque d'organisation. De... C'est ça. Ouais, ouais. Bon. Euh, le mot est peut-être trop fort. Il s'agit plutôt... Attends, oui, oui. Euh, il s'agit plutôt d'une sorte de déplacement d'accent. Nous avons considéré que dans notre façon de lire, dans notre façon de sélectionner les textes que nous pensions devoir lire dans le cadre de ce travail, il s'est produit un certain nombre de glissements dont il a été nécessaire de dire quelques mots. C'est ainsi que nous avons appris à lire les tables des, des matières dans Petit 2. Nous avons été amenés à constater que dans un traité de grammaire ou dans un traité de rhétorique, la table des matières est un lieu particulièrement intéressant à fréquenter. Nous aurions dû le savoir dans une certaine mesure, nous le savions. Il y avait en effet des raisons théoriques très fortes pour que la table des matières d'un traité de grammaire soit un, lien, un lieu particulièrement important. Je viens d'imaginer une chose complètement démesurée, une table des matières d'un dictionnaire. <laughs> Suivez-moi. C'est une idée complètement con, mais ça me fait beaucoup rire. On sait qu'un élément ne fait sens que sur la place qu'il occupe dans un système. Foucault a montré à propos de la logique de Port-Royal que si on veut comprendre par exemple le fonctionnement du chapitre 4, qui porte sur la définition du signe, il faut voir quelle est la place qu'il occupe dans l'équilibre du système. Mais On verra que chez, dans la, la grammaire de Port-Royal, il y a euh, la porosité du signe à des univers très très différents. C'est-à-dire, cohabitent dans la théorie du signe de, de Port-Royal des signes théologiques, des signes naturels et des signes verbaux. Traité sur un plan d'équivalence typologique pour fonctionner ensemble. On parlera peut-être ensemble de ce que sont ces signes et comment ils fonctionnent ensemble, mais je pense que c'est assez, assez intéressant. Le caractère inattendu pour nous de cette place fait partie des éléments qui nous permettent d'interpréter la théorie du signe dans l'organisation du savoir chez Arnaud. Donc Arnaud, un des auteurs, avec Nicole, je crois, de la grammaire de Port-Royal ou de la logique de Port-Royal, je ne sais plus. Euh, J'y réfléchirai tout à l'heure, ça, ça me reviendra. De même, l'absence d'un chapitre à un emplacement où nous nous attendions à le trouver, selon notre logique, peut avoir une signification essentielle. Le fait que certains chapitres qui nous semblent faire partie du plan de la grammaire se trouvent renvoyés à la logique est évidemment de grande importance théorique. Mais ce que nous avons été amenés aussi à faire apparaître, c'est que la notion même de table des matières était au XVIIe siècle encore récente. Il ne faut pas oublier en effet que ce n'est pas dès les premières réalisations de l'imprimerie que s'établit la coutume de la table des matières. Cette forme d'organisation du livre s'établit au cours du XVIe siècle et est loin d'être générale au début du XVIIe. On peut observer ce passage par exemple dans les transformations que fait subir à la pensée exprimée dans le système des essais de Montaigne la réorganisation tabulaire qu'en propose la sagesse de Charon. Je ne connais pas la sagesse de Sharon, tu sais ce que c'est Pas du tout. Bon, bah bah, tant okay. pis pour nous. Euh... <laughs> si quelqu'un veut chercher dans le chat ou si tu as le courage de chercher pendant quand je, je, je les suite... essais au programme, donc peut-être qu'il faudrait que je connaisse, mais euh... ouais, je savais pas qu'il avait réorganisé les essais. Eh ben écoute, bah, c'est euh, Gabriel qui vient souvent faire des lives philo dessin avec moi le dimanche. Il un grand spécialiste de Montaigne qui nous parle souvent de la réorganisation ah ouais complexe et très très longue des essais et euh, du fait même que les, euh, chacun des essais de Montaigne a lui-même pris dans une très très longue histoire d'écriture, de réécriture, et notamment ouais. parce que Montaigne change souvent hein, de, de socle et de référence. Il a été stoïcien, enfin il a épousé plein, tu vois, de, de positions philosophiques et les essais en on souffre dans leur écriture et du coup, dans leur désorganisation, on va dire, euh, presque substantielle, d'où la nécessité à un certain moment de les avoir réorganisés. Mais je ne pensais pas que c'était une réorganisation euh, extérieure, apparemment aussi. Petit 3. Nous avons été amenés aussi à porter la plus grande attention aux exemples des traités de grammaire et de rhétorique. C'est là un secteur où peut se nicher un enjeu théorique extrêmement important. Voilà, on le verra... Euh, énormément entre avoir enfin, moins du côté de Port-Royal euh, que du côté des dialogues de, du Père Bourg, qui sont finalement je dirais, tout entier dirigés vers la question euh, nettement euh, je dirais, expressive et intentionnelle de la rhétorique. C'est euh, pratiquement que ça, le Père Bourg. C Ici encore, nous le savions sans doute, les exemples forgés comme ceux de la grammaire générative, ont souvent tendance à se comporter comme des exemples ad hoc, c'est-à-dire comme des illustrations de la théorie. Un morceau de théorie peut ainsi se mettre en place sans s'expliciter. Quant aux exemples cités, qui sont d'usage dans les traités de rhétorique, ils posent évidemment tous les problèmes du discours cité. Et quand il s'agit, comme c'est souvent le cas d'exemples littéraires, ils permettent d'introduire dans le corps du traité, de faire passer en contrebande dans la théorie grammaticale ou dans la théorie rhétorique un certain nombre de données incontrôlées. Dans les deux cas, ce sont des morceaux de performance qui s'introduisent dans une théorie de la compétence. À la grammaire générative, j'imagine que vous en avez entendu un peu parler. Il se trouve que le rêve de langue universelle, finalement, elle viendra s'aboucher tôt ou tard à cette vision. Hein, parce que chez Chomsky, il y a vraiment aussi une, une espèce de, de construction comme ça qui voudrait trouver. Euh, une espèce de fonctionnement universel à toutes les langues, par euh, bah une espèce de, de grammaire partagée fondamentale. Que nous dit Clint, Charon composa un traité de la sagesse, ouais, que c'est ce dont parlait Andalis à l'instant, qu'il a publié en 1601 à Bordeaux, après que d'autres ouvrages concernant la religion, après d'autres ouvrages concernant la religion, qui présentaient un catholicisme orthodoxe. Répondait aux attaques dont il était l'objet et provoquait un scandale. Il y défendait la tolérance religieuse qui le fit accuser d'athéisme. D'accord, d'accord. Donc ça placerait notre charron euh, de quel côté de l'histoire euh, Pas entre les jésuites et les jansénistes, euh, par exemple. Apparemment, il était euh, dans, dans les ordres. Les... Le jésuitisme n'existe pas encore, il va être fondé par euh, comment Xavier et Loyola euh, après, mais euh, les, les bases sont jetées au XVIIe, donc ça m'intéresserait de, de voir quelle est sa généalogie. Quoi. Au Nord, c'était le charron, merci Solarius, il fallait bien en faire un à un certain moment. <laughs> ça nous manquait. <laughs> D'après ce que je comprends, du coup, il a juste écrit un ouvrage qui est dans la même veine que celui des Essais en adoucissant certaines thèses et en gardant euh, le scepticisme de Montaigne. D'accord. J'ai l'impression. Alors, donc on a vu, hein, on vient d'évoquer euh, les, les traités de grammaire qui font euh, de l'exemple, dit exemple ad hoc l'illustration satisfaite finalement d'un fonctionnement et qui se garde bien de donner son socle théorique. Avec le Père Bourg, c'est constant. C'est-à-dire qu'il nous donne des usages, il glorifie ces usages, il les établit euh, comment, euh, comme euh, exemple. Euh, d'une bonne constitution de, de la langue euh, dans sa forme la plus pure et la plus éclatante. Et euh, c'est censé, souvent, euh, s'établir en démonstration, sans qu'il ne <laughs> juge nécessaire d'en justifier la cause, ben, la raison. Euh. C'est assez bizarre. Vous, là, ça. La pratique de la grammaire de Port-Royal a confirmé cette importance des exemples. Bon, là, c'est l'autre côté, hein, c'est le côté janséniste. On voit par exemple que quand la grammaire générale propose une théorie, très sommaire d'ailleurs, des pronoms, l'exemple choisi par Arnaud et Lancelot, ah oui, c'est ça, c'est Arnaud et Lancelot pour la grammaire et c'est Arnaud et Nicole pour, euh, pour la logique de Port-Royal. Donc l'exemple choisi est « Ceci est mon corps ». Donc le moment performatif, on va dire, de l'euchariste Toute la théorie eucharistique se trouve ainsi importée dans la problématique grammaticale. Parce qu'effectivement, ça c'est une grande tradition, on va dire, de la théorie des signes chez les chrétiens, le, le signe eucharistique, vaut presque, enfin il vaut substantiellement pour la chose dès l'instant où l'énoncé a été dit. Voilà, donc la, la chose devient par le fait de langage vrai. L'hostie mmh. est le corps du Christ. Je me dis d'ailleurs, ça commence avec le, le fiat, l'importance du langage. Ah oui dans la Bible. Je, je pense que le, une bonne partie de la proposition eucharistique tient dans la possibilité du Verbe, dès l'instant où il est divin, de se substantialiser. Mmh. Après que ça puisse devenir un héritage, c'est-à-dire que la tradition eucharistique, tu vois, puisse recommencer inlassablement cette puissance substantialisante. C'est tout à fait étrange. C'est une sorte de généalogie de la puissance, tu vois, qui est apportée à, oui. à celui qui prononce la phrase et qui fait devenir un vrai. Bon, ça ne s'est pas fait sans mal. Hein, hein, que la, la proposition eucharistique, elle arrive assez tardivement euh, dans les conciles. Euh, elle va s'imposer, alors, c'est pas au concile de Nicée II, c'est peut-être quand le concile de Latran IV, je crois, où euh, il est dogmatiquement accepté. Que euh, l'espèce, donc l'espèce le, du vin et l'espèce du, du sang, est d'une espèce réelle. Et euh, ça va être un boxon que tu peux pas imaginer, puis ça va provoquer dans le, euh, comment, dans le, dans le culte des vraies angoisses. Des angoisses euh, qui faisaient fuir la, la fréquentation de l'église pendant un moment, avant qu'on calme un petit peu le jeu, euh, de la part des officiants qui étaient en panique, du coup, à l'idée de perdre des bouts de faire tomber une miette tostie, ah oui de perdre des gouttes du vin du Christ, <laughs> ou de, bah oui. de tu vois, il faudrait pas marcher sur le Christ quand mais, même. Tu vois, oui oui non mais c'est des angoisses <laughs> réelles et ça ça a dû nécessiter plein d'ajustements euh, dans la comment dans l'organisation liturgique et ça il en a été tenu compte pendant la la réforme grégorienne de de repenser au, à la façon dont on a organisé l'Eucharistie euh, pour libérer de ses angoisses, à la façon de tenir l'hostie, de, de produire pour elle et pour le sang tout un complexe jeu de maintien de la substance. Euh... Ce n'est pas grave tant que la phrase n'a pas été dite, le vin n'est que du vin et le pain enzyme n'est que du pain enzyme, mais après... <laughs> L'exemple comporte une telle charge théorique que l'analyse des pronoms ne peut pas ne pas tenir compte des conséquences qui en résultent sur le plan théologique, ou si on préfère, idéologique. La théorie des démonstratifs qui s'y rattache est clairement liée à la polémique contre les ministres protestants, qui va amener les auteurs de la logique à remanier plusieurs passages de leur ouvrage. C'est ce que montre fort bien dans son étude des additions de 1683 la préface de Marin. Qui vient de donner euh, à sa réédition du traité. Donc, Marin Coris. Quelle polémique ça contre les ministres protestants, donc, il est des questions. Hein. Tu sais quoi Alors, euh, les protestants ne, euh, que je sache, ne participent pas à l'eucharistie. Alors, je ne suis pas un spécialiste du protestantisme. Je me suis penché sur la question du protestantisme. Tu peux t'en douter. Relativement à quoi Hein, à l'image, évidemment, à l'image, à la peinture, aux objets d'art, etc. Euh, je sais qu'il ne concède pas à la virginité mariale et à, à l'immaculée à conception, euh, au culte de Marie. Il concède à la virginité, mais pas au culte marial. Et euh, elle a un statut euh, exclusivement. Euh, enfin, euh, comment. Euh, elle n'est pas participante. Voilà. Euh, la... Qu'est-ce qui les sépare encore La confession est publique. Qu'est-ce que je sais d'autre Je De... ne sais pas grand-chose du protestant. Encore, il faudrait demander à Gabriel qui est protestant. Ce n'est pas une religion dont je sais grand-chose. J'en connais, je te dis surtout l'histoire euh, tumultueuse des relations aux images. Donc, s'il y a quelqu'un qui est protestant dans le chat et qui peut nous euh, éclairer sur euh, la polémique contre les ministres protestants, euh, relativement. Visiblement à l'Eucharistie, ça m'intéresse. Je ne suis pas sûr qu'Adoc soit un exemple. Voilà, c'est pour briser la glace. Ok. Donc vous dites que des conneries. Vous ne nous aidez pas du tout. <laughs> Je vous Je suis déteste. Je de, de chercher euh, désespérément dans mes notes. Du coup, mais polémique contre l'Eucharistie. L'Eucharistie et protestants. Ouais. pour la grâce, mais. Ah oui, bah ça, ça va être fondamental. Ça, on va en parler euh, nécessairement parce que s'il y a euh, comment, une chose qui va opposer les jésuites et les jansénistes énormément, c'est la question de la grâce. Mmh. Euh, ouais, les jansénistes sont complètement augustiniens de ce point de vue. Donc, il euh, n'y mmh. a aucune, aucune question à, à ce sujet sur la prédestination. Ce qui, d'une certaine manière, euh, les fous en porte à fou avec les jésuites, c'est que ça tendanciellement, ça rapproche les euh, jansénistes, et c'est ce qui leur sera plutôt reproché hein, des protestants, qui eux-mêmes mmh. euh, sont en obédience, euh, intégralement du côté de la grâce et pas du tout du côté des œuvres. Donc, on en parlera, Salut Jocelyn. Je pense. On, on fera un petit récap mmh. rapide de, du dialogue janséniste-jésuite à propos de la grâce et à propos de ce genre de choses. Ok. Je pense. On parlera de Port-Royal un petit peu parce que sinon ça va être, on va pas savoir de quoi on cause. Et euh, je pense qu'avant de rentrer dans Bourg, on va, je vous raconterai un petit peu ce que je sais du Père Bourg et, et, de, et des dialogues d'Aristotheushan. De, petit 4, il nous est apparu aussi très vite que l'examen des seuls ouvrages théoriques d'une époque ne donnerait qu'une idée très imparfaite de ses vues théoriques. Il faut étudier une théorie grammaticale ou rhétorique dans son fonctionnement. Si on veut par exemple se faire une idée de la rhétorique de Ramus et de Talon, la lecture des traités de Ramus est insuffisante. Il faut lire aussi les commentaires que propose Ramus à ses étudiants quand il lit des textes classiques. Ces illustrations, qui sont des lectures de Cicéron, des lectures de Virgile, permettent de se faire une idée de sa conception de l'élocutio et de la place qu'il lui accorde dans sa rhétorique. De la même, les, la théorie du signe, de la grammaire et de la logique de Port-Royal, c'est clair. Quand on la voit fonctionner dans la polémique théologique et morale du XVIIe. C'est pour ça que je veux vraiment vous en parler, et notamment pour la question de la grâce, et notamment parce qu'on est dans la euh, répartition, la repartition protestant-catholique à cause de la révocation de l'Édite Nantes, qui même avant d'être proclamé, vous l'avez bien compris par l'espèce le, de jeu auquel se livre Louis XIV, est déjà euh, largement établi, en fait. Hein. Les discussions sur la casuistique ou sur le style de l'écriture, donc la casuistique, c'est vraiment euh, l'approche janséniste hein, euh, du discours hein, et euh, de la ratiocination, euh, de la, la logique propre, ou sur le style de l'écriture, posent le problème du signe linguistique sous une forme non plus théorique, mais pratique. Ainsi, c'est à l'occasion de la polémique autour de la signature du formulaire que la question du signe apparaît comme une question vitale. Donc, polémique euh, que ni toi ni moi ne connaissons. Non. Non. Mais je suppose que. te demander en plus. C'est vrai Oui, bah oui. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ouais, alors, bon, c'est peut-être pas dé dénoué de la, la question eucharistique, on verra. Parce qu'il dit ensuite ici, ce que l'on dit engage immédiatement une action et une ligne de conduite. Donc, en l'occurrence, c'est le cas pour l'eucharistie. Si on veut se faire une idée de la théorie du signe chez Arnaud, donc un des euh, co-rédacteurs et de la logique et euh, de la grammaire. C'est un personnage vraiment important. C'était un correspondant, par ailleurs, de, euh, de l'Aïnis. Hein. Ouais. L'examen des écrits portant sur cette querelle est inévitable. On voit alors le théoricien prendre en considération des aspects du problème qu'il pouvait occulter dans un examen purement spéculatif. Et il est amené ainsi à élaborer une théorie plus complexe que celle qui apparaissait dans la logique. Petit 5. Enfin, nous avons été amenés à prendre en considération des facteurs dont Foucault, dans l'archéologie du savoir, a fait apparaître l'importance. Ce sont tous les problèmes que posent les conditions de l'émergence des énoncés. Au XVIe et au XVIIe siècle, il faudra se demander s'il en est de même au XVIIIe, les textes concernant la grammaire et les textes concernant la rhétorique <coughs> sont pour la plupart émis en milieu scolaire. Ou bien alors, et c'est le cas pour plusieurs d'entre eux, ils visent à établir les règles du bon fonctionnement social dans une société moins scolarisée que la nôtre. Il faut voir effectivement les, les lieux et cadres où, euh, comment apparaissent euh, et se, se perpétuent la théorie. On est, euh, on est dans un champ qui a une prétention inlassablement à l'universel, mais qui est un champ extrêmement clos socialement. Le Père Bourg, c'est un homme de salon littéraire c'est un homme qui va être écouté dans des, des tout petits cercles. Et, euh, on a l'impression quand on lit ces, Comment, ces productions théoriques qu'on ne parle que à la cour, que le reste de l'humanité là qui grouillotte plus ou moins tout autour parle pas vraiment en fait. C'est pas trop ce qu'ils font et leur activité est sans doute une suite ininterrompue de grognements. On n'a pas très on envie de se. La de classe habituelle quoi. Bah, très... je pense qu'en termes d'amplitude <laughs> on est quand même très très loin dans. Euh, la dénégation de subjectivité, euh, pff, oui. là, euh, on est loin. <laughs> Salut les lézardes. Coucou. Leur existence est liée au fonctionnement d'un certain nombre d'institutions. On oublie facilement que la grammaire générale est un livre destiné à la classe. Grammaire et logique ne s'inscrivent pas seulement dans un projet pédagogique utopique, mais dans une institution pédagogique. Oui, c'est ça, il faudra parler. Je vous parlerai aussi de Port-Royal comme lieu, quoi. Qu'il s'agisse des écoles jansénistes ou l'université médiévale, le rôle de l'institution est essentiel dans cette organisation du savoir. Il est possible qu'au XVIIIe siècle, ce trait soit moins sensible. Sans doute le système de Condillac, par exemple, n'apparaît-il dans son organisation complète que dans le cours pour le prince de Parme. Mais il s'agit là d'une relation pédagogique duelle, où l'institution apparaît moins nettement que dans le cas de Port Royal. Il n'en reste pas moins que le système mis en place au cours du XVIIe se retrouve dans l'organisation du savoir et de l'enseignement au XIXe siècle et s'est perpétué longtemps dans l'institution pédagogique républicaine. Il reste donc à étudier la façon dont cette tradition traverse le XVIIIe. Voilà. Bon, je ne sais pas si cette préface est finalement très éclairante, si elle nous dit grand-chose, puisqu'elle prépare pas surtout oui. la lecture. Ouais, pas trop. Hein. En fait, j'aurais mmh. pas dû lire ça. <laughs> J'avoue que je me suis dit, pourquoi pas, mais... Oui, c'est vrai. Comme c'est une intro de, de séminaire, il euh, n'y a pas grand-chose qui est dit dedans. Donc... Moi, je me suis fait à l'idée, salut maman, mais euh, peut-être que je me gourre. Euh, Puisqu'il a été compliqué d'organiser cette soirée, l'idée qu'on va peut-être poursuivre, et tu vois qu'on va avancer dans le séminaire pas à pas, de live en live, et que du coup ça n'aura pas été inutile, je ne sais pas, je me oui, dis oui, ça comme ça. Ça ne sera pas inutile non plus, je pense. On verra, on verra. <laughs> bah, si effectivement on arrive à en faire un, un par an, c'est pas ouf, ça va pas servir à grand chose. <rire> <non>. <rire> oui. On verra. Soyons optimistes. Alors. Euh, Peut-être que là... Bon, on va partir hein, sur les entretiens d'Ariste et Eugène. Donc, c'est important dans ce qu'elle a de situer, <coughs> je pense. Euh, donc, le Père Bourg, vous l'avez pigé, je vous l'ai dit, c'est un homme de salon. Donc, celui qui écrit hein, les dialogues d'Ariste et Eugène, c'est... Euh... Pardon de te couper. Non, non, va. Euh, il y avait Glitz qui demandait un tour... D'horizon sur les rapports, notamment théologiques et philosophiques, entre jésuites et jansénistes. Ouais, je pense que c'est pas inutile. Bon, on va parler de Port-Royal et autour de Port-Royal de voir ce qui peut euh, séparer les jésuites des jansénistes. Euh, des ça me semble assez important. Euh, donc, Bourg euh, est un ennemi des jansénistes. Euh, c'est vraiment, on va le voir, c'est. Il se veut être le représentant, le, le comment, l'apôtre la, la, du plus pur style français. Il se penche lui-même et il est accepté comme tel, comme une espèce de maître à penser euh, qui va instituer euh, cette langue euh, dans son état euh, le plus parfait et il nous la fait entendre dans son état le plus parfait. Et considérer au fond que euh, toute trahison euh, contre les énoncés, euh, les plus purs et les plus délicats de la langue française, sont une trahison contre le sens. Donc il y a une cohabitation vraiment très très claire entre le projet rhétorique, euh, le projet philosophique, le projet social et moral. Quoi. Euh, il n'a pas écrit que les entretiens ou les dialogues d'Aristéogène, il a écrit aussi, et ça compte, une vie de Saint-François-Xavier, et Saint-François-Xavier, c'est le, le, le co-créateur de... de, comment, de du, du jésuitisme hein, et avec euh, Ignace de Loyola. Donc Bourg est à front là-dedans. Lui, il se, il se voit vraiment comme le continuateur hein, de vaugelas dont on a vaguement parlé tout à l'heure, hein, un des premiers membres de l'Académie française. Un drôle d'oiseau avec une vie extrêmement compliquée. Euh, il est connu, le vaugelas pour ses remarques sur la langue française et d'une certaine façon, à... Bourg les poursuit. Quoi. Il poursuit ce bouquin. Vosla avait lui-même la réputation d'être un opiniâtre obsessionnel puriste de, de la langue, euh, ce qui n'a euh, pas de sens aujourd'hui. On avait encore moins à une période où euh, cette langue était parlée quand même par une toute petite poignée d'humains euh, sur terre. Ça représente quand même pas grand-chose, quoi. Les, les gens qui parlent cette langue. En gros, c'est la cour quoi. et euh, quelques lettrés euh, dans euh, des universités. C'est pas grand monde. Donc ce projet est très curieux parce qu'évidemment, il résonne toujours hein, le, euh, la prétention à l'universel. C'est un universel tout petit. C'est un tout, tout petit universel comme ça. Le nôtre, déjà, est pas Jojo. Mais alors là, c'est fou. <laughs> Dans l'ensemble, l'universel, c'est une notion terriblement excluante, vous l'aurez compris. Ça sert surtout à produire une bonne partition du monde, quoi. et euh, hiérarchique si possible, évidemment. Euh, Port Royal, c'est quoi que, On parle de Port Royal, mais bon, pourquoi Port Royal Ça s'appelle comme ça, puisque c'est un endroit, en fait. Où c'est euh, Je crois que c'est dans, dans les Yvelines. Hein. C'est euh, donc pas loin de Paris. Bon, tu parisienne, les Yvelines, c'est. Où Paris Quel coin Gauche, droite, ouest, sud, nord On a ne me regarde pas <laughs> Je suis nulle en géo oh ben oui, C'est quelque part C'est ton coin, quoi C'est <laughs> la capitale, moi je suis loin Mais je sais pas, mais moi okay. je pensais que Port-Royal c'était à l'intérieur de Paris Non, 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 non. c'est euh, dans les Yvelines hein. C'est dans la vallée de Chevreuse hein. La vallée de Chevreuse, je sais plus trop où elle est euh, autour de Paris. Bon. Je dirais euh, au pif euh, dans l'ouest de Paris, pour moi, mais bon... Alors... <coughs> L'abbaye de, de Port-Royal, elle a une longue, longue histoire, mais elle est connue surtout pour avoir été euh, le, euh, comment, le centre intellectuel, le centre spirituel du jansénisme. Euh, donc, du coup, c'était euh, un lieu particulier, parce que était, vous pouvez considérer ça comme une sorte de lieu de résistance à l'absolutisme de Louis XIV. Vous avez bien compris que la vision de Louis XIV réformatrice, elle touche aussi le plan euh, théologique et euh, va s'y jouer vraiment un dialogue de pouvoir euh, qui irritera le pouvoir qui le mettra intellectuellement et théologiquement de temps en temps en danger au point que les coups vont partir très régulièrement pour euh, égratigner la théorie janséniste et euh, le, le mouvement que ça représente donc le jansénisme c'est un donc un mouvement intellectuel euh, donc qui va Beaucoup se développaient autour de cette, euh, de cette abbaye euh, et de son ordre. C'est un ordre de monial, hein, donc, au, au départ. Euh, C'est un mouvement, donc, de la contre-réforme, de la, la réforme catholique, en opposition à la réforme protestante. On appelle ça la contre-réforme. Et pourquoi on appelle ça le jansénisme C'est à cause d'un théologien, qui était un, un théologien du XVIIe, un évêque, donc euh, Jansens. On l'appelait Jansénus parce qu'on avait pris la tradition depuis bien longtemps de latiniser le nom de, de, de tous les savants. Donc, ils ont tous en général un, un, leur nom de baptême et un, un, une version latinisée. Qu'est-ce que vous racontez dans le chat comme conneries D'accord, de conneries. Il faut que j'arrête de le lire parce qu'à chaque fois que je le lis, ça me déconcentre. Ça déconcentre. déconcentre hein ouais, ouais, ouais. Bah Oui, parce qu'il n'y a que des bêtises et les écrits, les écrits de Jean de vont être l'objet de très violentes controverses pendant longtemps. Sa position à lui déjà elle est euh, comment elle est euh, ce qu'on appelle une position gallicane ça veut dire que elle est opposée au courant ultramontain euh, catholique le courant ultramontain c'est euh, comment euh, de, au-delà des montagnes, donc ça veut dire euh, qui est complètement soumis à la souveraineté de Rome. Donc la position euh, de Janséniste est plutôt de se soustraire à euh, comment à la doctrine papale, à l'empire papal et, et à la doctrine catholique romaine, euh, en tout cas avec euh, l'ascendance romaine. Janséniste, dé, Jansénus, défend plutôt une organisation propre à la France, de la doctrine catholique et de l'Église. Voilà. Donc, c'est une branche euh, rigoriste, on va dire, du catholicisme, même plutôt rigoriste, qui a des rapports très tendus avec les jésuites, mais aussi, vous l'avez compris, avec le pouvoir pontifical. Donc, ils sont doctrinalement augustiniens, donc ils sont vraiment sur le socle de Saint Augustin, et notamment sur des questions aussi importantes qu'on évoquait à l'instant, à une époque où les tensions sont très grandes hein, entre les protestants et les catholiques, elles le sont à nouveau, hein, à cause de la révocation de l'édit de Nantes. Que la grâce et la prédestination. Alors pourquoi Augustinien euh, Parce que chez saint Augustin, la grâce, elle est adamique, uniquement. C'est-à-dire, elle est originelle. Et par son libre arbitre, c'est même, si on en croit Augustin, la seule fois où le libre arbitre aura pu être réellement euh, effectué, Adam a entraîné la grâce dans la souillure. Et comment dire, c'est euh, cette première condition entraîne toute l'humanité dans la souillure. Depuis la chute d'Adam, la volonté, la volonté humaine, n'a pas d'autre objet que le mal. Voilà. Et seule la grâce divine peut corriger cette volonté malfaisante. Ça, ça commence pas fort. quoi. Donc, euh, ça veut dire quoi ben, Ça a des conséquences, évidemment, pour votre salut. Ça veut dire que le salut, c'est une grâce divine, c'est un don de Dieu, ça implique une prédestination. Et cette euh, question, Surtout, mais ce n'est pas la seule, va hein, bah, opposer fermement les jansénistes et les jésuites. Alors, les jésuites, eux, oui, ils suivent une autre doctrine, suivent la doctrine de Molina. Euh, la nuit c'est subtil, je suis pas sûr que moi-même, des, des fois, je trouve. Euh, bon. Molina possède une sorte de concorde entre la préscience de Dieu, Dieu préscient, donc le fait qu'il y ait prédestination, et la possibilité de se conformer ou non au cadre défini par la préscience de Dieu défini par Dieu. Donc Dieu dé détermine en fait le cadre, voilà, les, les conditions d'effectuation de votre vie et de votre volonté. Mais lui, il sait les fins dernières, et il sait à l'avance qui sera sauvé, d'accord. Mais il définit que le cadre. Donc il sait, là, euh, c'est <coughs> quoi, c'est les, les conditions de la grâce, les moyens du salut sont offerts, mais ils sont soumis à la volonté de les choisir ou pas. Euh, qu'est-ce que ça change Pour moi, pas grand-chose en vérité, parce que euh, si, si Dieu sait, je ne vois pas en quoi ça change grand-chose sur la destinée. En tout cas, on peut dire quoi On peut dire que Molina, il accorde à tous les hommes ce que les jansénistes. Donc, euh, vous avez des, des gens très connus hein, chez, dans la position, vous avez Pascal, notamment, euh, qui est janséniste. Mais bon, les Augustiniens et Saint Augustin, eux, ils n'accordent l'innocence qu'à Adam. Voilà. Il n'y a, a que lui, en tout cas, qui a été touché par, euh, comment, par la grâce. Donc, euh, quoi d'autre Un autre problème de fond, puisqu'on en a des problèmes théologiques, qu'impliquerait un augustinisme strict devant la grâce euh, Et là, vous allez voir le petit problème. C'est l'inutilité des interventions de l'Église dans la vie du croyant et son rôle dans le salut à l'Église. Ça ne sert plus à rien. Vous pouvez imaginer que ça va mal se mettre. <laughs> Forcément. D'ailleurs, je, je me dis, des fois, le jansénisme, ça, ça s'approche quand même pas mal du protestantisme. Que crois-tu qu'il leur enfin, fut ouais. reproché, à ton avis À ton oui. avis Qu'est-ce que je disais ouais, de jansénisme Sur les points doctrinaux dont tu parlais, mais ouais. aussi sur la question de la critique de l'autorité sociale et politique de, de l'Église, quoi. Mais bien sûr, mais ça en est une conséquence directe, en fait, mmh. de la question de la prédestination. Euh, la ligne doctrinale catholique, lui, elle, elle tend pardon, au, au mérite des œuvres, plutôt, pour ouvrir les portes du paradis. Donc ça, c'est effectivement, comme tu le dis, c'est le socle de la colère des protestants euh, d'un point de vue, on va dire, structurel et institutionnel, parce qu'il y a aussi le trafic mmh. des indulgences qui excède oui. énormément les protestants. Donc le fait qu'on oui. puisse payer un prêtre... À... Absurde. Voilà. C'est un système qui porte en lui son propre poison. L'interventionnisme clérical porte en lui des relations euh, comment dire, qui subordonnent incroyablement euh, les croyants à euh, l'autorité de leur prêtre et à son pouvoir. Et on peut imaginer évidemment ce qui en découle. Le trafic d'indulgence en découle directement. Alors pour ceux et celles qui savent pas ce que sont les indulgences, c'est une façon d'obtenir des des promesses euh, d'accès-sites euh, favorisées au paradis. Euh, c'est acheter son salut, quoi. En gros, c'est ça ouais. En gros, c'est ça. Donc, là, les cathos, c'est plutôt les œuvres qui ouvrent les portes de paradis, plutôt qu'au au salut par la grâce euh, d'Augustin. Et comme tu le veux, ils les par la grâce. C'est plutôt les protestants. Et chez les protestants, c'est la double prédestination. Ils hein. sont prédestinés, mais pas que les sauvés. Ils sont prédestinés, les navets, les, les damnés, pardon. Les navets, les sauver, les navets, les sauvés. Mon <laughs> bon, pauvre Laurent. Euh, donc pour les jansénistes. Justice pour les navets. <laughs> pour les augustiniens, donc comme Pascal vaudra la grâce du Christ pour sauver les hommes, ni plus ni moins. Donc pour Pascal, le Christ n'est pas mort pour nous tous, mais seulement pour les prédestinés. Donc ça, ça, ça va loin quand même. Il y a primauté du regard de Dieu sur ceux qu'il veut sauver et ceux qu'il veut sauver dans l'Église seulement. Or, dès le pas de salut. Donc les non baptisés, les Juifs, les païens. Tous condamnés. Alors, primauté du regard de Dieu sur ceux qui veulent sauver. Et puis sur les œuvres hein, qui n'ont finalement. Euh, vous pouvez vous comporter comme une merde si vous êtes prédestiné. <laughs> ça n'a pas d'importance. C'est ouais, l'aspect violent, je trouve, de, de, de cette pensée. Du point de vue de quelqu'un qui croit, c'est assez violent de, de penser ce genre de choses, je trouve. Ouais, carrément. Ouais, ouais carrément. Ouais. Et je ne sais pas dans quelle disposition ça te met cette privation du libre-arbitre mmh. total, quoi. En tout cas, de ses effets, quoi. Euh, et puis, pas que de ses effets, c'est-à-dire la conditionnalité même de l'apparition du libre-arbitre étant elle-même prédestinée. Tu as vraiment l'impression d'être juste la marionnette de Dieu, quoi. Mmh. Alors on parle de jansénisme là, mais euh, en fait c'est flou. Il hein. n'y a pas un véritable jansénisme. Il n'y a pas un ordre quelconque, il n'y a même pas un groupe qui se réclamerait d'une obéissance comme ça. C'est juste c'est un courant de pensée en fait. Bon, en tout cas, vous pouvez bien imaginer, après ce que je viens de vous dire, que, que le, le pouvoir, de toute façon, que ce soit celui du roi ou, ce, ou celui de Rome, euh, et, euh, dire, ils ne peuvent pas non plus. Alors ils sont, légèrement en chafouin, mais ils peuvent pas s'en prendre directement à Jean Sénus. Pourquoi ils peuvent pas s'en prendre à Jean Sénus Parce qu'en s'en prenant à Jean ils seraient obligés de s'en prendre à une pensée doctrinale qui n'est que qu'enfouie dans la couche stratifiée archéologique de l'histoire conciliaire et doctrinale, c'est-à-dire Saint-Augustin. On ne peut pas éjecter Saint-Augustin, ça n'est pas possible. Et comme ce sont des augustiniens stricts, on est dans un problème L'Église n'a pas cessé de rencontrer ce genre de problèmes. On peut dire que sa doctrine, elle est l'histoire de tous ces problèmes. Ses rapports aux hérétiques n'ont été que ça, en fait, que des rapports à ce type de, de problème. Tu vois. Donc, euh, Port-Royal, ça va avoir naître pas mal de productions importantes. Là, on vous parlait de, de textes importants, mais on n'y produit pas que les textes dont, dont on a parlé. Hein. On y a eu là-bas une nouvelle traduction de la Bible qui s'est faite depuis euh, les textes hébreux et les textes grecs. Alors, moi, je ne l'ai pas lu. La réputation d'être une magnifique traduction, mais je n'ai jamais lu la, la Bible de Port-Royal. Il paraît qu'elle est très très chouette. Et euh, il y aura des textes, donc pas mal des textes de Arnaud. On en a déjà parlé d'Arnaud. Lui à la base, c'est un mathématicien. Donc on comprendra mieux aussi le, le, le caractère, enfin un peu logicien, quoi, de, des visions théoriques. Il était le. Euh, c'est pas n'importe qui, c'est le frère de l'abbesse de Port-Royal. L'abbesse, c'est Angélique Arnaud. Euh, c'est elle qui va complètement reprendre en main l'abbaye de Port-Royal, hein, qui euh, se barrait complètement au sucette. Et vous connaissez cette abbesse parce que, parce que vous l'avez déjà vue. Je vais vous montrer des images parce que je suis gentil, je pense à vous... Regardez ça Alors là, c'est l'abbesse, c'est hein, hein, Angélique Cardot, mais elle n'est pas toute seule. Elle est avec qui Vous savez sans doute avec qui elle est. Ceux qui connaissent un peu euh, l'histoire de, de la peinture, euh, elle est euh, avec la fille du peintre. Et le peintre, c'est pas n'importe qui, c'est Champagne qui était également Jean Donc vous avez déjà vu euh, comment Angélique et la baisse. Dans les portraits. Et là voilà encore. c'est Angélique Arnault. Portrait de Champagne. Champagne était très attaché à, à cet ordre, en fait, à l'abbaye de Port-Royal, parce que... Euh, comment euh, sa fille est censée avoir été sauvée miraculeusement euh, par l'ordre. Ouais. Euh, donc il y a là-bas encore Il y a un autre grammairien, il y a Lancelot, il y a des, euh, y a des théologiens, donc il y a la il grammaire. Racine aussi je crois, il a été... Il, il était il vachement lié... À... Ah non Non j'ai des conneries. Racine est très proche du Père Bourg lui. Je crois qu'il a eu une éducation typique euh, de Port-Royal. La formation et tout ça. Il, me ah semble... bah il va la trahir, alors, ce, ce, ce zozo. Ah, ça, ça c'est possible. <laughs> Parce que, euh, précisément, le père Bourg faisait valoir euh, énormément son autorité sur des gens aussi importants que Racine et que Boileau. Boileau, dont vous connaissez un peu l'art poétique. Mmh. Je l'ai ramené, d'ailleurs, si jamais on a envie de se lire un petit extrait de l'art poétique, tout à l'heure, comme ça. <laughs> Pour la pure distraction, pour le, pour Pourquoi le plaisir. Pas. Ah, pff, allez hop ouais, c'est vous... une période que je trouve, euh, en termes littéraires, ouais. vraiment assez incroyable. Ah ouais Ouais, Racine, c'est sublime. Hein. Ouais. C'est vraiment dingue. Hein. C'est très, ouais. très, ouais, très, très très beau. Ouais, c'est très 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 beau. Vraiment. Ouais. Effectivement. Hum. Euh, ouais. J'en peux plus de Suze, par contre. Qu'est-ce qu'elle dit, Suze Racine était, Racine vachement, liée était à vachement liée à la Vachement liée à l'arbre. Ah oui non mais ça calembour oh racine cette vieille branche mmh. What an incredible mmh. <laughs> mon, dieu, euh, mon dieu mon dieu mon <laughs> dieu donc qu'est-ce que je disais euh, la grammaire de Port Royal donc euh, je sais plus le titre c'est très long comme tu l'étais grammaire générale et raisonnée de je sais plus quoi euh, donc, c'est une grammaire, et vous allez voir à quel point c'est différent de la grammaire euh, jésuitique du Père Bourg, qui va tenter euh, une lecture rationalisante du plan du langage. Une première, en fait, hein. une façon générale. Donc, sans souci des caractères propres à chacune des langues, de toute façon, ils s'en battent euh, les steaks, je pense. Euh, Quoique, ce n'est pas tout à fait vrai, je crois qu'on y était volontiers polyglotte, on y parlait euh, italien. Euh... Donc, l'idée, c'est quoi C'est de mettre en lumière un plan rationnel euh, universel une fois de plus, hein, supposément exprimé à travers toutes les langues. Voilà, c'est une sorte de grammaire universelle sous-jacente, euh, Voilà, euh, qui a une postérité chez Chomsky, avec sa grammaire générative, comme je le disais tout à l'heure. Mais Chomsky, tout le monde s'en fout en linguistique, hein, je vous le dis tout net quand même. Hein, c'est vraiment... Euh, c'est pas quelqu'un qui intéresse beaucoup les linguistes contemporains. Euh, il est plus connu pour son travail politique. Comment rester concentré, c'est toute la difficulté des streams de la bien brouillonne chaîne de Twitch, euh, bande dessinée. C'est vrai. C'était quelqu'un de profond, racine. Oui, <laughs> continuez vos conneries. <laughs> bon, on pourrait dire, en gros, que la logique de Port-Royal, qui fait suite à la grammaire et qui est elle, par Arnaud et Nicole, c'est un premier essai de philosophie de langage. Alors, les bases euh, de, la, comment, de la logique, c'est... En gros, le langage, euh, il est conçu comme une puissance d'expression. Euh, au fond quand on dit que le langage est une activité euh, destinée à organiser du sens bah, ça ne me semble pas si différent sauf que là elle se manifeste pour eux par des, 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 comment, des rapports de cause à effet euh, les effets étant les signes et là vous allez voir que les causes elles peuvent être très multiples, c'est ce qu'on évoquait au tout début, donc il y a une typologie des liens de cause à effet entre les raisons euh, d'un signe, hein, donc sa cause sa source quoi, par exemple les mots sont les signes de la pensée donc là, euh, ça devient autre chose qu'une espèce de pensée euh, de la langue et euh, qui euh, rend... Puisque là, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de, de regard sur euh, la langue comme corpus historico-social. Il y a une espèce d'adéquation euh, qui semble singulièrement déshistoricisée. Enfin, moi, c'est ce qu'il entend vraiment, mais je ne sais pas si c'était de l'ordre du pensable, en fait, l'historicisation de la langue. Alors que tout est là autour, mais tout est là autour, ça ne suffit pas comme argument. On peut dire aussi, euh, tout est là autour pour l'avoisier pour qu'il pense les météorites, l il en voit tomber, et pourtant non, parce que bah, ça ne rentre pas dans son cadre théorique, en fait. Donc, il, il ne voit pas euh, ce qui ne lui est pas visible, même s'il en a tout autour de lui. Donc, je pense que l'historicisation de la langue euh, euh, 17e, 18e, j'ai bien peur, que ça me paraisse bien compliqué, quoi. Donc, il y, a les signes, comment, euh... il y a les signes linguistiques. Donc, euh, ce n'est pas hein, la décomposition dans une espèce de structuration ou dans un système analytique, c'est des unités expressives, donc euh, des paroles, les écrits, qui sont mis sur le même plan. Donc, sans, sans une... je ne considère pas, par exemple, écrire et parole euh, comme euh, dans une chaîne. De significativité euh, comment, généalogique, c'est-à-dire les écrits, par exemple, euh, signes de parole, mais plutôt comme deux catégories euh, de signes de la pensée. C'est intéressant, ça. ça. nous met, C'est assez difficile à imaginer comme, comme compréhension du problème, mais c'est vraiment ce qui, est, euh, qui rend très disjonctif la question de l'énoncé verbal et de l'écrit. Tu vois, il y a une cause, la pensée, et elle s'effectue dans deux signes, la parole ou l'écrit. Et en soi, bah, je pense, tu vois, que comme proposition théorique, au fond, ça nous apporte quelque chose de plus subtil que j'essaie, comme on veut le croire, supposer que écrire c'est juste consigner euh, de l'énoncer euh, dans un autre système de signes. Ce que je ne crois pas du tout pour ma part. Euh, donc c'est pas mal. Enfin, c'est bizarre parce que c'est assez boiteux théoriquement, mais ce caractère disjonctif, tu vois, entre l'écrit et le verbal, euh, me paraît assez intéressant, franchement. Mmh. Et euh, en plus, ça crée pas, ça c'est chouette, ce poison de l'esprit, une hiérarchie euh, entre l'oral et le scripturaire. Et tu vois les implications que ça a d'un point de vue anthropologique, évidemment. Ouais. Bah ouais. C'est pas mal. Je sais pas s'il allait jusque-là à <laughs> Port <Pas en> Royal, <laughs> mais n'empêche, ça nous dit, hein, moi je trouve ça intéressant en tout cas. ouais c'est vrai. C'est vrai, hein? Mmh. Il y a les signes. D'ailleurs, je suis en train de me demander oui. parce que tu disais que il manquait une pensée de l'historicisation. Euh, ouais. Du coup, tu parlais purement de, de Port Royal, c'est ça Ouais. D'accord. Oui, oui. Moi, oui, je suis juste là, hein. je suis toujours à Port Royal. J'essaie de remettre en, en tête toute la typologie, euh, tu vois, de leurs signes. Là, je suis sur les signes linguistiques, mais il y en a d'autres. Euh, il y en a plusieurs catégories. Moi, je me souviens pas de toutes. Je me souviens des signes linguistiques, des signes naturels. Signe naturel, alors c'est marrant parce qu'on est dans du quasi contemporain. Enfin, j'exagère à peine, mais les signes naturels, c'est euh, comment, euh, c'est les traces, euh, les empreintes euh, qui sont donc le signe d'un passage, le signe d'un corps. C'est la fumée, le signe du feu. Et ça, Jobs y fait... parle de ça. Euh, ah, ça, je sais pas, j'ai pas, pas lu Hobbes. plusieurs de ses écrits. J'ai pas crois lu il Hobbes, parle hein. pas dans le Léviathan mais dans les dans les autres euh, petits écrits, euh, faudrait que je retrouve. Euh... C'est possible. C'est un plan euh, point aveugle pour moi de la lecture. Je pensais à des trucs plus contemporains, en fait, parce que c'est l'équivalent, à, mais à très peu de choses près, de, dans le système de Peirce, de l'indice. L'indice, chez Peirce, c'est un signe qui est arraché à la chose hein, euh, et qui est réellement affecté par elle, par la chose. Il prend lui aussi l'exemple de la fumée et du feu, par exemple. Ok. Ouais, ah, ouais. Ok. De, de, de toutes sortes de systèmes, enfin dans son système, le symptôme médical, le symptôme météorologique, euh, euh, les empreintes physiques, les traces. Hein, il, le système de l'indice, chez Peur, c'est en gros euh, le signe sans euh, mentalisation, sans code, sans réflexion. C'est vraiment euh, un, une affectation directe. Euh, un, comment de, de, de L'indice est affecté directement par la chose. Voilà. Bah, c'est ni plus ni moins que les signes naturels, selon moi, hein, de euh, la grammaire de Port-Royal. Et la troisième catégorie dont je me souviens, c'est les signes théologiques. Donc tu as le vin comme signe du sang, le pain euh, comme signe de la chair du Christ, etc. Non, je ne sais plus toute la... Il y a une lignée plus grande hein, que les signes eucharistiques hein, dans, euh, dans la théologie, quand même. Hein. Il y a, euh, puis, il y a même des productions de signes. Hein. Il y a le baiser de paix, euh, qui est aussi un signe théologique. Enfin, il, y aura, il y aura toute une catégorie qui va être liturgique, aussi, de la création de signes. Alors, Glitsch-Zichomsky postule que la grammaire a, d'une part, une existence universelle. Autrement dit, il ne la conçoit pas comme cadre particulier, historique et localisé, de formulation linguistique et théorique. D'autre part, une localité cérébrale et une détermination génétique. On en est là. Ouais. Euh, mais il il n'y a pas que ça. Hein. Chomsky pense par exemple que le code est un langage. Alors là, bah, pour déshistoriciser, euh, on est bien là. Hein. Alors la question de la subjectivation, euh, rien à foutre. La question euh, de la société, rien à foutre. Enfin, là, euh, pour un mec qui, qui se pose comme gauchiste, il y a un truc qui ne va vraiment pas chez lui. Hein. Enfin, bon. <laughs> Je trouve. <laughs> Théoriquement, en tout cas, linguistico-théoriquement... Une localité chez... cérébrale et une détermination ouais. génétique mm. Comment, comment ça <laughs> Attends, j'ai buggé, là. Il pense, ben, finalement, comme la dit à sa manière, hein, qu'il y a euh, une organisation euh, de la grammaire qui a son analogon dans la structure euh, psychique. Voilà, non, même pas. Cérébrale. Ce qui est encore plus chelou. Non, mais c'est complètement euh, aberrant, hein, crois-moi. Enfin, euh, ce que l'on sait euh, de la euh, composition, recomposition des, euh, des connexions interneuronales, met en bas, en brèche, cette espèce d'image, tu vois, complètement architectonique euh, euh, et fixée, enfin, ou génétique, tout ça me paraît euh, hautement improbable, voire euh, franchement euh, farfelu. Voilà. Alors, Jocelyn dit Chomsky, c'est n'importe quoi. Tiens, salut, Jocelyn. <laughs> Coucou. Alors, je ne suis pas sûr que c'est n'importe quoi, valent pour argument. Mais disons que c'est l'expression, la manifestation d'une légère irritation que je tiens pour, pour elle-même, comme une position. Donc là, j'ai du mal à comprendre. J'ai jamais lu, par contre. Mais euh, moi, j'ai lu ça Mais à l'université. J'ai oublié. On, on se tapait quand je faisais un peu de linguistique à l'université, on avait le droit à des théories éclatées au sol, on s'est tapé trop de scotch, Chomsky, enfin des tas de gens pas très euh, excitants. Euh, les lectures excitantes, c'est vraiment Saussure, euh, ce mec vraiment très chouette, franchement. Et euh, Benveniste, vraiment très chouette, oui. franchement. Bon, reste, je, on... je, je crois qu'il y a eu un cours sur les sciences humaines où on a parlé de linguistique et la prof a dit un truc sur Choms euh, Chomsky et j'ai absolument rien compris j'ai cherché ensuite <laughs> à recomposer le, le, la pensée mais j'ai pas j'ai pas saisi peut-être qu'il faudrait que je fasse plus d'efforts mais baf il y a euh, bah, si tu veux que la, la partition saussurienne et la partition euh, comment benvenistienne, qui sont très sensiblement différentes puisque chez, euh, chez saussure c'est langue langage parole et plus tard on va plutôt opter entre benveniste et comment et euh, sur du euh, langue langage discours ce qui change un petit peu euh, enfin, les caractères historiques et les relations au monde euh, notamment intersubjectifs euh, c'est dans les euh, les théories anglo-saxonnes comme celle de chomsky Rien que la partition langue-langage, elle est mal établie. Et euh, ça les rend, pour ma part, un peu utilisables pour penser quoi que ce soit euh, de, euh, bah, du caractère euh, social, politique, euh, du langage. Quoi. Vraiment, euh, j'en ai jamais fait grand-chose. Et chez Chomsky, en plus, il y a vraiment des trucs qui sont très déconnants, notamment la, la question du code et notamment la question de la grammaire universelle. J'avoue que là, sauf sûr, personne ne lui arrive à la botte. Excellent. Alors là, Solarius. J'ai mis un peu de temps avant de comprendre. Ah, ouais. C'est tellement lamentable qu'on ne veut pas comprendre, en fait. Mais là, ça porte de fréquenter cette bande d'ahuri, Je comprends maintenant <laughs> la calembour merdique. Avant, comme toi, j'avais un comme moment de flottement. Je disais, de quoi il paraît Mais, <laughs> Mais c'est foutu maintenant. Je suis contaminé par cette chat. Euh... <laughs> Scandaleux. Ton milieu naturel. Mmh. Ouais, c'est ça. Donc, je vais finir sur Port Royal, qu'on y voit un peu plus clair chez ces oiseaux. Donc, euh, vous voyez qu'ils ont une, une image du langage comme une sorte d'instrument, euh, à la fois judicatoire, logique, descriptif, régulateur, ordonnateur. Donc, ils ont une première vision, enfin, un premier formalisme logique dans l'organisation des discours. Ah, bah, c'est ce n'est pas une première, hein, pas, je veux dire, chez les théologiens euh, comment, euh, du 13e, il euh, y a une logique formelle qui est au travail, mais euh, ce n'est pas une question de langue et de langage à cette époque. C'est vraiment une pure question de rapport à la rationalité, d'organisation logique des idées, donc un désir mmh. de construire sur un stock aristotélicien. Bah un... Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est encore purement aristotélicien. C'est ça, oui. Et euh, donc hein, vraiment, pour le coup, un instrument d'analyse de la réalité. Qui est pas posé en tant que tel. -dire le formalisme n'est pas l'objet de la question. Il ne pas, devient pas lui-même euh, l'objet à décrire. Euh, la question de langue ne s'y pose pas. C'est juste vraiment un processus quoi, euh, analytique et euh, une construction logique qui semble la plus euh, juste possible quoi. Là, c'est autre chose, c'est vraiment un regard euh, sur l'ordre de, de la langue et euh, la, la fonction du langage. Donc c'est plutôt euh, assez intéressant. Alors c'est une vision d'un formalisme euh, qui est euh, assimilé à un équivalent dans l'ordre des idées. L organisation du discours a une or correspond à une certaine organisation des idées, comme une espèce de double, si vous voulez, hein, en sachant que les idées elles-mêmes... Elles sont censées avoir un équivalent dans l'ordre du monde des choses. Donc, c'est une chaîne de signes, si vous voulez, ou plutôt une chaîne d'effets. Dans la caractéristique de Leibniz, ça va être très marqué, sa recherche de langue universelle, cette espèce de coïncidence, ordre du monde, ordre des idées, ordre du discours. Euh, le signe, qu'est-ce qu'on peut encore en dire On peut en dire qu'il vaut pour une espèce de double de sa cause sous la forme d'un effet. Donc, ça, c'est. Voilà ce que je vous ai dit il y a plusieurs fois, pensez-le comme un effet, mais il est quand même conçu comme une chose à son tour. C'est ça le regard sur la une l'espèce de structuration générale, mais avec des questions morales qui, qui vont s'y si, euh, si nicher dans, comment dire, dans les rapports de justesse, de vérité, euh, dans cette, ce qui est au fond aussi une théorie de la connaissance, quoi. Parce qu'il y a un engagement moral à savoir euh, reconnaître euh, comme signe d'une chose et non comme chose elle-même, tout en ayant pour lui une considération de choses. Donc il y a la chose à laquelle le signe se réfère, mais lui, il prend une place dans le monde des choses. Il est une chose nouvelle. Et cette chose nouvelle vise à exciter la distinction entre la cause du signe et le signe lui-même. Donc entre la carte et le monde, entre le tableau et l'objet de la représentation. Et donc le signe rend co-présent deux idées en lui-même, celle de son référent et celle de la représentation. Il représente la représentation, voilà, qui est en gros excitée euh, euh, par la chose à laquelle elle se réfère. C'est une sorte de... Il y a des images comme ça dans, dans la, la, la logique de Port-Royal qui renvoient euh, à une certaine idée d'opacité de, de, ou de transparence du langage. Euh, c'est assez joli. Je ne sais plus quelles sont les images choisies, mais il renvoie souvent l'idée que, que le signe, euh, souvent, peut renvoyer à la chose tout en la cachant, mais en la cachant matériellement. Euh, comme moi, l'exemple que je prendrais, c'est comme vous posez un voile sur une statue. Ça la cache comme chose existante. Mais ça révèle comme signe sa présence. Donc le signe, dans cette euh, construction, est toujours plus ou moins dans une, un devenir disparaissant, escamotant, enfin qu'il faut escamoter, pour y trouver le lieu de transparence ou le lieu de spécularité hein, euh, permettant euh, une connaissance du monde. Euh, voilà. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je pourrais vous dire. Donc vous gardez en tête que, certes, c'est une théorie euh, du langage, mais c'est aussi une théorie de la connaissance. Voilà une zine noétique aussi. Euh, donc. Et c'est indissociable, en fait, à, à ce moment-là. Euh, de toute façon, dès l'instant où vous acceptez l'idée qu'il y a une coïncidence de penser et dire, euh, nécessairement, euh, alors, toute théorie du langage devient théorie de la connaissance. C'est logique. Fatalement. Voilà, je vous ai, je crois, dit tout ce que je pouvais savoir sur... Euh, les jansénistes. Et on va pouvoir euh, donc euh, aborder le père Bourg, qui lui n'est pas janséniste, mais est plutôt l'ennemi. Et euh, voir qu'est-ce qui là-dedans euh, va frictionner. Salut, pleurs de joie, comment vas-tu, Rapha? Alors, Coucou. T'arrives après les gens sinistres, Rafa. Ben oui, tu verras ça. Euh, c'était long et chiant. J'ai essayé d'être patient. chiant. Euh, J'essaye d'être patient, mais euh, peut-être j'ai été chiant, vous me direz. C'était chiant <laughs> si Tu me le dirais pas si c'était chiant. <laughs> non, 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 moi j'ai trouvé que c'était bien. Bon, ça va. <laughs> Alors, on, on y va les entretiens d'Ariste et Eugène. Alors je vous ai amené, je crois que j'ai chopé un, un fac facsimilé. C'est un petit bouquin assez, euh, comment, assez modeste. Hein. Le, euh, les entretiens de, de, de comment, et Eugène. C'est pas bien grand. C'est euh, à peine 500 pages. Hein. Un tout petit fascicule. Ça. Alors, je vais quand même vous le passer. Hein. Euh, je suis ironique, mais si vous avez envie de lire ça, je crois que c'est chouette de pouvoir se le taper un petit peu. Je n'ai pas que le facsimilé. -à, à lire comme ça, peut-être que ça veut, peut vous casser la tête. Hein. Bon, ça reste des petites pages. Hein. Il, y a, euh, il y a 500 pages, mais euh, vous voyez, c'est des petites pages. Hein. C'est euh, assez joliment écrit, je dois dire. C'est assez fascinant. C'est souvent insupportable. C'est proprement scandaleux. Je vous mettrai également dans le Discord donc une version euh, en texte, euh, comment transcrite numériquement pour que ce soit plus facile à lire. Et je vous mettrai un essai sur euh, les entretiens entre Ariste et Eugène qui vous situe un petit peu euh, ce bordel. Voilà. Vous aurez donc plein de matos pour euh, penser tout ça. Vous voyez, je pense à vous, hein. J'ai décidé d'ouvrir dans le Discord un nouvel espace où il faut systématiquement plein de documents relatifs aux lives qui se sont déroulés pour qu'ils travaillent chez eux puisqu'ils ne branlent rien pendant les lives. Alors, c'est bien écrit, c'est fascinant et c'est insupportable. C'est pas contradictoire pour moi. Non, c'est pas contradictoire. Bah, par exemple, euh, cette vieille ganache euh, comment exaspérante et droitarde de Philippe Muray, c'est absolument magique comme écriture. C'est complètement fascinant. T'as envie de l'étrangler toutes les trois pages, mais tu peux en lire. Ça arrive. Hein. Ça t'arrive jamais, toi, de, de, de lire des, des types qui, ont, qui sont fascinants par leur, euh, leur capacité à écrire et, et dont le les discours est, est intolérable. Alors, j'avoue que j'ai un peu la même expérience avec Céline. Oui Ouais. Il est vraiment insupportable, mais en termes d'écriture, en termes littéraires, je trouve que c'est assez incroyable, surtout Mora Crédit. Ouais, c'est dingue. Bah, les derniers mais bouquins, ouais. c'est le, le contraste, c'est le plus violent. Parce qu'à la limite, il y a des tas de trucs euh, d'une misanthropie radicale que tu peux apprécier chez Céline, si comme moi, t'as une âme goudronneuse, mélancolique, et, et si t'es un salti. type. Alors, je sais pas si t'es un sale type, mais moi, je suis un sale type. Donc l'espèce de méchanceté viscérale que je peux voir dans Mara Crédit, je me surprends souvent à y voir l'écho de ma propre petite amie mortelle que j'essaie de calmer. Mais... mais les derniers bouquins, tu vois, c'est euh, « *Nord*, euh, Normance, la rigodon d'un château l'autre ». Où là, tu as le Céline ah, c est finissant. Euh, C'est les plus beaux au niveau stylistique. C'est les plus insupportables okay. au niveau. Euh, insupportable. Déjà, il gémit sur sa condition alors qu'il est en train de se barrer pour échapper euh, à ce qu'il mérite. C'est-à-dire, il se casse euh, euh, comment, pour aller se réfugier avec les autres collabos en Allemagne. Et il ah. gémit. Gagne... C'est hallucinant. Tu te trépignes sur place. Quoi. Et il est arrivé à son maximum oui. d'écriture. C'est surpuissant, c'est encore plus fort que Guignol's Bond, mais c'est intenable. Quoi. Enfin, t as, t as... Et là, toi, lecteur, lectrice, tu es dans un, une situation paradoxale difficile à soutenir. Tu mmh. <laughs> te mmh. demandes, mais pourquoi, pourquoi je lis ça Est-ce que c'est si important que ça, le style Mais non Pourquoi mais... <laughs> bah, J'avoue hein. que pour le coup, mort à crédit, j'avais moins le côté euh, tension. Ouais. Par contre, voyage au bout de la nuit, euh, j'étais presque dégoûtée de moi-même d'apprécier de... <laughs> mm. euh, l'écriture. Je l'ai lu presque d'une traite, ouais. mais c'était vraiment 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 insupportable et je me suis questionnée quand même sur mon intérêt pour, pour ce livre quoi, Et comment j'ai pu le lire aussi vite alors que il y a des trucs euh, horribles, bah, par exemple sur le racisme et ah tout, bah oui, euh, la vision des populations colonisées, etc. Ça m'a, c'est vraiment à gerber. Ah, bah dans, euh, Mais, comment, euh... ouais dans le voyage, c'est intolérable. Ouais. Moracredi, <coughs> il est très concentré, je me souviens bien, sur. J'ai lu ça il y a 40 ans. Hein. Mais euh, son histoire de médecine, je crois. Moracredi, c'est surtout tout ça, ouais, toute sa ouais, formation médicale. C'est ça. C'est autobiographique, donc ouais. c'est vraiment euh, sa vie. Et du coup, je trouve que ça éclairé aussi le fait qu'ils sont un sale type. Parce que, mine de rien, il y avait quand même pas mal d'événements très trauma... traumatiques. Euh. Dans, 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 dans ce qu'il racontait et donc euh, je trouvais que ça contextualisait un peu même si ça excuse rien et en tout cas c'était moins insupportable à lire que, que Voyage au bout de la nuit j'ai trouvé mmh. en fait il y a une scène qui m'a fascinée c'est une scène où il raconte euh, des gens qui sont sur un bateau et qui vomissent <laughs> et c'est horrible mais vraiment c'est des pages et des pages où il parle que de vomis et je crois qu'en termes littéraires c'est un, une des meilleures choses que j'ai lues de toute mmh. ma vie je comprends. Et oui, bah, il a un rapport à la sanie, à la déjection, à la purulence, donc en gros, euh, au corps en souffrance qui se vide d'eux-mêmes, qui est incroyable dans Mère à Crédit. Hein. Je me oui. souviens d'une jeune femme euh, qui saigne abondamment, qui crève sur un, un lit, euh, euh, c'est absolument ahurissant, enfin, c'est des scènes euh, bouleversantes et terribles. Hein. Ouais, mmh. drôle de situation. Eh bien, euh, lire les entretiens d'Ariste et de Gène, c'est insupportable hein, politiquement, et euh, on est assez fasciné par cette langue, et on a honte. Après, on va prendre un bain. Mmh. Voilà. <laughs> ça. On va se flasher dans sa ça. salle de bain. Voilà. Pourquoi j'aime, pourquoi j'aime ça Qu'est-ce qui m'arrive L'exposé qui avait été proposé au séminaire de l'ENS Fontenay avait une visée méthodologique précise. Il prétendait montrer ce qui se passe quand on articule des concepts linguistiques pour en construire une machinerie interprétative de discours, et spécialement de discours littéraires. Donc en soi, c'est super bizarre. Hein. -à demander à des linguistes d'analyser un roman, je crois qu'on conçoit tous que ça sais d'aberrant. C'est comme si on demandait à un pneumologue d'analyser un solo de trompette. <laughs> c'est débile ah ouais non, mais c'est vrai c'est rigoureusement ça, ça quoi. Aller dans les citations ça. <rire> <rire> ne les encourage pas en mais d'ailleurs je, je... être que tu, tu... as plus de, de connaissances de ça mais moi j'ai toujours eu du mal à comprendre la linguistique pour cette raison c'est que je trouve que ça s'articule vraiment très très mal à la manière dont nous on utilise le langage et dont on le pense couramment et en fait je n'arrive pas à saisir qu'elle est L'intérêt est l'objet de la linguistique, vraiment. Ah. Je, mais c'est peut-être juste un manque de connaissances, tu vois. Ben, ça peut aussi dépendre des linguistes que tu as lu, tout simplement, <laughs> parce que euh, parce que finalement, il euh, y a un projet anthropologique dans toutes les linguistiques, et ça veut dire aussi, tu t'en doutes bien, qu'il y a un projet politique dans toutes les linguistiques. Et euh, quand tu commences à t'intéresser à la structuration euh, de ces deux objets qui travaillent ensemble, qui marchent ensemble, que sont l'activité langage, donc qui est une activité, la langue, comme euh, système de signes, à forte conventionnalité historique et sociale, donc une espèce de, qui est à la fois du substrat et du vivant, mais qui est une forte composante à la fois de régulation et euh, de construction mythique de ce corps social. Selon les théories linguistiques, tu vas laisser des places différentes, précisément, au sujet qui parle. Ça va devenir assez fondamental aussi pour t'en faire une arme intellectuelle pour comprendre les rapports intersubjectifs, pour comprendre euh, ce qui se manifeste de supérieur à l'idée de communication, par exemple. Lorsque l'on parle, ça c'est très intéressant. Et d'avoir pour ça autre chose que la philosophie euh, pour le comprendre, c'est-à-dire une analyse extrêmement précise des fonctionnements de langue et euh, des hypothèses de fonctionnement du langage, c'est un complément, je nécessaire finalement de, de la philosophie. Pour mettre des mots précis, sur la construction euh, du sujet en société et la construction des sociétés. Donc, voir euh, ça, par exemple, quand tu as des linguistes comme von Humboldt qui vont poser au XVIIIe siècle, début XIXe, fin siècle poser cette chose fondamentale, dire il n'existe aucune langue euh, plus complexe qu'une autre, aucune langue euh, qui soit à un degré de complexité supposant ou que ce soit. Un degré de sapience différent d'une société humaine à une autre. Et qu'il le fait avec les arguments de la grammaire comparée et les arguments d'une histoire qu'il connaît sur le bout des doigts. Là, tu es un allié extrêmement intéressant. Et c'est pas le même allié que l'historien, c'est pas le même allié que le philosophe. Il nous dit des choses très très précieuses euh, aussi sur tous les fantasmes finalement de... Euh, comment de ce que la communication peut être à l'intérieur d'autres euh, systèmes de représentation euh, dans une société. C'est-à-dire, par exemple, les sociétés qui placent au cœur des relations interindividuelles la notion de communication sont évidemment des sociétés de droite, c'est-à-dire qui visent euh, le sujet à travers ça comme un parasite du discours finalement. La particularité des discours communicationnels, c'est laisser supposer que la seule chose qui ne signifie rien dans le langage, c'est celui ou celle qui signifie. Celui ou celle qui signifie n'a pas de signification. Il y a des théories linguistiques, comme celle de Benveniste, qui disent tout à fait le contraire. Ils disent ce, la chose qui est le plus signifiée dans le langage, c'est celui ou celle qui signifie. Et c'est ça qu'on appelle le discours. Le discours, c'est ce moment de langage à travers lequel apparaît celui qui s'y énonce. Et tu vois bien toute tout la richesse que peut nous apporter la lecture linguistique de ça, c'est sur la base et sur le socle, évidemment, d'une euh, grille euh, de compréhension finalement des échanges intersubjectifs euh, d'une autre nature, tout simplement technique, hein, que celle que nous offre euh, la philo ou euh, l'entrepôt, la socio. Donc c'est chouette. Bah écoute, tu m'as convaincu. <laughs> Ouais, super, je pense que j'essaierai de lire euh, un peu euh, de Von Humboldt qui a l'air intéressant et de ouais. Véniste, peut-être. Oh ouais. eu... En fait, je pense que j'ai aussi eu le droit qu'à l'aspect euh, très scolaire et très formel de mmh. la linguistique et tout ce qui est euh, bah, signes, signifiés, signifiants, euh, quelles relations, etc. On fait des schémas. Euh... Est-ce que euh, le mot cheval ça correspond au cheval? Enfin, tu vois, et du coup, c'est des questions qui me paraissent. Euh... Euh, bah, présenté comme ça, je voyais pas en fait en quoi les questionnements y dépassaient euh, par exemple ce que peut dire Platon dans, dans le cratyle. Parce qu'au fond, il pose mmh. déjà ces questions. Alors que ce que tu dis, euh, toi, ça dépasse euh, ce genre d'interrogation de... ah oui, mais... et ça a l'air quand même beaucoup plus intéressant. Euh... Oui, oui, complètement. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ça. Mais le problème aussi, c'est que souvent, effectivement, le... Enfin, les présentations sommaires sont quasiment des présentations purement logiciennes et pas très, très intéressantes. Quoi. Oui, ça. Elles sont assez rapides et, euh, et elles sont, enfin, elles produisent pas mal de confusion en rabattant euh, la linguistique sur un seul de ces aspects qui va être tantôt l'histoire, euh, tantôt son formalisme, etc. Oui. Là où, euh, à chaque fois, il y a des implicites qui sont hyper importantes. Par exemple, si tu pars du principe que tu acceptes l'arbitraire du signe, alors. Euh, à partir de là, tu changes les relations au système d'écriture. Euh, tu si cesses de créer des rapports de hiérarchie entre. eux. Tu produis autre chose. C'est plus. Tu te dis voilà des rapports de conventionnalité. Euh, qui ne sont pas des rapports basés par une espèce de généalogie du signe primitif ou signe moins primitif. Cette image qu'on a tous, plus ou moins euh, du caractère idéogrammatique, qui viendrait faire ceci, cela. Non, pas du tout. La, la question euh, dans telle langue d'un rapport euh, différent d'un signe graphique, d'un signe acoustique purement arbitraire, dit, ben non, il y a des coups de force, qui sont des coups, des coups de force historiques et sociaux, euh, qui n'ont qui rien à voir avec l'idée d'une espèce de généalogie euh, à la con. Après, l'autre aspect intéressant de la linguistique, c'est de suivre aussi la porosité des langues entre elles. Donc il y a une très très belle pastille qui a été faite par Linguisticae sur euh, les sabirs et les pidgin C'est la façon dont il y a un renouvellement constant euh, du tissu des langues euh, lorsqu'elles cohabitent, qu'elles se frottent, qu'elles qu se changent les unes les autres pour répondre à des urgences sociales euh, et souvent économiques hein, à tel ou tel endroit du monde et euh, construisent au-delà de l'image qui est toujours prête, on prend toujours la créolisation comme euh, exemple, mais il y a bien d'autres formes en fait de de, de confluence et de co-construction euh, linguistique qui sont des marqueurs hyper importants de la porosité des sociétés entre elles et des sujets entre eux qui bousillent finalement les mythes nationaux et toutes ces conneries. La linguistique aide beaucoup. À comprendre ça, c'est pas pour rien qu'une chaîne comme euh, celle de linguistique est très rigoureuse hein, d'un point de vue euh, technique et théorique, ça a pas l'air parce qu'il n'arrête pas de faire le couillon, mais en, en fait, euh, ça c'est pas pour rien que c'est une chaîne très marquée à gauche. C'est qu'au fond, euh, la linguistique peut devenir une arme politique très précieuse pour démolir pas mal d'idées reçues sur les rapports interindividuels et les rapports collectifs. Donc ça compte. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, les gens euh, Glitch. Ah, les titres cités, pourquoi pas C'est pas du tout mon cas. Non, de quoi il parle Si vous voulez, je m'en à très drôle. Euh, mon esprit, ma attention aurait implosé si vous étiez mis et vous adoriez mea culpa. C'est quoi mea culpa Je ne sais pas ce que c'est, Glitch, mea culpa. Euh, bon. Et quoi J'ai corrigé le manuscrit d'un gars qui est cité comme linguiste par le Figaro, Giraffa. Ah, mais justement, dans, dans le Figaro, il y a très peu de véritables linguistes. Il y a des idéologues euh, tragicomiques. Dans Le Figaro, il y a très peu de véritables quoi que ce soit. Oui, c'est quand même un euh, véritable journaliste Très peu de véritables. Euh, oui, ouais, c'est pas vraiment l'endroit. Mais tu, là où euh, Rafa se gourpa, pas, c'est que euh, comment euh, ah mais mais à pas, c'est un des pamphlets de, de, de comment de, de Je connaissais pas celui-là. Je, euh, je connaissais Bagatelle pour un massacre. Ok, pas celui-là. On n'a lu aucun. Bah oui, ils sont pas en vente. Ce pas libre, dans euh... mes projets. Hein. Ce pas dans tes projets, on est d'accord. Euh, Figaro, c'est pas beau marché. Salut Vanderspook, quelle belle ouais. entrée en matière. Ouais. <laughs> ouais. Euh, mais là où, par contre, le intervient à juste titre, c'est qu'on voit à quel point la linguistique, c'est un enjeu politique. C'est-à-dire que dans le Figaro, clairement, on est du côté du Père Bourg et des mmh. entretiens d'Arice Eugène. On prétend... Bah, après, je comprends, parce que j'ai quand même... Vu à quel point la linguistique avait eu un impact, euh, ne serait-ce que sur l'ensemble des autres euh, sciences humaines. Je pense à l'anthropologie, par exemple, euh, fond, tout ce hein. que dit. Euh, comment il s'appelle euh... <laughs> L'anthropologue super connu là. Stevie Strauss. Oui, exactement. Euh, et puis même euh, bah, l'anthropologie en général, la sociologie, etc. Enfin, J'ai l'impression que la linguistique a été vraiment structurante. Mmh. Et en même temps, maintenant. Euh... Je ne sais pas si, si elle est encore aussi importante. J'ai l'impression que non. Et du coup, je ne sais pas s'il y a une raison historique à ça ou, ou épistémologique. Ou... Euh, alors, de mon point de vue, euh, la bataille des idées qui se joue en ce moment euh, dans le monde euh, qu'on va dire rapidement occidental, si on accepte l'idée que le mot occident veut vraiment dire quelque chose, euh, elle va très clairement du côté d'un néo-rationalisme obsessionnel qui porte des fruits désastreux dans le domaine de la psychologie, hein, avec la symptomatologie euh, euh, du DSM et euh, d'une certaine manière la mort de la psychanalyse. Euh, donc, qui vise au fond à désubjectiver euh, les travaux euh, sur la souffrance psychique. Euh, J'ai l'impression que dans toutes les catégories de la pensée. Cette guerre-là, très violente, qui est menée, au nom d'une espèce de, de, de rationalité largement fantasmée, elle touche la philosophie beaucoup euh, par le truchement de la philosophie analytique. Et ce qui veut dire aussi que ce n'est pas vrai, hein, et je rappelais que la question du, en, en philo de, du langage semble être complètement avalée par la philo-analytique, c'est celle qui est la moins à même de cohabiter avec la linguistique, qui est éminemment euh, sociale et anthropologique. Ça pourrait expliquer ça dans le travail euh, d'escamotage finalement de la linguistique. Et je dirais qu'avec la psychanalyse, linguistique et psychanalyse c'est les, les deux disciplines qui ont radicalement transformé la, la, la philo du XXe siècle et les autres sciences euh, humaines. très clairement quoi. Effectivement, oui. elles sont apparues partout, même en histoire de l'art. Hein, la présence de la psycho, de la psyca et de la linguistique sont mais, permanentes. Jusque ouais. dans les années début 80. Et bizarrement, c'est jusqu'à quoi vrai que le basculement dans le libéralisme ben oui. Ouais. Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe dans les années 80 Bon, il se paraissait pas un petit truc euh, du côté de la reprise en main ferme après ces petits souillons qui nous ont foutu le bull dans le monde entier en faisant leur petite révolution euh, du Japon jusqu'à Paris. On va remettre de l'ordre libéral, libéral dans tout ça. Eh bien, euh, le, le néo-rationalisme n'est ni plus ni moins qu'un ordre libéral de la pensée. Hein. Franchement, je ne vois pas ça autrement pour ma part. Et la linguistique cohabite mal avec ça. Ce qui, euh, et les ouais. formes de linguistique qui perdurent ne sont plus que les linguistiques morales, effectivement, des pages du Figaro. Et je pense que c'est contre ça que les jeunes linguistes euh, gauchistes qui entourent euh, euh, Monté de Linguisticae et ses potes, euh, c'est contre ça qu'ils essaient de lutter. Comme des psychanalystes de leur côté, c'est de lutter contre euh, euh, le désastre qui s'abat sur euh, la, le, les institutions psychiatriques euh, et sur la théorie. Je pense qu'il faudrait que les philosophes aujourd'hui, euh, mais ils existent, hein, euh, se battent contre la philosophie analytique qui est d'une certaine manière l'ennemi. Hein, vraiment, hein. c'est un problème, en tout cas. Mais c'est un problème dans toutes les universités de France qui peu à peu sont gagnées par la philoanalytique qui ne sert à rien et à personne. Personne n'a rien à foutre de, du résultat. Il n'y a rien qui sorte de la philoanalytique qui nous apprenne à vivre. Rien, en fait c'est désespérant, quoi. C'est qu'une fois que tu as joué à leur petite marelle euh, logique pendant une demi-heure et que tu te dis que tout ce, que, ce à quoi tu as abouti, c'est à ranger ta chambre, mais tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi <laughs> Moi, je ne veux pas ça pour la vie, c'est pas ça. Moi, je suis un... La philosophie, pour moi, c'est un truc pratique, quoi. c'est De Spinoza de Deleuze, c'est un machin très, très ancré dans le niveau. Ma formation, au début, c'était plutôt mm. les stoïciens, c'était euh, Sénèque, c'était Marc Aurèle. Euh, c'est pas Goodman, hein. non? Non, c'est pas Russell. Alors, donc linguiste et littérature. Cette visée a été encore accentuée dans un article publié en 1975 par la revue Littérature. Article qui analysait le fonctionnement de la machinerie et sa finalité. On y indiquait que l'extension au discours littéraire des concepts linguistiques était un abus patent, puisque la linguistique moderne s'était constituée contre cette extension même, qu'à la différence de la grammaire classique, elle était une analyse de la phrase définie comme ce qui n'était pas une partie de discours. Eh oui, mais que le succès assez remarquable de cet abus venait de ce qui permettait à deux disciplines de fonctionner dans le champ idéologique. A la linguistique de prétendre qu'un jour, sans doute pas éloigné, elle pourrait intégrer le discours à son domaine et par là, dès maintenant, assumer un rôle directeur dans les sciences humaines. À l'analyse littéraire de prétendre qu'un jour, son analyse serait vraiment scientifique et par là, de prétendre un rôle non négligeable dans le concert des sciences humaines. Tu vois, on est en plein dans le sujet. J'ai pris les devants sans le faire exprès sur les questionnements. Pourquoi effectivement confier l'analyse littéraire à la linguistique, sinon euh, dans un étrange projet idéologique la conclusion était que cet échange était utile pour faire circuler des valeurs culturelles à l'intérieur des sciences et par là assurer aux détenteurs des règles du jeu des valeurs une maîtrise sur l'ensemble du dispositif, à ramener à la capacité du sujet de se démultiplier à l'intérieur des circuits de transition. Donc j'imagine des transitions entre les valeurs et les disciplines. Il a semblé qu'il valait la peine de reprendre certaines analyses pour le présent recueil en les organisant différemment, d'abord en exhibant qu'un appareil linguistique extrêmement réduit, ensuite en se situant dans le seul jeu d'une histoire délimitée des idées, celle du discours des lettres dans notre société. Il nous semble par là que certains développements transposés contribueront à faire comprendre mieux le fonctionnement de la littérature. Plusieurs raisons nous ont semblé déterminantes pour faire des entretiens d'aristes et d'Eugène le pivot de la démonstration que nous entendons mener. Ouais, parce qu'on ne peut pas rêver, là, pour le coup, de projet euh, linguistique, si on peut dire, plus idéologique que celui-là. Alors, qu'est-ce que vous dites, les oiseaux Des conneries Des conneries Ah, sur Bainville, qui faisait l'éloge de Bainville Le Figaro D'accord. Il y a eu Barès aussi, d'accord. Ok. Je pense avoir mélangé avec Darmanin qui avait cité Bainville à l'Assemblée nationale. Darmanin est un mot autorisé dans le chat. Qu'est-ce que c'est que ce travail Je suis désolé, j'y je, je, remédierai. Alors, que dit Vanderspoog Je suis pas vraiment un homme de lettres et j'arrive comme un cheveu sur la soupe au milieu de la chaîne. C'est quoi le sujet Je veux dire, il est en train de lire le livre, mais c'est quoi le livre, le sujet du livre Alors, Vanderspoog, le, le bouquin, c'est Langue et langage de l'Aïdnise à l'encyclopédie. Et le sujet, en fait, c'est euh, les prémices d'une linguistique naissante dans le cadre des philosophies du langage entre le 17e et le 18 Avec quelques exemples de ces théories. Donc l'une jésuitique, autour de la figure du Père Bourg et des entretiens d'Ariste et Gênes, qu'on va aborder, et euh, l'autre, janséniste du côté de la logique et de la grammaire de Port-Royal, qui s'y opposent sur énormément de points, sur la façon déjà de considérer langue et langage, ça c'est très clair, on verra bien la différence entre les deux. Hein. Et sur d'autres petits points de théologie qu'on a euh, évoqués tout à l'heure, qui font que les jansénistes et les jésuites ont d'autres raisons de se taper euh, sur la gueule. Voilà. Est-ce qu'il y avait un lien avec le livre de la Renaissance de la dernière fois ou absolument aucun Eh bien, comme toujours sur cette chaîne, absolument aucun. <laughs> euh, la dernière fois, ah oui, le livre sur la Renaissance, c'était Burkhard. Non, il y avait pas de rapport du tout avec Burkhard. Ah oui, il y avait euh, une question de Rafa, je crois. Ouais. Que Glitch a rappelé deux fois dans le chat. rafa demande qu'on lui explique ce qu'est la philosophie analytique en dix mots. Et je vois que l'amant à six doigts a demandé la même chose. Je te laisse faire ça, euh, en Andalise, parce que moi je vais juste m'énerver. <laughs> moi je suis incapable d'expliquer ce que c'est que la philo analytique. La seule chose que j'en sais, c'est que euh, c'est censé prolonger euh, la, la réflexion sur la logique. Et c'est vraiment tout. Ce que je sais de la philoanalytique, mais vraiment tout, je n'exagère même pas. Ok. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire On pourrait dire que la philosophie analytique poursuit le vieux rêve selon lequel il est possible de produire pour la connaissance un formalisme logique infaillible. C'est-à-dire un mode computationnel de discours sans faille. Euh, c'est ça, un formalisme, hein, donc un, un système de, de dénoncés, de signes, héritiers de la vieille logique aristotélicienne, mais amené à un degré de perfection scientifique imparable, sachant que la seule vraie façon de connaître le monde, si vous ne le saviez pas, sachez-le, c'est la science. Et il n'y a pas de raison que la philosophie ne soit pas un petit peu plus au taquet hein, pour ce qui est de se scientificiser. J'aime trop l'expression que tu prends quand tu dis tout ça. C'est terrible. Voilà, la philoanalytique. Et encore, la logique aristotélicienne, elle est à peu près compréhensible. Le peu de philosophie analytique que j'ai pu avoir sous les yeux n'est pas compréhensible pour moi. Bah, le truc, c'est qu'il faut y consacrer sa vie. Et la seule chose qu'on peut en dire, c'est Mais à quoi bon Faites autre bon. chose de votre vie. Vraiment. Je découvre qu'apparemment apparemment le Tractatus ce serait euh, fondateur dans la dans la philosophie analytique. Ouais, enfin c'est un peu un déviant euh, Wittgenstein. Hein. Donc là, on dit que ouais, vous parle pour, du, le, euh, ouais. pour le reste de son œuvre. Oui, mais même, même le tractatus logico-philosophicus, il a une dimension métaphysicienne présente, une espèce de tige de, 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 de fond sous-jacent, ironique par rapport à ça. Il est, on peut pas sérieusement le considérer comme un, comme un traité de philosophie analytique, même comme prémisse. Quoi. Euh, on peut dire que c'est un. De Wittgenstein, on en causer ce soir, ce serait un peu long, mais que c'est un logicien assez tordu. Et. Euh, alors même s'il y a des propositions qui sont logicielles, vraiment la pensée comme tableau, enfin ce genre de choses, euh, d'une part, en tant que telle, en tant que proposition logicienne, elles sont un peu faibles. Enfin, si c'était une philosophie analytique, elles seraient plutôt faibles. Et d'autre part, euh, les, là où nous conduit Wittgenstein, c'est pas la construction d'un formalisme, même s'il en prend la forme lui-même, même si le tractatus se présente sous une forme... C'est plutôt... Euh, un outil pour un apprentissage du doute euh, systématique sur euh, les énoncés et euh, la forme des énoncés. Enfin, il y a cet aspect-là, quoi. Euh, J'y vois plutôt, moi, une philosophie critique euh, sur euh, comment. Euh... sur ce qui, de la métaphore, travaille toutes les formes d'énoncés. Tu vois une espèce de mise en alerte tout au long du Tractatus sur une espèce de nature métaphorique de du langage humain et une invitation en tout cas à l'ausculter avec une méthode. Voilà. J'ai vraiment peine à concevoir ça autrement. Mais bon là encore, c'est très vieille lecture donc Tractatus ou alors je crois que j'ai ouvert ça et j'étais encore à l'université. C'est-à-dire en 1988. <coughs> voilà, voilà. Mon Dieu. Pauvre de moi. Euh, Qu'est-ce que tu dis Tu reviens à le son du chat pour lire la page Wikipédia de la philosophie analytique. Je vois que vous avez été des sucres au miel dans le chat. Mais au cas où ça a été répondu, j'étais pas là. Voilà. Et puis, je ne suis pas beaucoup plus avancé après avoir lu la page Wikipédia. Comme quoi, il fallait rester là. Voilà. Parce que tu en as eu une définition qui vaut ce qu'elle vaut en termes de mauvaise foi, mais c'est la mienne. Je crois que j'ai été dans la même situation que pleur de joie parce que j'ai consulté la page Wikipédia vraiment plusieurs fois pour essayer de comprendre quand même ce que c'était que la philosophie analytique et j je saisis pas. Ouais. Je, je comprends pas quel est le, le but de la démarche, quel est l'intérêt. Bah, le but, on oh, le ouais, voit. Ouais. L'intérêt, moins. Ah <laughs> oui. <laughs> C'est ça, quoi. Ah bon. J'ai du mal. Mais en fait, est-ce que tu, tu dirais, parce que moi j'ai l'impression que c'est juste une tentative de, bah, encore une fois, mathématisation de euh, ce que c'est que penser, non En tout cas c'est une mathématisation des énoncés, ça c'est sûr. Voilà, très mmh. clairement. Avec pour but d'organiser le tissu sous-jacent de la pensée elle-même. Le but, oui. c'est de trouver des effets là-dessus. Et l'autre but, qui est peut-être le but le plus désespérant, c'est euh, l'obsession. Mais vraiment, hein, l'obsession. De construire du discours vrai. Mais à un point quasi religieux, que ça en est comique. Parce que produire un discours euh, vrai du type, euh, je sais pas, euh, A égale A, oui. ça ne nécessite pas qu'on y passe sa vie. En fait, parce que le, les résultats de la philo analytique hein, en général sont juste cette espèce d'immense soulagement d'avoir produit un formalisme parfaitement fonctionnel pour euh, y introduire zéro possibilité en fait de les subjectiver. Mmh. Donc, tu ne sais ça, pas ça crée, à qui ça sert. J'ai l'impression que ça crée juste des tautologies et des énoncés vides de sens. Ben, c'est ça a un caractère profondément tautologique, ça, c'est sûr. Euh, c'est euh, mais c'est l'idée, qui est démentielle au fond, hein. c'est d'être tautologique du monde, et tautologique du monde des idées. C'est-à-dire de, de, de produire un formalisme susceptible de se substituer à euh, tous les caractères enfin de perfectibilité euh, menaçante qui pèsent sur les autres formes dénoncées. Mais si possible, pour que ce soit fait, tu te bien, il faut escamoter tout ce qui, dans les autres énoncés philosophiques, touchait à l'intérêt pour la philosophie. Voilà, l'éthique, euh, la politique, euh, etc. Donc du coup, il ne reste rien. C'est que tu cherches dans la philosophie quelle motivation à être philosophe peut encore exister. Bah oui. Et il ne reste rien. Voilà. Alors... Parce que, dit Rafa, le formalisme mathématique, ça peut être dans Pascal, et ce n'était pas un philosophe analytique. Mais euh, Pascal ne prétend pas euh, composer un formalisme euh, susceptible de produire euh, la langue de la vérité, elle-même mathématisable. Si tu veux, avec euh, une théorie des énoncés qui soit strictement superposable dans son formalisme à euh, un fonctionnement mathématique des équivalences, des, euh, des ensembles. Parce a... Après, tu as tout ce qui suit. Hein. Tu as une méréologie, donc une euh, théorie des ensembles. Euh, t'as as euh, une hiérarchie, euh, le... enfin, tout ce qui doit faire le, le fonctionnement euh, on va dire nécessaire des constructions mathématiques, mais appliquer un domaine qui n'est pas le leur. Qui n'a rien à voir avec le leur, en fait. Il n'est pas plus, euh, je dirais, juste d'ausculter les constructions euh, verbales avec euh, l'outil mathématique qu'il n'était juste pour Platon d'ausculter les œuvres d'art avec l'outillage de la vérité. C'est stupide, en fait, parce que ce n'est pas leur domaine. Donc, de la même manière, il euh, y a un moment, tu te demandes juste, mais euh, est-ce qu'il est qu y a vraiment un, un lien qu'on peut établir dans ce désir entre euh, l'objet qui est visé et euh, le fantasme qui lui superpose une espèce de construction idéale qui serait la plus fonctionnelle de toutes, la plus apte et la plus propice à constituer de la vérité, à savoir euh, le formalisme logique parfait des mathématiques. Euh... Non, il n'y a pas de moment où... Euh... Où on puisse poser la question en ces termes, euh, où elle nous amène ailleurs que dans une espèce d'impasse à philosopher. Voilà, voilà. Donc, euh, laissons ce pauvre Pascal en dehors de ça. <laughs> Mais on verra qu'avec la il hein, y, y a quand même quelque chose qui travaille de, de ce désir. Hein. Mais c'est un désir d'une autre nature, en fait. Euh, même si c'est sur un socle de logicien, avec euh, la certitude... Euh, son ambition, en fait, son ambition, elle est, elle est bizarre, mais euh, c'est une espèce de, de proto-humanisme euh, à la con euh, qui va faire qu'enfin, on va tous se comprendre et pouvoir travailler ensemble, ça va être beau. Mais mmh. pour produire des vraies idées. Mais bon, voilà, il, il rêve sa vie un peu, mais bon, <laughs> pour moi, il a un peu une autre ambition que... Que je sais pas que, ouais, que, que Frege ou, ou Goodman il y a un aspect plus esthétique et éthique ouais. dans le questionnement de Leibniz qui est pas présent dans dans la logique bah oui ouais. alors euh, qu'est ce que je disais je sais plus ce que je disais ah oui, je le lisais, je lisais. Enfin, là, On était en train de lire. Mais oui, c'est ça, on était en train de lire. J'ai oublié complètement pourquoi on était là, mais on <laughs> est là pour lire un <laughs> bouquin, non euh... Donc, nous sommes parfaits. Plusieurs ça raisons peu. nous ont semblé ah, déterminantes. Heureusement ouais. que tu es là, il y en a qui suivent. Plusieurs raisons nous ont semblé déterminantes pour faire des entretiens d'arist et de Gênes, le pivot de la démonstration que nous entendons mener. Petit. Dans les histoires de la langue et de la culture. C'est un livre constamment retenu. On en cite les passages sur le je ne sais quoi. Alors, le je ne sais quoi, c'est un très long chapitre des hein, entretiens. Sur l'art parfait de la langue comparée à une eau pure et transparente. Sur l'importance du souverain dans les lettres. De ces indices, nous tirons que les entretiens, très intuitivement, ont été ressentis comme définissant une certaine façon d'être de la parole élégante à la cour de Louis XIV. Pour notre part, à la lumière du système contemporain de la théorie des idéologies, nous tenterons de définir le fonctionnement qu'il nous semble assumer dans la société de l'époque. À ce sujet, je vous ai amené un bouquin extrêmement important. J'espère qu'on aura le temps d'en lire un petit peu. Relatif à ça, c'est Des mots et des mondes, dictionnaire, encyclopédie, grammaire et nomenclature. Un bouquin qui a été publié chez Hatchi de Henri Méchonique. Je sais, c'est encore Méchonique, tatati tata, ta, ta. mais il est vraiment très chouette. Il est d'une lecture extrêmement simple. Voilà. Alors, Méchonique a la réputation d'être compliqué. Le signe et le poème est un livre très difficile. Son essai sur le rythme est un essai difficile, mais Des mots et des mondes, c'est un super bouquin sur ces questions. Et sur la question de l'idéologie des encyclopédies et des dictionnaires. C'est vraiment passionnant. Petit 2. Les entretiens sont publiés à une époque de fracture. Ils datent de 1671. Et alors si je me souviens bien, la révocation de l'édit de Nantes s'est pas encore opérée. Alors, la, ré la révocation de l'édit de Nantes, donc l'édit de Fontainebleau, c'est euh, 10-15 ans après. Mais Comme je vous l'ai déjà dit, tout est prêt en fait. Le boulot a été fait avant pour euh, effacer en quelque sorte la, la religion protestante de, de la vie publique française. Et nous nous référons ici aux descriptions de Foucault dans les mots et les choses. Comme la grammaire générale et la logique de Port-Royal mettent en place une structure épistémique par le moyen d'un discours pédagogique, ainsi les entretiens en référence à cette structure. Définissent le tableau d'une pragmatique de la classe sociale dirigeante. Euh, donc, en référence à la structure, ça veut dire si opposant fermement. On a bien compris que, que ce, ce bouquin. Oui, non, le, le S de langage, il n'est pas de moi, il est dans le titre, comme le dit Andalis, effectivement. Ce qui n'est pas du tout. Euh, pour ma part, effectivement, considérant, vous l'avez compris, euh, d'un point de vue théorique, euh, le langage comme une activité, je ne l'aurais pas mis au pluriel parce que ça met un. Comment dire Ça crée un malentendu. Euh, les langages, ça parle d'autre chose que le langage. Voilà. Les langages, on est en train de parler euh, des systèmes euh, qu'on pourrait dire métaphoriquement attribués à d'autres formes d'échange. Donc euh, c'est plus euh, j'aurais pas mis de S, mais c'est le titre. La classe sociale dirigeante, donc. C'est que les grands courants du rationalisme idéaliste et de l'expansion économique viennent exploser dans le discours des nouveaux maîtres à penser et à agir. Les deux livrets de Port-Royal, étant définis par Foucault comme le lieu de la mutation épistémologique, on les fera intervenir à plusieurs reprises comme pierre de touche. Donc vous l'avez compris, il y a un enjeu politique pour le Père Bourg à, on va dire, rétablir l'ordre du monde et notamment de la classe sociale dirigeante, puisque vous avez bien pigé dans ma description de Port-Royal que les bouquins menacent le pouvoir et l'absolutisme de Louis XIV et menacent aussi l'autorité de Rome sur la société des croyants. Les deux jeux, celui de Bourg et celui de Port-Royal, sont des jeux de reconstruction. Port-Royal reprend la grammaire et la dialectique médiévale et les réorganise avec des avancées du XVIe siècle comme la Minerva de Sanctius. Alors, je ne connais pas la Minerva de Sanctius. Tu vas me dire que... Enfin non plus, ta parole est notes. Si quelqu'un peut chercher, ça m'intéresse. Je vous mets dans le chat la graphie du truc, comme ça vous pourrez... Faire des recherches pendant euh, que je vous lis la suite. Alors, Minerva... On est vraiment ignorant. De... Sanctius. Donc, il serait réinjecté là, hein, dans euh, les textes de Port Royal, pour répondre aux besoins d'une nouvelle société qui a besoin pour survivre hein, de sa tradition et pour vivre hein, d'une redistribution. Donc, ça, c'est des choses qu'on a beaucoup évoquées dans mes lectures de l'anomie euh, du vigneau. Qu'est-ce qui doit être conservé pour qu'une société change Et donc les caractères anomiques qui sont souvent euh, les, les prémices de ces changements. Donc, comment les, ceux qui travaillent à un état d'une société euh, travaillent aussi dans la contradiction que ces sociétés euh, rencontrent pour tout simplement changer. Bourg compose un jeu de marqueterie de textes antérieurs. Nous nous attacherons seulement à définir les articulations sans nous attacher en rien à la genèse des textes. Néanmoins, notre esprit, elle reste constamment à l'horizon comme substrat de l'interprétation idéologique. Petit 3. J'ai écrit Sactius et Sanctius, excusez-moi, dans le chat. Cet exposé prétend répondre à l'amplitude d'un champ idéologique défini par un entretien un texte d'une taille assez considérable, les six entretiens, la table des matières, l'index des noms des princes et des gens de qualité, sur lesquels il y a des devises. <laughs> ah oui, hein, ça y va. Hein. L'index de ceux qui sont dépositaires, tu vois, de, de euh, la clarté, de la pureté et la... Alors, il y a un autre texte euh, hein, de Mechenic que je vous conseille évidemment, c'est l'essai qui s'appelle De la langue française, essai sur une clarté obscure, et, euh, très très intéressant sur le mythe de la clarté de la langue française et comment il naît, comment il est institué, etc. Autre bouquin fondateur, de, je dirais, d'une lexicologie euh, nouvelle avec Méchenique. Parce puisque c'est un analyse des dictionnaires assez brillant. Euh... Donc, on est sur 481 pages en in quarto, sans compter la gravure initiale, en quelques pages. Le problème tourne alors autour des procédures réductives et de leur signification. Elles seront essentiellement de trois types. Petit a. On comparera le premier et le sixième entretien en les appuyant sur l'image initiale. Alors, l'image initiale, je vais vous la montrer euh, puisqu'on a le facsimilé ici. Hop. De quoi parle-t-il Là voilà. C'est Ariste et Eugène donc, qui se rencontrent au bord de mer. Il est question de la mer hein, beaucoup au début, de, au début du texte. On campe le, le paysage. Je vous laisse l'image qui est plus jolie que ma gueule de flanc pendant quelques minutes. La notion sous-jacente est ici celle de texte clos. C'est parce qu'un discours est fermé. Qu'il est interprétable comme monument culturel. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir embrasser comme une totalité hein, le, le texte. Petit b. Le schéma de base sera la phrase envisagée dans ses fonctions. Donc pas comme structure, mais comme fonction. La notion sous-jacente est que le texte fonctionnant comme une phrase. Ce métalangage en usage dans les écoles et dans la vie universitaire a valeur de vérité. C'est en effet un des présupposés de la grammaire idéaliste qu'elle correspond à la parole d'un individu et permet de l'interpréter. Donc ça, c'est une question euh, euh, qui nous intéresse parce qu'elle renvoie clairement à ce qu'on disait de la générosité de Port Royal qui place un distinguo euh, presque ontologique entre écrit et parole. Là, c'est pas du tout le cas. Hein. On voit qu'il y a une consubstantialité totale entre les deux. C'est une autre nature. Quoi. Euh... Donc on dit ça, un des effets présupposés de la grammaire que qu'elle correspond à la parole d'un individu et permet de l'interpréter. Donc la phrase écrite. Petit c. Le nom sera tenu pour l'élément premier de la signification et se prêtera donc à tous les réseaux métaphoriques. Le codage de ce transfert est explicité par le texte même de Bourg, qui en est la démonstration. Ainsi, la mer est traditionnellement métaphorisée comme un lieu double, à la fois surface miroitante et changeante, et fond stable et mystérieux. Ce sera le point de départ. J'imagine que c'est une métaphore aussi de, de la transformation et de la tradition. Le livre 6, Livre des Devises, montrera quel parti pris pragmatique en tire le Père Bourg pour la société à qui il destine son ouvrage. Tels sont les partis pris qui vont nous permettre d'opérer. Quant à la finalité de l'exposé, c'est de montrer comment, vers 1672, s'élabore une conformation de discours fonctionnant dans le champ de l'idéologie, à laquelle le XVIIIe siècle donnera un statut et qui est ce que nous appelons la littérature. Bah, plus tard, Vanderspook, tu es perdu. Ouais, J'espérais que tu, personne ne le soit. Mais il faut me couper hein, quand vous pigez pas des trucs, les gens. Vraiment, hein on essaye de rendre ça clair et j'avais pas l'impression qu'il y avait quelque chose de euh, d'obscur. Hein. Euh, tu as trouvé quelque chose glisse sur Sanctius, c'est ça Alors, alors, alors. Hop, hop, hop. Pour ceux qui, comme moi, connaissent pas la tautologie, c'est très simple, c'est aussi évident que la philosophie analytique en logique mathématique. Le mot tautologie désigne une proposition toujours vraie selon les règles du calcul propositionnel. Voilà. Une telle proposition, évidemment, n'a pas cours dans le monde des choses. On se le dise une bonne fois pour toutes. Donc là, chercher euh, par un formalisme philosophique est de la pure superstition, selon moi. Alors, euh, donc, vous n'avez rien trouvé sur... Euh... Alors, dans son Opéria... Il y a on... Clint qui a trouvé un truc. Glitch. C'est ça, hein ouais. Mm. Il dit, si on prend deux enfants d'égal intelligence et qu'on instruise l'un par la langue vulgaire, l'autre par l'art en latin, on verra au terme de 6 à 8 mois avec combien plus d'avantage de vulgariste c'est rendre compte des auteurs que le latiniste. Qui dit ça Vulgaris, c'est rendre compte des auteurs... Sanctus. Les... D'accord. Ce serait Sanctus C'est intéressant, ça, comme proposition. Bah c'est lui, c'est Sanctus. Oui. Il le dit ironiquement ou il a... Ou oh, c'est sans ironie Si c'est sans ironie, c'est intéressant. Alors, Solarius dit, perso, je comprends que dalle. Je ne pas vraiment de quoi ça parle, mais je me soigne. On a la communauté qu'on mérite, hein. Il le dit sans ironie, ben bah écoute, c'est plutôt intéressant. Alors, les entretiens. Le premier entretien, la mère. Donc mère qu'on voyait à l'arrière-plan d'Ariste et Eugène, tels qu'ils étaient présentés dans la gravure de du frontispice. à titre d'hypothèse de travail dérivant de la notion de clôture, on considérera que le texte sera balayé de gauche à droite, en commençant par la gravure initiale, qui est la première à être décryptée par le lecteur. Il faut savoir qu'à l'époque, toute publication était accompagnée a priori d'un frontispice, et elle a souvent une valeur exemplaire. Il faut dire que euh, le siècle précédent avait vu se développer euh, énormément de constructions de, 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 construction, euh, de sentences. Qui se jouait entre image et texte, c'est que l'image avait cette valeur, en tout cas euh, supposée, d'être euh, toujours plus ou moins allégorique. La gravure initiale, c'est celle avec le serpent qui se mord la queue et les deux les signes qui sont... qui s'embrassent là. Euh, moi, j'ai. Euh... Tu as vu un Ouroboros quelque part Ah, ça, tu penses Les deux signes. Ouais, c'est ça ou c'est l'autre Ah, c'est intéressant. Est-ce que c'est celle-ci, parce que celle-là, elle passe avant, c'est le frontispice. Effectivement, là, on arrive plutôt à quelque chose d'autre. On est plus proche de l'art de la devise, justement, qui avait toujours euh, une valeur euh, allégorique, très très présente dans la tradition des libres d'esprit et des alchimistes, évidemment. Et c'était un jeu intellectuel de la cour très présent euh, au 16e et encore un peu au 17 Donc là, on a euh, deux oiseaux dont l'un porte l'autre. Qui le nourrit visiblement. Un oiseau en vol, une sorte de héron ou euh, de cigogne, porte un autre oiseau. Alors, je sais que dans la, la tradition euh, euh, chrétienne, euh, mais c'est un pélican. Est-ce que ce sont des pélicans Le pélican nourrit son sang, ses petits. Est-ce que ça a un rapport avec cette euh, allégorie chrétienne très fréquente Et autrement, le, ce, qu ce qui entoure l'image, oui, c'est un ouroboros, donc un serpent qui se mord la queue. Écoute, on va, je pense que le texte va nous en dire plus de savoir laquelle on doit tenir. Ensuite, nous avons des cul de lampe. bon, ce texte est adressé. On présente deux jeunes gens élégants. Ah oui, non, du coup, c'est bien la, la première. C'est euh, ouais. celle-là, ouais. Mais moi, je n'ai pas celle-là en première image. Ah oui. Je suis sur Gallica, ouais. Ça m'a affiché directement l'autre. D'accord. Ah, c'est bon, je l'ai. Tu l'as Ouais. Ok. Donc, celle-ci, c'est une œuvre du graveur Coussinus représentant deux jeunes gens élégants, devisant au bord d'un golfe, sur un premier fond de vaisseau, naviguant à la surface d'une mer, alternativement calme et déchaînée. Donc, on voit qu'elle est euh, calme euh, à l'arrière-plan et déchaînée à l'avant-plan. Et sur un deuxième fond de paysage, divisé en dunes mouvantes et villes fortifiées. Que l'on voit donc effectivement à l'arrière-plan, avec à l'avant-plan, des navires qui ont l'air en guerre. Hein. Oui. On dirait bien. On dirait qu'il y en a deux qui se rendent dedans même. On dirait carrément ça, mais je peux faire un zoom si tu veux. Qualité d'image tout à fait dégueulasse. Ah oui, c'est un abordage. Mmh. Le champ d'opération est donné dans son ensemble, sous l'aspect de formes sensibles, qui définissent les éléments d'une problématique binaire. Avant que le lecteur sache, il perçoit, il éprouve par l'intermédiaire de deux personnes mises en représentation d'une situation de parole. C'est ce qui sera spécifié dans le discours, c'est le contenu de cette parole. Mais elle est déjà engagée dans la représentation sensible initiale. On goûte, on frémit, on est ému, avant de savoir. Donc, y a une valeur hein, impressive qui est censée euh, prédisposer à la connaissance. On est d'abord ému euh, avant d'être enseigné. Ce qui sera spécifié dans le discours, c'est le contenu de cette parole. Le il y a, inaugurant le texte du discours, n'est qu'un phénomène de relais figurant que les circonstances sont données comme organisées. Au phénomène de relais on passe de l'image au texte à travers une phrase qui rend compte finalement de ce que l'image présentait déjà. Il y a quelques mois, Cariste et Eugène se rencontrèrent en Flandre, dans une ville maritime. Donc rétrospectivement, le texte donne un nom à la région et un moment à cette rencontre. Assez remarquablement, dans la logique de Port-Royal, c'est le premier discours qui s'ouvre lui aussi par un il y a. Il n'y a rien de plus estimable que le bon sens et la justesse de l'esprit dans le discernement du vrai et du faux. Donc là, euh, les auteurs hein, montrent qu'il va y avoir un véritable jeu de correspondance, visiblement, pratiquement pied à pied, de l'écriture des dialogues d'Aristogène à euh, la logique de Port Royal, auquel il prétend s'affronter théoriquement. En tout cas proposer un contre-modèle théorique. C'est un discours de captation rédigé plus tard destiné à mettre en condition le lecteur. Non, l'initial du texte fondamental qui, lui, commence par une suite de propositions prédicatives. Et la logique est l'art de bien conduire sa raison, cet art consiste dans les réflexions, etc. etc. D'entrée de jeu, le lecteur est donc soumis à des conditions de déchiffrement très différentes, à un conditionnement très différent. Ce qui est donné dans les entretiens, c'est un ensemble de formes sensibles, un grand tableau qui occupe l'imagination avant la réflexion, l'envahit aussi, l'envahit, aussi envahissant que la forme même de cette édition coûteuse, lourde à manier, mais aussi large et aérée, un livre de plaisir solitaire ou de petite société, bien plus qu'un livre de circulation. Alors ça, c'est un truc qui vous saute pas forcément à l'esprit et il euh, faudra peut-être le préciser par rapport à ce siècle. C'est hyper important. Au XVIIe siècle, on va intellectuellement instituer le mépris de la complexité, de la complexité oratoire ou scripturaire, comme étant une trahison de la clarté d'esprit. Dans les cercles intellectuels et littéraires du XVIIe, on se moque beaucoup de Platon, des platoniciens contemporains, de ceux qui lisent encore ces vieux grecs fatigants et incompréhensibles, et... L'intellectuel du XVIIe doit savoir faire preuve d'éloquence et de la plus grande légèreté. Ne jamais laisser supposer au lecteur ou à la lectrice qu'il y a pour lui un obstacle, une difficulté et surtout quoi que ce soit d'emmerdant. C'est fondamental. Euh, c'est vraiment des choses qui sont énoncées dans tous les livres et quand les philosophes euh, risquent d'être un tout petit peu ennuyeux, ce qui est le pire des fléaux. Si vous voulez vous en convaincre, je vous invite à lire un très bel essai euh, de Jacqueline liechtenstein qui s'appelle La couleur éloquente. C'est une petite merveille et elle décrit ça très très bien la société du 17e, ses hantises et ses obsessions et son dégoût à la fois de la complexité et de l'ennui qui est Tiens, un philosophe est ennuyeux alors là c'est le pire qui puisse arriver donc du coup les euh, philosophes s'excusent à l'avance dans toutes leurs préfaces ça peut être Pascal ça peut être Descartes du fait qu'ils pourraient être un peu chiants. donc ils prennent des précautions quand ils écrivent à leur destinataire. je ne vais pas vous ennuyer on ne va pas se prendre le chou avec telle ou telle merde rassurez-vous ça va être marrant on va passer un bon moment ensemble pas de lourdeur euh, l'image du vieux philosophe euh, fatigant et tout ça vous devez l'oublier ça va très bien très bien se passer ça va être cool c'est vraiment Difficile de se mettre ça en tête, quand on lit les philosophes du XVIIe, c'est pas l'impression qu'on a en les lisant. Je dirais qu'ils ont le même degré de complexité que les autres, euh, ni plus ni moins. Il enfin, n'y a pas un renoncement à la profondeur chez Pascal ou chez Descartes. Enfin, Je n'ai pas remarqué. Hein. Pourtant, c'est un mot d'ordre du XVIIe, donc c'est important que vous ayez ça en tête euh, quand vous voyez euh, quand, quand, enfin, quelques-uns des parties pris euh, proposés par euh, le père Bourg. A l'inverse, d'emblée, la logique, c'est une forme prédicative, abstraite, de personnes particulières, ouvrant un manuel de travail sans concession à l'imaginaire, un lieu où tout individu raisonnable peut se reconnaître et s'informer. La disposition est donc engagement, conditionnement à un discours, à une pratique de langage. Elle s'ouvre ainsi dans les entretiens. Alors, par quoi ça commence il y a quelques mois qu'Arist et Eugène se rencontrèrent en Flandre, dans une ville maritime, durant la plus belle saison de l'année. Alors la belle saison en Flandre, euh, ouais. ouais. Au, au stand sous le soleil, euh, légende. Hein. Comme, la, comme la fortune les avait toujours séparés depuis qu'ils sont liés d'amitié, ils furent fortes d'avoir occasion de jouir un peu l'un de l'autre. Ils résolurent pour cela de se voir tous les jours, et afin de le faire avec plus de liberté, ils choisirent pour le lieu de leur entrevue un endroit commode et fort agréable au bord de la mer. Car, outre que le sable est ferme et uni en cet endroit-là, ce qui rend la promenade aisée, on voit d'un côté une citadelle fort bien bâtie et de l'autre des dunes d'une figure fort bizarre qui règnent le long de la côte et qui représentent dans la perspective quelque chose de semblable à de vieux palais tombés en ruine. C'est là qu'Ariste et Eugène eurent quelque temps de ces conversations libres et familières qu'ont les honnêtes gens quand ils sont amis. Et qu'ils ne laissent pas d'être spirituelles et même savantes, quoi qu'on ne songe pas à y avoir de l'esprit et que l'étude n'y ait point de part. Alors avoir de l'esprit tout en n'ennuyant pas, ça va être la, le, le, gros, le gros truc du XVIIe e c'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a une continuité quand même entre le 17e et le 16e de ce point de vue. Parce que pour le coup, vu que je suis dans montagne euh, en ce moment, c'est aussi une de ses préoccupations d'essayer de faire en sorte de formuler un langage qui est analogue à celui de la conversation orale et euh, en même temps euh, qui puisse euh, bah, élever et avoir un intérêt euh, spirituel du coup pour la personne euh, qui le lit. Alors, euh, je je pense qu'il a, y a des trucs qui vont changer, c'est le rapport au destinataire. Mmh. On a insisté tout à l'heure sur le caractère pédagogique, mais n'empêche, tu vois, cette espèce de, de rejet à la fois de la philosophie à la papa, avec toute sa complexité qui pique la tête, bon, c'est pas du tout présent chez Montaigne, par contre, il n'y a aucun rejet de l'ancien, au contraire, c'est un, un grand lecteur euh, qui le fait savoir. Là, au 17 on va vraiment. Euh, blâmer la façon de philosopher à l'ancienne et d'autre part on a bien pigé que là on a affaire à une philosophie de cours quoi qui s'adresse à la caste sociale la plus élevée. Là où chez Montaigne, on a un sentiment vraiment pédagogique de s'adresser à tout ce qui pense plus ou moins euh, dans, euh, dans les universités qui viennent de naître au XVIe. Et il y a une espèce d'enjeu pédagogique euh, très fivreux euh, à cette époque. Enfin, il, y a, il y a des universités euh, comme au XIIe ou au XIIIe siècle, mais euh, il, y a, il y a un changement radical de, de, la, de la structure de l'enseignement au XVIe, une espèce d'aventure nouvelle qui se présente. On parle très bien euh, Rabelais euh, par exemple quand euh, il, il parle hein, du projet pédagogique qui s'y joue euh, du, du changement de rapport comme ça à l'étude. Mm. Donc je crois que chez Montaigne il y a sa volonté de clarté et euh, de pas. Alors, je sais pas comment il dénonce. Tu as des de façons dont Montaigne parle de l'ennui éventuel que pourrait susciter. Euh... Ah, tu veux que je te donne des passages bah, ou... si une... Ouais, ça m'intéresse. C'est vraiment tellement peu un en mondain. Enfin, Et euh... Ça m'intéresserait de savoir pourquoi l'ennui aurait pu l'inquiéter sur son... sur son écriture. Ouais. Si bah, c'est vrai, que... dit comme ça, je ne pense pas que c'était l'ennui qui l'inquiétait vraiment, mais plutôt le souci d'être euh, clair mmh. plutôt qu'obscur. Qu ça, c'est sûr. Ce hein, n'est euh, hein. pas vraiment l'ennui, c'est plus euh, avoir un vocabulaire qui peut être le vocabulaire de, de tous les jours. En gros, il critique, bah, par exemple, l'usage de, de néologismes, de termes compliqués euh, pour euh, dire des choses en fait, qui sont simples. Euh, c'est plutôt ça en fait la, la préoccupation. Hmm. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que de viser la clarté et viser la légèreté, parce que chez, enfin, euh, dans ce groupe social dont on parle, la clarté est tout entière du côté de la langue. Et c'est pour ça que Boileau va dire « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». C'est qu'il y a certitude que si une chose est obscure, c'est qu'on a trahi la langue. Alors que pour Montaigne, si une chose est obscure, c'est qu'on a trahi la pensée. Et c'est complètement différent, en fait. T as un, mmh. un mythe linguistique qui, évidemment, ne peut pas exister au XVIe siècle. Déjà, c'est bizarre qu'il commence déjà à exister au XVIIe. Hein. Mais au XVIe, ça n'a aucun sens. Enfin, vu l'état de la langue française, euh, sa disparité profonde, etc., ça aurait été inimaginable de toute façon et en plus ça a un caractère euh, comment euh, oui national qui est hors de propos donc il y a un problème oui, à la fois historico euh, euh, social enfin ça n'existe pas et là là avec euh, évidemment avec Louis XIV et euh, avec le XVIIe le mythe national s'invente plus que jamais. Il y en a eu plusieurs tentatives historiques hein, de constituer, de construire des petits trucs comme ça, mais, mais on peut dire qu'en quelque sorte, l'idée de construire la France, quoi, comme euh, fantasme, euh, apparaît avec toutes les, on va dire, les, les conséquences que ça a sur la nécessité aussi de penser la langue euh, relativement à cette invention, euh, qui ne pouvait pas être, évidemment, la préoccupation de, de Montaigne. Donc là, on, on, quand on rejette la complexité... C'est parce que la langue, de toute façon, est claire. Elle l'est. Elle l'est ontologiquement. C'est ce que va dire hein, le Père Bourg, et c'est au fond ce que dit euh, ce que dit Boileau aussi. Hein. Euh, c'est pour ça que je l'avais ramené, parce que je me disais que ça nous intéresserait de voir euh, ce qui se dit euh, chez, euh, chez des gens qui sont complètement au diapason du Père Bourg, et ce que ça veut nous dire aussi, d'un point de vue social et politique. C'est que ceux qui disposent de cette langue claire et pure, c'est pas n'importe qui. Dispose, je dirais, par conséquent de l'intelligence et de la clarté. Oui. Tu vois le, le, oui, le côté oui. tordu. Euh, C'est de... vrai que cet aspect nationaliste, euh, etc., il est vraiment incompatible avec euh, bah, l'humanisme euh, du XVIe. Bah oui. Et puis avec la réalité, de toute façon, de, de la construction du territoire hein, et des, des oui. langues. Voilà. Oui, oui. C'est vrai. Alors, que nous dit Glitch Il donne bien la primauté à une pratique immanente quotidienne de la langue, dans son cas via l'oral, ce qui comprend des angles morts. Dans son argumentation en ce sens, il déplace ce point en conclusion de tous ses développements, pour le motif que l'annoncer d'emblée aurait interdit à la lecture, l'écoute de son propos, le nombre de lecteurs qui la récusent. On peut en déduire par ailleurs que cette réflexion charpente celle qu'il émet sur les causes de la langue latine. D'accord. Tu, tu continues, je suis en train de te de plonger dans euh, Sanctus. Euh, Ok, intéressant, ben, ça donne envie en tout cas. Alors, tu supposes que relativement limité par son cadre historique social, il va pas non plus forcément jusqu'au bout de toutes les conclusions de ses travaux. Donc c'est 1523-1601 le bonhomme. Écoute, euh, intéressant en tout cas. Le père bourg, on dirait un nom de personnage de chanson pour Payard. Bouhour, je ne vous l'ai pas écrit. C'est B-O-U-H-O-U-R-S. Merci beaucoup pour ces précisions, euh, Glitch. Euh, ça nous rend euh, intéressant, le... ce type. Euh, 16e, euh, ouais, 16e, quand même. Hein. Donc, un, un contemporain de nos zozots, de, de Montaigne, euh, de Rabelais de la Boétie. Des gens assez passionnants. Bon, euh, qu'est-ce que je disais Aristogène. Le sujet, c'est le doublet. Aristogène et son substitut, ce on, qui est à la fois le lecteur, le on de on voit et acteur. Le on de « on songe » sémantiquement explicité par « honnête gens ». La scène est ainsi ordonnée autour d'un sujet spécifié. Le parleur est identifié au lecteur, les uns et les autres définis par leur groupe social. Les honnêtes gens. La généralité du discours ne prend sens que dans le fonctionnement d'un groupe social adhérent au discours. Et on verra d'ailleurs que c'est Complètement autotélique, la définition des honnêtes gens. Les honnêtes gens sont définis par le fait qu'ils sont des honnêtes gens. Et la langue est le <laughs> médiateur quoi, de cette réalité euh, fondamentale. La langue montre qu'ils sont les honnêtes gens la preuve, c'est qu'ils parlent la bonne langue. Voilà. Et on n'en sort, sortira pas de cette circularité, qui est au fond, je dirais, euh, le mathème sur lequel repose toute la pérennité de la bourgeoisie. <laughs> Euh, raison pour laquelle euh, nous nous obstinons tant à, à apprendre à parler leur langue de trou du cul pour qu'ils ne nous impressionnent pas. <rire> <rire> non mais on va pas se laisser impressionner. <laughs> Généralité. Bah, L'avantage c'est que maintenant on a la sociologie pour comprendre. Euh, c'est vrai. Tous ces mécanismes. C'est vrai. Mais pour la faire entendre, pour qu'elle soit audible, qu'elle se dissémine sans qu'on nous ferme la porte au nez, il faut malgré tout que nous fassions entendre la sociologie dans la langue des bourgeois. Parce que sinon, personne ne nous écoute. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment. C'est dur, hein c'est très pénible, mais on n'en sort pas. Ça a, été, euh, ça a été un geste fondateur pour moi. Ça m'a constitué bonne nuit, maman, à bientôt. C'est-à-dire d'opérer, euh, non pas à la sortie de classe, parce qu'on n'en sort pas, et puis j'ai pas envie en fait. Mais euh, d'opérer ça par euh, parler la langue des bourgeois. Premier mouvement. Alors, l'appartenance au groupe des honnêtes gens est la garantie que ses membres possèdent esprit et raison. Parce que... Mais fait très important, elle garantit qu'on peut avoir de l'esprit sans le rechercher, et du savoir sans l'acquérir. Tu vois cette fameuse transparence de la langue, elle conduit inévitablement, fatalement à cette réalité. C'est dire que le lieu de vérité du discours vient d'ailleurs, de la condition sociale du parleur, et non d'une procédure rationnelle qui serait alors accessible à tous. Et oui, parce que c'est ça l'implicite. d'acquisition de l'esprit. Je... Ah, ah C'est fascinant. Ça a l'air horrible à lire. Tu vois tout le vice qu'il y a à supprimer l'accessite par euh, la rationalité. C'est qu'effectivement, sans disposer de la qualité d'honnête gens, si réellement cette euh, transparence, de la, euh, euh, enfin, cet, ce point de contact avec la vérité pouvait être atteint par la rationalité, alors il ne serait pas nécessaire de faire partie de cette société pour pouvoir l'atteindre. Mais si tu l'escamotes, alors il n'y a pas de solution en fait pour y toucher. Tu es obligé d'en passer par là. En somme, le dispositif social répond à une nature qui peut être le résultat d'un progrès, mais peut aussi être considéré comme hors du temps, hors de toute acquisition. Ce qu'il y a d'imprudent dans le rationalisme de Port-Royal, qui met en quelque sorte à la portée de chacun savoir et raison, et puis on voit que c'est exactement le même procès qui est fait à leur rapport finalement à Rome. Tu vois, dès que tu mets en péril euh, la capacité du croyant à être un bon croyant euh, euh, en, dans un point de contact permanent avec une autorité ecclésiastique et que tu permettes de dispenser de cette autorité, ça devient vraiment très, très menaçant. C'est une des menaces que faisait peser effectivement le, la réforme, c'était sur l'autorité d'un seul coup de roi, mais et, bah, la, la ridiculisation du pouvoir des prêtres, qui d'un seul coup ne ferait rien de plus, au fond, aux croyants que ce qu'ils pouvaient obtenir tout seuls. Bah là, on entend la même chose, en fait. Ce qu'il y a d'imprudent dans le rationalisme de Pont-Royal, qui met en sorte à la portée de chacun savoir et raison, est ici annihilé. Par le déplacement dans une nature indéchiffrable du lieu central de la raison. Dès lors, se voile le caractère idéologique du discours des honnêtes gens, fondement du discours littéraire. Dispositif renforcé par la notion même d'excellence. Cet Ariste, le meilleur, et cet Eugène, le bien-né, vivant dans la plus belle saison de l'année, dans cet endroit fort agréable, devant cette citadelle fort bien bâtie, produiront le discours le meilleur. Par définition, ce discours de l'institution sociale sera tenu pour le discours de l'intelligence et de la raison, qui n'aura à exhiber que les preuves sociales de son excellence. C'est hyper intéressant parce qu'on voit euh, dans la lutte que ce livre, tu vois, les, les jansénistes et les jésuites, oui, tout un pari sur l'émancipation euh, du pouvoir. Là, on entend bien hein, ce dont je parlais tout à l'heure pour euh, quand j'évoquais le, le, le côté précieux de la linguistique. et eh ben, en fait, tu vois, les enjeux politiques dès, euh, dès là euh, qui sont au travail dans le choix d'une théorie linguistique, putain, ils nous sautent au visage, quoi, vraiment. Mmh. Cette vérité. Je sais... Oui. Pardon, j'allais dire. En plus, euh, il me semble qu'il y a aussi. Du coup, la question euh, pour la religion du rapport au texte religieux en lui-même. Et euh, bah, selon la manière euh, dont tu te positionnes vis-à-vis euh, -vis du langage, justement, tu tiens pour euh, plus ou moins acquis le fait que quelqu'un puisse interpréter un texte religieux par soi-même et réfléchir à la religion par soi-même. Mmh. Ce qui n'est pas euh, du coup évident euh, selon les dogmes catholiques euh, Mais carrément de, de l'époque. Tu as raison, euh, c'est un détail qu'on n'a pas évoqué par rapport au protestantisme, mais la mise à disposition du texte euh, dans la langue véhiculaire, la langue de tous les jours, euh, la langue vernaculaire, pardon, le... est un danger terrible pour euh, une Église qui euh, possède, on va dire, toute mobilité de donner euh, au texte. Euh, une série d'épreuves hein, qui passent par la latinisation, la construction d'une catégorie de savants qui seuls sont dépositaires même juste de sa lisibilité, puisqu'il n'est pas donné dans, dans une langue euh, commune, et a fortiori de son interprétation. Et là, d'un seul coup, la proposition, tu vois, de le, le rendre... Euh, le, de, de socialiser le texte de façon quasi immédiate. Il ne faut pas rêver, je pense pas que la, la, la Bible euh, imprimée pouvait si facilement. Enfin, ça devait être encore un objet rare, cher, euh, fut-elle imprimée. Mais c'est intéressant aussi de voir qu'un dispositif technique comme l'imprimerie devient aussi un dispositif idéologique euh, euh, instantanément. En fait. Du seul fait que sa mécanicité propose une disponibilité autre de textes qui, tant qu'ils existaient uniquement sous une forme manuscrite, de toute façon. Euh, interdisait la prolifération des exemplaires et donc un accès au texte simple. Quoi. Alors, la langue véhiculaire, c'est vroom vroom, voiture mais la langue pompière, c'est pimpon. Il ne faut pas lire le, le chat des glitches. Oui, c'est vrai. La fronce, c'est très fort ses sourcils. Oh non, mais c'est pas vrai. Nous, c'est la fronce ontologique. Vous êtes vraiment intenable. Voilà l'impudence imprudente des ports royal Dispositif renforcé par la notion même d'excellence. Donc on a dit un hein, discours de l'institution sociale et de la raison. Cette vérité est établie par une correspondance entre les signes visuels et les signes du discours. Et ce qui est instauré, c'est une procédure de la représentation qui fixe qu'on peut passer légitimement d'un système à un autre. Ce que ce sujet de la classe des honnêtes gens met en jeu, ce sont les conditions de fonctionnement de la représentation. Le sujet auteur-lecteur-acteur est en droit, de par son appartenance même au groupe social dirigeant, de substituer un objet de procès à un autre. Et ainsi, les dunes sont la figure de vieux palais, comme la mer sera la figure de la conscience en même temps que du mouvement de l'économie, et ainsi de suite. C'est le chapitre des devises, le sixième entretien, qui donnera les clés, c'est-à-dire les règles du jeu, de cette légitimation des attributions de représentation. dans le cadre ainsi organisé vont être définies les conditions de fonctionnement du sujet et de l'objet du sujet du discours et de l'objet du discours ce sujet se définit dans la distance que le discours en tant que représentation permet d'établir avec un monde multiple et avec les autres gens que les honnêtes gens de cette multiplicité des phénomènes la mer avec son calme et ses tempêtes avec son remuement incessant des marées est le symbole de l'agitation des hommes ce sont les négociants et les marins qui sont la marque. La liberté, c'est donc la distance, et seul l'argent qui vient du rapport de la terre l'assure. Texte. Citation. On n'a pas, ce me semble, l'esprit assez libre au fort de l'orage pour bien remarquer ce que la mer a de beau dans sa fureur. Les marins ont autre chose à foutre, donc ils récupèrent du poisson, ils ne se rendent pas compte à quel point la mer est drôlement belle quand elle est énervée. Aussi bien l'état de notre fortune n'a pas besoin des trésors du nouveau monde, et apparemment notre intérêt particulier ne nous fera jamais faire de vœux pour les navires qui viennent des Indes. C'est assez culotté, je trouve, euh, de la part de Jésuites, euh, de faire comme si le Jésuitisme n'était pas... Euh, une des causes principales de l'entêtement colonial. Hein. <laughs> C'est une image du jésuitisme. Il dit, dit n'a pas besoin ouais. Bah ouais. Mais... Il dit apparemment notre intérêt particulier ne nous fera jamais faire de vœux pour les navires qui viennent des Indes. Donc on n'a pas besoin des trésors du nouveau monde. Euh... Bah, du coup, c'est pire si c'est pas un besoin. Ça dire, oui, c'est gratuit. Euh... <laughs> c'est plus plaisir. C'est ça. <laughs> c'est ouais. vraiment... Que... vraiment pire. Parce que pour ceux et celles qui l'ignorent, enfin clairement, les, les premiers mouvements missionnaires euh, intensifs, c'est les Jésuites qui les opèrent. Et euh, d'autre part, enfin, si vous vous intéressez un peu au Jésuitisme, donc allez à la Rome. Vous voyez San Ignacio, enfin les, les, les premières grandes églises du culte hein, qui sont euh, comment, celles de, de la confrérie des jésuites. Et vous verrez les plafonds peints par le Père Pozzo, par exemple, euh, euh, à Rome. Et vous verrez dans tous les plafonds peints et dans toutes les fresques des Jésuites les, euh, comment, les allégories coloniales qui viennent frapper ces grandes constructions avec les quatre continents. À l'époque, on en considère quatre, qui sont les destinées de la parole de Jésus portées par euh, les petits missionnaires de Jésus que sont euh, les Jésuites. Il y a foutage de gueule. <laughs> et pas qu'un peu. Phénomène bien connu du refus du négoce par la classe élevée au XVIIe siècle. Bah oui, elle en, elle en reçoit oui, les fruits, mais elle ne euh, s'en mêle pas, quoi. C'est ça. <laughs> On prend l'argent, mais par contre, le commerce, c'est un petit peu sale. C'est euh... ça, là. Ouais. Mais attitude plus remarquable, et qui sera durable, de la valorisation du sujet comme présent au discours et absent à l'action. Cette disponibilité est la condition de l'exercice du sentiment esthétique. Le beau est interdit à ceux qui n'ont pas de bien. Il fait partie de la nature de ceux qui ont du bien et les confirme dans leur solidarité. Citation. Je sens que ça te plaît, hein, Non, mais pardon, mais c'est trop. <laughs> je peux pas. Je peux pas. C'est si absurde. Mais je sais pas. Regarde, par exemple, la place que prennent les collections euh, d'art. Aujourd'hui, c'est hyper, oui. hyper oui. important parce qu'on est dans un moment euh, de régressus un peu particulier des euh, classes dirigeantes qui faisaient semblant, jusque dans les années 90, euh, d'associer euh, la conquête. De leur classe, par conquête de l'esprit euh, et euh, de, on va dire, le développement des vertus esthétiques à euh, leur bagage, si tu veux, politique et leur représentation. Il n'y avait pas un homme politique qui ne prenait le soin de bien nous rappeler qu'il avait des lettres euh, qu'il comprenait quelque chose à quoi que ce soit. Euh, C'est fini. Depuis un moment, on s'en bat complètement les steaks. Et pour autant, l'auto-représentation de la classe dirigeante par sa capacité à posséder des œuvres n'a pas bougé. C'est-à-dire les grands puissants de ce monde continuent à acquérir des œuvres. Mais ils ne font même pas semblant de les accompagner en quoi que ce soit d'un discours sur ces œuvres et sur ces collections. Ils se contentent juste de signifier à quel point il y a une espèce de consubstantialité ontologique de classe qui n'a pas à être questionnée, ce serait sale, par des rapports d'intelligence quelconque avec ces objets. On est dans la, la pure représentation de ces classes. C'est assez marrant non mais c'est vrai. En soi, quand je dis c'est absurde, ça ne veut pas dire que ça a aucun intérêt. Et c'est vrai que la question de l'art, elle est quand même assez liée maintenant de plus en plus à la question du marché de l'art. Et à la manière dont le capitalisme prend. Bah, D'ailleurs, je crois qu'il y, y, y a un ouvrage récent euh, sur ça, non, qui parle des nouvelles formes de capitalisme et qui spécifiquement euh, s'interroge sur euh, l'art et le marché de l'art, non ah, Il y en a beaucoup, mais c'est presque que ouais. des livres euh, éminemment réactionnaires. Donc on est mal barré, cest à qu'on a. Euh, okay. bah, ouais. Il y a euh, les, les bouquins de Nathalie Heinich. il y a même des trucs qui viennent de l'extrême droite, comme que, Haute de Keros. Donc il y en a une bonne dizaine. Euh, chez les contemporains tu attends comment euh, euh, c'est euh, Rainer rochlitz euh, non c'est pas Rainer Reuschlitz c'est oh. attends ah Marc je crois attends il y a, ça fait longtemps que j'ai pas lu ça euh, sur euh, subvention, subversion et subvention c'est un bouquin assez navrant et extrêmement con confus mais je crois que c'est ça Moi, je pensais à Boltanski et Chiapello ouais euh, le nouvel esprit du capitalisme. Oh bah, alors déjà, on est mal barré, si a Attends, Bolzonski, le sociologue, c'est là C'est ça Ouais. Ah, je n'ai pas lu ça. Okay. Donc, ouais, j'ai lu des choses pas mal sur euh, de enfin sur plein de points. Si c'est bien Reiner Roichl subversion et subvention, j'avais bon, d'accord. Bon, mais euh, dans ce cas-là, je pensais à un autre, euh, Marc Fumaroli. Mais bon, euh, je, comme je ne vais pas être précis, mmh. je ne vais pas Faites vous en convaincre. Bah écoute, si ça t'intéresse, j'ai fait un live là-dessus il y a deux semaines qui s'appelle euh, okay. ouais, La gauche et l'art contemporain autour de Franck Lepage et d'une de ses interventions et qui pose euh, bah, la, la question du fantasme d'une superposition stricte en, entre la production contemporaine des œuvres et le marché de l'art contemporain. Euh, parce que justement, le, un des angles, bah, on est dans un moment très compliqué de la production artistique où effectivement. Euh, les, euh, les productions artistiques euh, contemporaines ouvrent à des possibilités de négliger certains des aspects des conditions sociales de leur apparition au profit d'un nombre de formes, si tu veux, assez disponibles au fond pour euh, constituer assez simplement un, un marché euh, hyper accéléré euh, et euh, avec une force de frappe euh, nouvelle. Qui vient de, euh, du fait que la gauche a renoncé à son caractère social dans les années 80 pour devenir une gauche euh, en gros culturelle. C'est-à-dire que tous les enjeux euh, sociaux euh, qui jusqu'au euh, deuxième septennat de Mitterrand étaient mis en avant pour euh, justifier la permanence d'une gauche institutionnelle, ont lentement laissé place à une autre construction. L'idée selon laquelle un des objectifs fondamentaux euh, d'une société de gauche, c'était euh, la mission culturelle. Ça permet d'évacuer tout le reste et d'oublier au fond que euh, tous nos politiciens de métier font partie de la même famille politique, quelle que soit leur prétention à avoir une quelconque polarité, etc. C'est devenu infiniment vrai et ça a fait du coup de la construction culturelle euh, comme machine institutionnelle un merveilleux petit mécanisme de gentrification qui, comme tu le sais, est toujours le premier pas vers lequel on commence à euh, bah, détruire du social, avec pour justification la beauté de l'art, la beauté de la culture. On a raison de construire ici tel ou tel centre d'art, tel ou tel ou tel centre culturel, puisque c'est pour le bien des populations. Tu sais aussi bien que moi que ces choses ne sont pas faites pour le bien des populations, la preuve, les populations euh, des quartiers ne les visitent pas et ils ont bien raison parce que tout leur dit vous n'avez rien à branler ici. Ce sont euh, généralement tous les signes émis euh, concentrés de la bourgeoisie blanche dans toute sa splendeur, exactement la même qu'au centre des grandes villes, sous la même forme et qui vient ensuite chouiner parce que bah bon, vous voyez, ils s'intéressent pas du tout à la culture, euh, on a bien raison de mépriser ces trous du cul. Et à chaque fois, le centre d'art sert généralement à construire un premier pieu et tout le quartier autour va être transformé. C'est très banal, je ne te décris rien que tu ne saches déjà par cœur, à mon avis. Mais ça montre comment euh, le, la culture est devenue un des bras armés de cette construction-là. Ce qu'elle n'a pas a toujours été. Euh, et ça, ça constitue une opportunité pour le pouvoir de, euh, de faire du marché de l'art une extension infinie, finalement, euh, de cette espèce de, de courroie de transmission, finalement, d'une d'un autoritarisme culturel finalement. Et aussi d'un moyen de captation de la valeur. Le problème, c'est que la production artistique, c'est pas ça. Tu te doutes bien, il n'y a pas de raison qu'en 2023, il y ait moins d'artistes qu'en 1982 ou en 1615. En fait, il y en a toujours autant, voire plus, et de la création généreuse, géniale, formidable, partout. Donc il y a dans l'art contemporain, essentiellement des productions géniales, mais ce ne sont pas elles qui sont montrées dans les centres. Évidemment. Mmh. Ça ne veut pas dire que celles qui sont dans la scène sont nulles. et se trouve que les artistes, ça vieillit et que euh, le, comment, le terreau sur lequel s'est construit euh, ce marché, c'est un terreau historique. Donc, euh, tu as des artistes qui, dans les années euh, 70, euh, marnaient depuis euh, euh, 20 ans, 30 ans de carrière, qui sont pris lentement dans cette construction et qui. Mais vraiment, hein, quand on, moi j'ai le souvenir les années 80, quand je pensais art contemporain, euh, euh, c'était détesté de la société. On n'en voyait pas encore apparaître de façon très lisible et transparente toute la menace qui pesait sur, sur nous. Et donc, ce, évidemment, les artistes étaient eux-mêmes très volontaires pour participer à ce qui leur était enfin offert, un peu plus de visibilité, etc. Et même aujourd'hui, tu trouves facilement des jeunes artistes qui ne sont pas à proprement parler d'épouvantables collabos de la droite, trouvaient chouette de pouvoir bosser avec tel centre d'art, etc., sans comprendre à quel point ils sont absolument les, les, les arguments déjà. C'est-à-dire qu'ils sont les, les tokens de ces, euh, ces constructions euh, qui peuvent toujours se rabattre Bon, vous voyez, on est, on est très ouvert, c'est jeune artiste, il vient de tel ou tel milieu, il bossent avec tout. Et cette construction-là, elle est imparable, elle est monstrueuse. Quoi. Et, euh, et c'est du coup que ça crée dans nos rangs, les rangs de la gauche, une paix de dégoûtation. Euh, de l'art comme notion, de mmh. l'art comme territoire euh, anthropologique même, hein, tu vois, de mode de humain de produire des formes, et une énorme confusion. C'est triste mmh. et malheureux, il faut foutre un peu d'ordre dans ce bulle. <laughs> J'ai fait un live là-dessus, donc si ça t'intéresse, il est podcasté sur okay. la chaîne YouTube, et il parle que de ça. Il parle de... Je, je regarderai. Là, voilà, on y voit plein d'œuvres, donc ça permettra aussi de, de découvrir plein de belles choses, et il parle à la fois de cette réalité monstrueuse mais aussi du malentendu politique que ça crée mmh. pour les, euh, la gauche, à euh, la vraie, la seule, qui n'est pas institutionnelle, qui ne se passe pas dans, euh, dans, un, comment, dans un bureau de vote, mais dans la vraie vie. <laughs> c'est mmh. pour ça que la, la, la conception, là, ce qu'on est en train de lire, je, je trouve qu'elle est vraiment horrible, parce que dire le beau est interdit à ceux qui n'ont pas de bien, c'est vraiment faire une équivalence directe entre la classe sociale. Euh, la propriété même et le fait de pouvoir déterminer ce qui est beau alors que euh, l'art et la détermination du beau c'est quelque chose que, que, qui appartient à n'importe qui et euh, bah, c'est quand même je trouve que c'est quand même grave de tenir ce genre de propos et de restreindre euh, le beau à un, un type de population même si j'ai conscience que du coup c'est un problème qui est encore actuel pour nous c'est juste euh, inconcevable pour moi de, de, de penser ce genre de choses quoi bah oui évidemment que c'est inconcevable mais on voit le plan théorique sur lequel ça se construit est que dès l'instant où tu supposes que euh, la disposition au beau nécessite un retranchement de l'agitation du monde tu as déjà les bases d'un problème. Mmh. Tu vois, il y a la, la métaphore des marins tout à l'heure et de la beauté de la mer énervée. On a bien compris tout ce que oui. ça nous disait. Il faut, en gros, un certain degré d'éthérisation du corps euh, social pour pouvoir être simplement disponible à la grandeur du monde. Et pour mmh. cela, évidemment, pour atteindre cette grandeur, il faut être grand soi-même et grandi par quoi bah, euh, On ne va pas se grandir par la rationalité, la connaissance, etc. Parce que c'est quand même extrêmement vulgaire. Euh, on est grandi par sa classe sociale et sa possession. Voilà. C'est un peu ça la proposition. C'est vrai que la, du coup, ça me fait penser à ce que tu dis, que la liberté qui est décrite dans le passage qu'on a lu, euh, on n'a pas l'esprit assez libre au fort de l'orage pour bien remarquer ce que la mer a de beau dans sa fureur, c'est la position de quelqu'un qui n'est pas pris aussi dans le, dans le travail. Ça me fait penser que c'est la vieille distinction grecque entre euh, les, ceux, ceux qui ont du loisir. Et euh, bah, les esclaves, en fait, tout simplement, ceux qui travaillent et qui, eux, du coup, ne peuvent pas avoir accès au beau parce que leurs occupations les empêchent de voir quelque chose qui serait supérieur et inaccessible dans le quotidien. Carrément. Attends, je vais essayer de t'entendre par le, le biais de, de cette petite enceinte. Normalement, ça va passer. J'espère juste que tu ça. Tu m'entendras bien. Oh, ouais. Sinon, si mon casse me fait mal. Je ah, souffrir, en fait. Donc j'essaye autre chose, en espérant que le son ne rentre pas dans le. Dans le micro. Ben, complètement. Et c'est pour ça que je plaisantais sur les pauvres marins. Et ils chopent du poisson, ils n'ont pas le temps de se rendre compte combien la, la mer est jolie. C'était tout à fait ça. Il y a un mépris euh, de l'activité. Et pareil, quand je te dis, c'est quand même très culotté de la part jésuite de cracher sur le négoce euh, colonial quand on est euh, les principaux instigateurs de euh, ce qui va apporter euh, bah, ses fruits à la classe dirigeante. Mmh. Mais ils ne veulent pas savoir comment l'argent arrive. En fait. Ça ne les intéresse pas. Donc oui, dans le travail, c'est même pas la peine d'y penser. C'est très caca. Alors, euh, Glitch a mis le lien vers le, le, le podcast euh, Le Page, ah. La Gauche et l'Art Contemporain. Merci Glitch. Alors, voilà qu'il avait écrit Fiac deux fois dans le chat, mais j'avais pas vu le lien. Pourquoi ça le fait rire ah, parce que Fiac, c'est une des FIAC. façons de dire cul, c'est ça Ça te fait rire, Glitch <rire> Fiac cul, c'est marrant. <laughs> Mais ne l'encourage pas. Il est bientôt ici. minuit. Tu crois que c'est pour ça. C'est ouais, ça. ça, on les a perdus déjà. Il est bientôt minuit, donc ça y est, ils ont le droit d'être complètement cons. Alors, que nous dit Eugène à ce propos À cette euh, solidarité du beau et des bien possédés, de la, la belle société. N'est-ce pas là, mon cher Ariste, lui dit-il, un admirable spectacle Et n'en êtes-vous pas touché comme moi il faudra être aveugle ou stupide, répondit Harris, pour n'en être pas charmé. Et je trouve cette petite rêverie où vous vous étiez laissé aller la plus raisonnable du monde. Spectacle admirable, rêverie raisonnable. L'émotion esthétique implique une organisation de raison. Cultiver le frisson de la beauté, c'est recouvrir un monde de raison. On a bien compris, c'est une raison donnée. Ce n'est pas une raison euh, expérimentée et acquise par, euh, tu vois, par la, la pratique de l'avancée. C'est un donné, un donné de classe. Cette étrange opération dont on a déjà souligné les justifications sociologiques, la suite du discours nous la fera mieux comprendre. Car si le monde peut être assumé comme multiple, il est assumé à la limite comme contradictoire dans ses raisons. Opération décisive pour l'appropriation de la raison par le discours des salons. Cette multiplicité des mouvements de la mer, Aristogène constate que les savants ont cherché à en rendre raison et commentent. Je meurs d'envie de savoir ce que les savants en ont dit, quand ce ne serait que pour m'en divertir, car ils ont coutume de dire de plaisantes choses sur les matières qu'ils n'entendent pas. Voilà, donc, moquerie des savants. On en revient à ce que je disais, tu vois, sur l'éloquence euh, et la légèreté, le dégoût de l'ennui, le mépris, la rationalité et... Euh, et des moyens de la rationalité. Donc on met dans le même paquet le philosophe et le scientifique, très raisonnablement, puisque au XVIIe siècle, la différence existe quasiment pas. Enfin, en fait, c'est le même métier. Hein. Que nous dit Solarius ah, En tout cas, je suis choc barre de baiser par votre culture. Chapeau. Moi, je suis choc barre de baiser par ton vocabulaire, Solarius. Tu iras au piquet. C'est très, très vilain d'essayer de flatter. Euh, les streamers et les streameuses, ça ne fonctionne pas. Nous ne sommes pas du tout sensibles à ces flagorneries. Andalie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais non. Euh, non, mais non. moi en plus, je suis, je, suis, je connais rien du tout. <laughs> Donc ça me fait rire plus qu'autre chose. La modestie andalicienne en action. Alors, ce qui est réduit à une syntaxe plus homogène donne je, honnête discours, Désire me divertir de ce que les savants disent et par transformation dialectique, je, honnête homme discourant, me divertis du discours de non-savoir des savants. Le savant est donné comme le lieu de contradiction. Mais ce discours contradictoire est hypostasié dans le discours de l'honnête homme. Et il retrouve une cohérence, au lieu du plaisir, donc hypostasié hein, de la même substance. Il vient trouver une autre forme tout en restant intégralement lui-même. Vous avez sans doute peut-être entendu parler euh, des trois hypostases pour parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc euh, trois formes pour la même substance. Voilà, il est hypostasié par le lecteur. Euh... Oh. Que... Où je suis, moi mmh, J'ai dû sauter ma page parce que la je suis con. Mondaine. Ah, t'as peut-être sauté une page. On est page 34. Ah oui, c'est ça. Ce discours contradictoire est hypostasié dans le discours de l'honnête homme et il retrouve une cohérence. Lieu du plaisir. Notion fondamentale. Hein. L'homme de bien est avant tout un homme de plaisir. Il va pas s'emmerder avec le pas plaisir. Qu'est-ce qu'il ferait avec du pas plaisir, lui, pour qui tout va bien? <laughs> Discours qui renvoie à la réalité mondaine. Le philosophe grec, comme le rappelle le personnage de Bourg, désespérant de trouver les causes de la marée, n'a plus eu comme recours que de se jeter dans le rip. Mais l'honnête homme, qui dit que le savant ne sait pas, jouit de son discours, appuyé sur la distance de sa richesse. Le discours, en définissant la beauté, définit les conditions du pouvoir des honnêtes gens. Qu'est-ce que c'est que ces conneries Vous êtes en train de foutre pour citation quoi Au douzième coup de minuit, le fiacre devient une citrouille Et ne nous donnez pas du fiac après minuit. Mais pourquoi on se fait chier, en fait à vous <laughs> Faut qu'on vous lise des brévières de blagues salas, en fait, c'est ça <laughs> Putain. Les poèmes de, de cul de Ronsard. C'est ça, le sonnet du trou du cul de Rimbaud et, et Verlaine. <laughs> c'est ça qu'on va vous lire. <laughs> c'est tout ce que vous méritez. Ah là 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 là. Le discours, en définissant la beauté, définit les conditions du pouvoir des honnêtes gens. Vision naïve, certes, mais on aurait tort d'ironiser. Sous ces propos légers se cache le terrible pouvoir d'un discours représentatif d'un groupe social et instrument d'unification et de terrorisme, qui, d'une façon plus générale, intègre toutes les raisons dans la raison du beau discours. Discours dont toute la force tient dans la multiplication des formes de la représentation. Jeux d'analogie, métaphores, transferts, tous les jeux des tours idéalistes y passent et établissent ce monument métaphysique dont la physique est la matière et l'honnête homme le sujet, que limitent seuls les bornes de sa marche. Le raisonnement se termine par la fin de leur promenade. Sont donc énoncés avec jubilation les opinions diverses. Alors, vous l'avez compris, donc l'idée d'une clôture, elle est aussi largement théâtralisée. Donc Ariste et Eugène font une promenade, et la, la, la clôture de leur proposition théorique, et donc la clôture du livre, tout ça est complètement consubstantialisé. C'est la fin de la marche, et hop, on peut fermer le livre. On approche euh, ouais, effectivement minuit. Ça veut dire, Annalise, que quand tu es naze, tu pas à me le dire. Je sais que tu n'as pas les mêmes horaires que moi et d'autres obligations. Donc, dès que tu es fatigué, tu me dis. Ok. Tu pas. Hein. Bah... Je me disais qu'on aurait peut-être pu finir, mais c'est peut-être ambitieux de se dire qu'on va finir en 5 minutes. Parce qu'il reste 7 pages. Ouais, quand même. C'est ouais. <laughs> peut-être beaucoup. Ça te paraît beaucoup? C'est qu ce qu'on fait. Euh... Bah, comme tu. Bon, écoute, on poursuit <laughs> bah, un peu, on verra bien. Tu me dis que dès que t'en as marre, c'est pas grave si okay. on s'arrête à deux pages du chapitre. On s'en fout. On verra ça après. On finira bizarrement la prochaine fois. Et puis c'est tout. Non, le droit okay. de finir bizarrement. Vous êtes très très attentif, d'accord. Vous écoutez premier juré, bien sûr. Vous êtes fiacquement attentive, bien sûr. Les autres rapportent. Alors voilà ce que dit donc sur les marées, euh, notre petit duo comique. Les autres rapportent tout à la lune, comme à l'astre qui domine sur les corps humides, et qui a une telle sympathie avec la mer, que l'une change régulièrement comme l'autre. C'est-à-dire qui qu'il y avait déjà une observation empirique des liens de la marée et de la lune, dis donc. Tu vois, je l'apprends. Ce qui a donné lieu à une devise, laquelle a pour corps une mer sous une lune, et pour âme, ce mot espagnol. Consus mundansas, mais mudo. Voilà, comme je parle pas un mot d'espagnol, je ne sais pas ce que je viens de vous lire. Tu parles espagnol <laughs> je, je suis censé, mais je ne sais pas ce que c'est mundansas et mudo. Donc euh... Consus, c'est euh, avec soi. Avec ses. Euh... Avec nous. Et mudansas c'est un nom. Mudansas c'est un nom, donc c'est avec ces mudansas, moi, euh, du coup c'est peut-être avec ces mouvements je suis mu. D'accord. Avec ces mouvements je suis mu. Très bien. Ces philosophes qui s'attachent à la lune expliquent leurs opinions en diverses manières. Il y en a qui donnent aux influences de cet astre une vertu à peu près semblable à celle de l'aimant. Ils disent que la lune attire les eaux à soi par une vertu secrète. Ouais. Et qu'elle forme une bosse qui, venant à s'ouvrir, se répand de part et d'autre sur les bords d'où ses eaux se retirent ensuite pour se rétablir en leur état naturel, etc. Alors, on sort du texte. On croirait que cette multitude de propositions n'existe que pour être intégrée par le sujet d'énonciation qui les dissout dans le plaisir du texte et en forme le lieu absent que remplit la nécessité sociale. Donc on reste encore dans un rapport de possession. C'est-à-dire qui néglige le travail qui est conduit à l'objet euh, qui est vraiment euh, à écarter. Et là, en l'occurrence, l'objet, c'est les idées, euh, les idées euh, des scientifiques. Mais dites-moi, mon cher Ariste, de tant d'opinions différentes, laquelle est-ce qui vous plaît le plus À vous parler sincèrement, repartit Ariste, elles ne me plaisent guère toutes. Voilà. Bon. Donc, la question, vous l'avez compris, hein, de euh, la validité d'un énoncé, euh, d'une proposition scientifique. C'est sympa ou c'est pas sympa Ouais, non, c'est tout c'est chiant. Ça m'emmerde, moi. <laughs> Et il ajoute Il y a des mystères dans la nature, comme dans la grâce, incompréhensibles à l'esprit humain. La sagesse ne consiste pas à en avoir l'intelligence, mais à savoir que les plus intelligents ne sont pas capables de les comprendre. Voilà, c'est ça la sagesse. Vous l'entendez, hein. une fois que vous avez compris qu'on ne peut rien comprendre, vous pouvez continuer à aller euh, tranquillement euh, bouffer euh, votre homard, tranquillou, hein, en riant euh, de, de la merde d'incompétence que représentent les approximations scientifiques. Voilà. <laughs> Sagesse socratique, euh, dispositif idéologique bien plus tôt, qui fait passer dans le discours élégant par l'intermédiaire de la religion les divers canaux de la puissance. Le discours mis en place par Bourg est complémentaire du, ou substituable au, système de Port-Royal. Celui de Port-Royal vise à donner aux disciples la maîtrise d'un réseau d'échanges dont il sera la plaque tournante. Celui de Bourg tend à remplacer les longues chaînes de raisons par les charmes d'un discours de classe théologisé dont le mystère, incompréhensible à d'autres que les honnêtes gens, est l'arme essentielle. Le mystère est l'arme essentielle. Il est carrément la forme même, finalement, euh, des relations de connaissance euh, possibles. La suprématie, la grâce qui touche cette classe, c'est d'avoir su trouver un écho, finalement, dans le monde, euh, au propre mystère, hein, qui fait cette grâce qui est la leur. C'est le mystère fondamental du monde, et, et baste quoi. L'art rentre ici dans le fonctionnement d'un type nouveau de société. Comme tous les mystères, celui-ci a ses clés. Ce sont ici les devises dont l'examen remplit le sixième entretien. Ça a été dit trois fois, je crois qu'on va s'en souvenir. Clé ouvertement rattachée non à la raison, mais à la volonté du sujet. Si Arist et Eugène, dans le récit, parlent des devises, c'est parce qu'ils ont ouï dire qu'un vaisseau est entré la nuit dans le port, que leur curiosité en est échauffée et qu'ils s'en font un but de promenade. Le vaisseau porte des soleils et la devise nec pluribus in par. Ceux qui enclenchent la discussion. Alors là, il y a peut-être moyen d'aller traduire en latin. Est-ce que quelqu'un peut se trouver là un petit euh, traducteur en ligne euh, latin-français Parce que moi, je suis nul. Et pourtant, j'en ai fait un peu, mais je suis vraiment pas bon. C'est impardonnable, il faut que je m'y remette. Allez-y. Nec pluribusimpa, traduisez-moi ça, vous allez bien trouver, vous n'avez rien d'autre à foutre. <laughs> Ceux qui enclenchent la, dis la discussion. La dissection. <laughs> La métaphore est posée comme point de départ d'une recherche de la vérité. Alors sous quelle forme cette recherche va se faire puisque c'est pas celle de la raison, vous avez bien compris. La discussion sur les devises permet de mieux comprendre quel rôle pragmatique joue la théorie du signe dans le fonctionnement de la société qu'assume et assure le discours élégant. La devise est donc définie comme une métaphore. Texte. La devise est à le bien prendre une métaphore et une métaphore de proportion qui représente un objet par un autre avec lequel il a de la ressemblance. Vous voyez le principe. Hein. Alors, Clint dit, c'est à nul autre pareil. À nul autre pareil, nec pluribus impar. Ben, D'accord, merci beaucoup. Alors, comment ça s'inscrit dans la proposition Le vaisseau porte des soleils, et la devise, à nul autre pareil. Ce qui enclenche la discussion. Définition qui renvoie à la définition du signe qu'on trouvera dans le chapitre 1-4 de la logique de Port-Royal. Mais ce que ne dit pas la logique, et ce que vont dire les entretiens, c'est la nature de la relation qui donne au signe pouvoir de représentation. Là, ça va devenir intéressant. C'est-à-dire quels sont en gros les, euh, les rapports d'homothétie, les rapports d'identité, les rapports d'assonance qui existent entre l'objet et ce par quoi on le représente où se trouve en fait, si vous voulez, le, le mode d'analogie. Ce qui est repris ici, c'est le problème laissé pendant au premier entretien. Si l'honnête homme seul est capable d'ordonner en son discours les argumentations désordonnées des savants, s'agit-il d'une opération totalement aveugle ou peut-on en proposer un système de fonctionnement qui serait une rhétorique justifiée Ce rattachement, Bourg le fait explicitement sous les formes du code de cette société d'honnêtes gens. La politesse qui implique obligation de réponse. Alors ça, vous allez voir, c'est vraiment très étrange. Hein, les, les, les paradigmes sur lesquels reposent euh, chacun des chapitres de euh, comment de, de la théorie du langage, appelons-la comme ça, de Bourg, vont vous paraître un peu lunaire. Il y a le je ne sais quoi, et il y a la politesse. Et en fait, le maître mot de euh, la théorie de Bourg, c'est la délicatesse. C'est la clé de voûte, en fait, de son système. Qui, évidemment, n'offre encore que dans une classe sociale, vous l'avez bien compris. Alors, qu'est-il dit ?« Quand ce ne serait que pour m'acquitter de ce que je vous dois, touchant le flux et le reflux de la mer, répartit ariste en riant, car il faut rire, hein, je serais obligé de vous dire tout ce que je sais sur le chapitre des devises. Et je veux bien satisfaire tout à l'heure à une obligation aussi juste que celle-là. Quand même, il ne va pas le laisser en, en berne avec la demande tout à l'heure d'explication, d'éclairage. Il s'agit d'un débat essentiel qui, par l'intermédiaire d'une analyse du signe, va engager le statut des différents types de discours. Madeleine David, dans le débat sur les écritures et l'hiéroglyphe au XVIIe et XVIIIe siècle, a bien montré... Profond travail théorico-idéologique s'est fait à partir du classement que le XVIIe siècle instaurait entre trois types de représentations figurées. Les signes mexicains, qui collent presque identiquement à la réalité sensible et représentent une maison par une maison. Donc là, on a compris, on va arriver dans cette fameuse hiérarchie que j'évoquais tout à l'heure avec Candalis, dans une compréhension un peu généalogique du signe. Donc à cette époque, là on est au 17e, ça fait un petit paquet de temps qu'on est allé emmerder euh, les habitants du continent de vie américain euh, pour les massacrer un petit peu et les piller. Et donc, on a une connaissance euh, assez vaste de, euh, du patrimoine culturel qu'on ramène par petits bouts en Europe. Donc, il y a déjà des gens qui planchent là-bas hein, sur euh, les, hiéroglyphes, les hiéroglyphes des, pardon, des euh, différentes euh, populations qui habitent euh, l'Amérique du Sud. Et il y a déjà des répertoires de signes, euh, etc. Je ne sais pas si on a encore euh, avancé... Euh, dans le décryptage de codex, j'en sais rien du tout, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout des inconnus à ce moment-là, donc on n'est pas étonné de les voir apparaître comme euh, exemple ici. À quoi ben, On va voir. Hein. Donc, les différentes représentations trois types. Les signes mexicains, qui collent presque identiquement à la réalité sensible. Les signes hiéroglyphiques, représentation du monde, mais représentation ordonnée selon un sens profond accessible aux seuls initiés. Les signes chinois, Abstraction renvoyant directement aux opérations abstraites de l'entendement. Alors, si on pour les souvenirs que j'en ai de l'écriture chinoise, en fait, elle joue sur plusieurs de ces registres à la fois. Hein. Et qui plus est, à ma connaissance, il n'en existe pas qu'une, mais euh, je dirais hein, là aussi, il y a une hiérarchie sociale de l'écriture assez complexe, avec différentes graphies qui leur correspondent. Euh, D'autre part, il est plutôt fréquent dans la plupart des langues écrites qu'existe à la fois un certain type d'écriture, par exemple hiératique, mais aussi des écritures cursives qui ont d'autres usages dans la société. Donc là, il y a une, un ordre des, des écritures qui est un petit peu arbitraire, un petit peu rapide, on va dire. Donc on aurait trois types de signes. Alors qu'est-ce qui en est dit Si les signes mexicains sont laissés de côté comme trop élémentaires. C'est dans l'opposition de type chinois. Alors, on ne tient pas compte du fait qu'en fait, euh, discourir, c'est articuler. Hein. Parce que vous êtes, on entend bien que la, la nature du signe employé elle on ne permet pas de comprendre quoi que ce soit de ce qu'ils sont comme opérateurs de, de production de sens. Quoi. Mais pourquoi c'est comme ça Pourquoi c'est dit comme ça Il faut bien comprendre que chez et ça, c'est une des impasses souvent de la philosophie analytique et des philosophies logiques en général, c'est que comme leur modèle est un modèle mathématique, ça donne une vision de la langue qui est incroyablement nominative. Et on se rend très très vite compte quand on lit Goodman, par exemple, que on est en train d'étudier une construction du discours ou Peirce, c'est pareil, hein, à base d'Anne, vers qui est ceci ou qui fait cela. Et on comprend bien que le nombre d'opérations euh, du discours qui pourraient trouver un équivalent mathématique sont très très rares. Et donc il faut réduire le langage à trois fois rien. Des noms, on oublie tout ce qui les caractérise, la prédication, elle passe à l'as, ou pratiquement, sauf quand elle est vraiment ultra simplifiée, et des formes verbales qui ne marchent plus dès qu'on sort simplement de la méréologie. En gros, à part avoir et être, c'est la merde pour trouver un formalisme logique qui correspond à l'engagement. Voilà. Et donc voilà, euh, évidemment, ça, là on ne s'intéresse pas du tout aux opérations. On s'intéresse juste aux signes, enfin, tout court, isolé, comme si ça nous renseignait sur langue et langage. Mais euh, non, en fait, pas du tout. Euh, on peut imaginer euh, des signes extrêmement complexes, fabriqués par des boy scouts pour leurs signes de piste, qui ne signifient rien d'autre qu'un objet et sans être capable d'articuler quoi que ce soit ensemble. Donc le degré de complexité du signe, euh, on s'en fout complètement en fait. Il nous dit rien euh, du discours. Si les signes mexicains sont laissés de côté comme trop élémentaires, c'est dans l'opposition des types chinois et hiéroglyphiques que se définira l'effort scientifique de chiffrage du monde et donc de son ordonnancement. Le codage chinois se prêtera à tous ceux qui rêvent d'une langue conceptuelle universelle. Le codage hiéroglyphique offre un modèle à tous ceux qui rêvent d'unir à une grande faculté intégrative une délimitation des sujets, donc, probablement du sujet du discours, du sujet qui parle. J'ai rêvé où Laurent a soudain parlé d'Anvers. Donc j'ai vraiment parlé d'Anvers parce que c'est un des vrais exemples hein, utilisés euh, par euh, Goodman. C'est un moment particulièrement pathétique de tentative de formalisme chez Goodman. Dieu es son âme. La devise est pour Bourg, pour ménestrier la forme hiéroglyphique que nous lègue une histoire aristocratique. Elle est, elle en est l'étymologie, la racine qui traverse les systèmes de signes et la syntaxe qui en définit les relations. Elle dégage du discours sa valeur signifiante. Elle le constitue en œuvre d'art. Vous avez compris quoi Là, on essaye d'imaginer une espèce de version. Euh, C'est pour ça que le terme de code devient important à cet endroit-là. Une version d'une relation au signe qui ne fonctionne que sur une idée élitaire, en fait, de euh, l'accessibilité au signe. Le signe comme chiffrage, en fait, chiffrage ésotérique, au sens le plus littéral de ça, il faut être initié pour y accéder, et euh, dont l'organisation, il parle de syntaxe, mais en fait, si on est en train de parler euh, d'une allégorie, là encore, la syntaxe, elle va être très rudimentaire. Forcément, elle va pas permettre ce que euh, l'énoncé euh, verbal euh, permet, par exemple, en termes de complexité de relation entre, entre les termes. Mais il faut que ça la constitue en œuvre d'art. C'est-à-dire avec l'espèce d'évidente clarté de la beauté. Parce qu'il est question là aussi d'une évidente clarté. Enfin, il ne s'agit pas de questionner la beauté. On est bien d'accord. Hein. Il ne s'agit pas de produire une esthétique en l'occurrence. La devise est composée d'une représentation visuelle et de quelques mots lapidaires. Dans quel système du monde elle fonctionne L'analyse des énonciateurs et énonciations du texte de Bourg va le montrer. Petit 1. Définition de la devise sujet et objet. Est ce que que dis tu si je... est ce que ça se passe si on arrête ici comme ça la prochaine fois on fait les il' a aucun deux problème sur la a devise. comme ça on fera live mise une autre fois et on finira euh, on finira là euh, en rappelant un petit peu ce dont on aura causé où bon, je pense que tout le monde aura en tête les ou alors on pourra très paracheusement euh, faire comme je fais souvent où il avait qu'à aller voir le replay <laughs> c'est un peu léger mais souvent euh... Ah oui, bah, je dirais que le chapitre sur la myth il est juste après, en fait. Il est Il est juste après. Ouais, il est juste après. C'est bien, oui. Okay. Ça va être sur la caractéristique et assez... enfin, ça va être assez excitant, je pense, parce que c'est un... un projet qui est tellement encore présent, finalement, dans, euh... bah, oui, dans la philosophie analytique, au fond. Et dans plein d'autres euh, propositions. De... Bah, notamment dans un moment euh, de l'histoire particulier où on fabrique des IA. De repenser assez considérablement nos rapports à la euh, production artificielle de ce qui semble être des formes de discours. Donc, c'est énormément remis en branle, tu peux l'imaginer, euh, la capacité mimétique d'une machine euh, dont on voudrait imaginer quelle est la réponse réalisée, tu vois, à tous ces formalismes. Mais euh, non, ça n'est pas le cas, tu peux bien t'en douter. Donc, oui, bah on va s'arrêter là. Euh, Je n'ose plus poursuivre mon révisionnage de la critique de Goodman jusqu'au bout. Alors, tu fais bien, Annalise, Laurent est reparti pour 4 heures. Oh, ça va. Alors, Lucie dit il n'a pas fait de chinois. Euh, tu, quoi, le, le père Bourg, étant donné qu'un mot a des valeurs extrêmement différentes en fonction de sa place dans la phrase. Mais là, on comprend bien que euh, connaître vraiment les objets dont on parle, c'est presque vulgaire, en l'occurrence. Hein. Euh, on va pas faire ça avec le père Bourg et, et ses amis. C'est une bah vision distante, lointaine. Bah euh... ben oui. Pourquoi faire ça Si euh, si tu appartiens à, à une société qui en elle-même euh, a déjà une certaine garantie de la juste distance par rapport aux choses, elle peut toujours établir que ce qu'elle en comprend ou ce qu'elle n'en comprend pas, c'est la ligne de démarcation entre ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. C'est aussi simple que ça. Si vous faites partie naturellement d'une classe qui a posé que sa capacité à comprendre, c'était sa capacité à discriminer ce qui était intéressant ou pas, la question est réglée. Pourquoi se faire chier <laughs> Eh bien, je vais poser dans ce cas-là la question fatidique que je pose toujours euh, avant d'arrêter. C'est où est-ce qu'on raid Est-ce que vous avez des idées Est-ce que tu as une idée, Andalie Je ne sais pas où. Je n'en peux plus, moi. Tout, tous que les que soirs, c'est je... la grande angoisse. Alors, ben, ce soir, <laughs> il est beaucoup plus tôt, donc il y a beaucoup plus de monde en live. Ça va être plus facile. Mais d'habitude, je ne sais pas. Là, il y a Lady Croco, Vision. Ouais, là, il y, y a beaucoup de monde dans le stream. Il y a pas mal de monde en ligne. Mm. Qui t'irait voir Il y a Bichette, il y a Mister T. Est-ce que tu as une petite idée Alors, Bichette euh, est en train de jouer, euh, bah, cette feignasse. Bichette, ouais, c'est la personne qu'on a en commun. Je sais pas à quoi elle joue. Bah, dis-moi, je te suis. Allez où choses qu'on en qu commun. Allez, dirige le raid. C'est trop de responsabilité. Allez Bah moi honnêtement j'allais te proposer Bichette donc... Ah euh... oh bon bah alors allons chez Bichette alors, euh, <laughs> alors si, si tout le monde est d'accord avec plus, ça... C'est pas marrant mais... Euh... Eh ben poussez des petits cris euh, d'opossum et puis euh, allons allons chez Bichette. Euh, hop j'en vois. Elle joue à quoi oui. À Graveyard Keeper. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Vous lui dites bonjour de ma part. Je crois que c'est un, un, un jeu bizarre avec euh, des zombies. <laughs> D'accord. <laughs> bon, elle est encore en train de m'assister. Ça ressemble à Stardew Valley. <coughs> tu ne dois pas connaître. Mais... Non, mais je ne connais rien au jeu. Là, Visuellement, je... ça, ça ressemble à ça. C'est un, un jeu en pixel art. D'accord. Ok. Eh bien, salut les gens. À bientôt.